Le ID Simulcast, c'est le classement de vos animés en simulcast préférés. Pour participer, il vous suffit de voter en vous rendant sur le site internet https://www.radio-anime.net, de cliquer sur l'onglet Le ID Simulcast et de proposer vos trois animés simulcast préférés. Mais attention, les trois animés doivent être en cours de diffusion sur l'un des services de simulcast français comme ADN, Crunchyroll, Wakanim, Netflix ou encore Prime Video, et de cliquer sur le bouton Envoyer pour valider vos propositions. Les résultats de vos votes donneront un top 10 qui sera dévoilé tous les 15 jours, le dimanche, dans l'émission Morning Otak. Alors, à vos votes! Et bonsoir et bienvenue pour ce troisième numéro de RetroCase, l'émission 100% rétro pop culture japonaise. Et oui, il y a du monde! Il y a du monde à l'image! Enfin, en image, moi pas tellement. Oui. Vous avez entendu une personne parler, mais vous ne voyez pas cette personne. Mais je vais la présenter, qui est cette personne, juste après. Donc, pour m'accompagner ce soir, eh bien, nous avons Yota. Bonsoir Yota. Bonsoir tout le monde. Ensuite, nous avons Daisuke. Monde. Suivi de Dafakun. Hey. Et juste en dessous, un des premiers invités. Alors, comment tu veux que je t'appelle, Nathanaël? Comme tu veux. Comme je veux. Alors, Nathanaël, oh, t'appelles Benoît. De Monkey Stevie et de Little Big Monster Edition. Donc, un des premiers invités. Plus, bah, la personne que vous avez entendue, mais que vous n'avez pas vue, c'est Vania, tout simplement. Vous avez son pseudo. Voilà. Coucou. Qui est le collègue de Nathanaël dans Monkey Stevie. Et Little Big Monster Edition. Et nous avons quelqu'un qui s'est rajouté hier soir.
Il est très tôt chez lui, très très tôt au Japon. C'est Simon alias Egeiger. Et oui, c'est un sujet qui m'intéressait. Donc, il est avec nous. Et enfin, nous avons. Comment tu t'appelles déjà, toi ? Yodoka. J'étais sûr qu'elle allait me faire une saloperie. Le stagiaire, rappelons-le, le stagiaire. Oui, exactement. Quelle pourriture. Yodoka, qu'on ne présente plus, enfin un peu. Voilà. Bonsoir, un minimum, Yodoka. Quoi. Bonsoir à tous, bonne soirée. Alors, j'espère que niveau sonore, niveau visuel, tout est bon pour les personnes qui nous regardent. Déjà, bonsoir à Audrey qui vient d'arriver. Je tourne la tête, nous avons Professeur O sur Twitch, ouais. Animé HD sur Twitch, alias Anthony. Bah voilà, n'hésitez pas à partager avant de démarrer. Oula, il y a du monde, hein. Waouh, on est pratiquement 30. C'est attendu. Donc, cool. N'hésitez pas à partager sur vos ouais. réseaux, n'hésitez pas. Et on va parler, le dossier, vous l'avez vu. Les années Tokusatsu en France de Spectreman à Jetman. Et oui, je ne parle pas de ce qui a été diffusé au Japon, je ne parle que ce qui a été diffusé en France et qui est arrivé jusqu'en France et qu'après Power Rangers a tout démoli. Ah, ça y est, je vois que c'est bien orienté la soirée. Mais avant d'attaquer le dossier, nous avons de l'actu rétro. Après c'est le dossier. Faux. Avec les périodes 70, 80 et 90, les produits dérivés, la tête dans les pixels qui sera sur Kirby fait par Ryodoka, le rayon old school par les chroniqueurs, ils ont choisi un objet, quelque chose qui date des années 80-90 et qui vous le partage. Et enfin le top 7 sur les animés diffusés ou produits en 1989, mais aussi diffusés beaucoup plus tard chez nous pour certains. Donc voilà, et après on aura terminé. Donc, je pense qu'on va démarrer déjà par l'actu rétro. 21h20. Comme tu veux. Hein. T'es pas obligé, mais fais quand tu veux. Mais si, je suis obligé. Voilà. Donc, on va. Est-ce que c'est dans le fil conducteur ? Ah oui. Enfin, peut-être qu'on démarre. C'est dans le programme. Hein. Allez, c'est parti. On va basculer. Alors, déjà, dans le magazine. Bim, hop. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est. J'aurais dû mettre le sommaire avant quand je l'ai énuméré. On l'a refait. Voilà. Allez. Allez, on refait, deuxième, allez, l'actualité rétro manga et animation japonaise, la tête dans le pixel avec Kirby Orion Old School, le top hier sur l'année 89, le supplément, ah ben non, il n'y en a pas, je le dis bêtement, et le dossier du mois, les années Tokusatsu en France, de Spectreman à Jetman. Donc, on va commencer par le tour rétro, c'est cinq petites news que j'ai retenues de ce mois-ci. Hop, c'est parti. Eh bien, il est annoncé un livre. Et les éditions Pix & Love sur Evangelion et notamment oui. sur son créateur Hideaki Anno. Est-ce que ouais. ça intéresse déjà quelques personnes parmi nous c'est un achat, voilà. N'hésitez pas. Ça peut être intéressant, oui. Ça peut être intéressant, en effet. C'est bon. D'accord. On verra. Non, mais de toute façon, là, c'est du texte, donc, principalement. C'est du texte, puis... comme a été fait pour City Hunter, Rumiko Takahashi, voilà. Kaza Ojo, tout ça. C'est dans le même délire, en fait. Mais sur comme une biographie, tout le monde peut lire. Voilà, tout à fait. Ah, parce qu'il faut lire en plus. Oui, il faut lire. Ouais, mais non, là, sinon, il n'y a pas que des images. Trop fort, non, mais je te ferai une version, je ferai un livre audio si tu veux du bouquin. Alors, je vais répondre à Sylvain qui dit pourquoi de Spectreman à Jetman, Sankuka, ça pue. Eh ben non, rassure-toi, Sankuka, il y est. C'est juste que. C'est juste qu'il connaît rien. Dans les 70, il n'y a pas eu grand-chose à part Sankuka et c'est tout. Mais t'inquiète, on va en parler. Il y en a eu un avant Sankukai. Il y a beaucoup qui se trompent en disant que c'est Sankukai. Il y en a eu un avant en France. Ultraman, tu parles ? Oh, non. Merde. Ultraman ? Le truc des chevaliers. J'ai plus. Les chevaliers. Hein ? Un truc de chevalier. Où est-ce que tu. Japonais. C'est japonais. Si. C'est un chevalier. Un Tokusatsu qui. Non, mais attends, ça s'appelait. Les chevaliers. Oh, faut que je retrouve les chevaliers du fiel, peut-être. Les chevaliers du ciel. Fais ta recherche parce qu'on va pas. Parce que mieux. Je sais qu'il y en a un avant Tonson Senkukai, mais je sais qu'il y en a un avant que. Ah bah on va voir avec Nathanael et Vania voir. Bah vous Simon. Savez, non. Peut-être que. Mais on va voir après parce que sinon on va s'éterniser. Ouais, vas-y. Donc on va passer à la news suivante que ça a été annoncé par Glena qui vont sortir le Shoujo de Dragon Ball. Enfin, il était temps. Donc maintenant que la hype est passée, c'est tout simplement une mise à jour en fait de ce qu'on a eu déjà en France, hein, de ce que j'ai lu.
Donc ça va sortir prochainement chez Glénat. Suivi en bas, la réédition de Mermaid's Forest de Rumiko Takahashi et l'école bah, emportée. C'est cool. Ah, c'est et oui, super cool. Donc, bah, qui arrive aussi chez Glénat. Ils ont fait beaucoup d'annonces hein, ce mois-ci. Et bah, la pub, elle a tourné un peu partout sur les réseaux. C'est pour les 40 ans du manga. Donc c'est la news suivante. Les 40 ans du manga Touch de Mitsuru Adachi qui était bah, qu'on peut croquer à McDo au Japon. Donc voilà. Donc voilà. Et enfin la dernière news, Lupin qui arrive dans un recueil chez Kana. Oui, c'est ça, c'est Kana. Prochainement, fin d'année 2021. Un recueil, hein, c'est pas le manga. Peut-être qu'il teste les choses. Et ça, c'est suite ouais. Évidemment au succès de la série qui est diffusée sur Netflix. Voilà pour les news. Après, si vous voulez réagir sur les autres news que j'ai évoquées, notamment sur la réédition d'un titre de Rumiko Takahashi. Ah bah moi, Mermaid Forest, je veux le prendre, hein, j'ai que le tome 1 depuis... Eh oui, 99, années. Je crois que c'était en 99, il me semble, qu'il était sorti. Moi, je veux la suite, donc oui, je vais prendre cette nouvelle édition ouais. Sans la moindre hésitation. Quoi. C'est... Ah oui, oui, moi aussi. C'est clair, quoi. Et vraiment, les anthologies ouais. Des Mermaids, des Rumik World, c'est ce qu'on attend beaucoup aussi, parce que c'est... C'est moins dans l'humour et c'est beaucoup plus dans l'horreur, donc c'est ouais, tout à fait, plus, ouais. Plus original. Donc, l'histoire est vraiment intéressante ouais. Et ouais, non. On avait vu que les OAV à l'époque, donc ouais. J'ai hâte. C'est une jolie sortie, ça, franchement, ouais. Ok, bah on va boucler ce Actu Rétro de janvier 2021 et on va passer évidemment le dossier. Du Tokusatsu diffusé en France. Hop, on va dévoiler le visuel. Donc voilà, j'ai fait un petit mix. Évidemment, ça, j'ai enveloppé les Metal Hero, les Sentai, voilà, les Super Sentai et tout. Donc forcément, il y avoir un peu ouais. De tout, mais tout ce qui était diffusé en France. Et j'espère que tu as trouvé ce que tu nous donnes. Oui, c'est bon, je l'ai trouvé. Les chevaliers de Baphomet. Alors vas-y, j'ai hâte de savoir parce que c'est la légende des chevaliers aux 108 étoiles. La vache, c'est vachement long comme titre. Ouais. Et c'est un tout français. Mais ben, après, ça dépend comment vous définissez Tokusatsu. Bah, moi, Tokusatsu, c'est tout ce qui est effets spéciaux. Bah, c'est ça que ça veut dire. Donc. Ouais. Donc si ces chevaliers se transforment en super chevaliers, ok, mais si c'est pas le cas. Ils se transforment en monstres, c'est des kaijus, c'est des autres choses. C'est vrai, ah, ça. Les kaijus sont les tokusatsu. Oui. Non, mais. Alors, un dérivé. Vous savez ce qu'il veut faire? Non, ça fait partie du tokusatsu. Il veut me flinguer mon dossier. J'ai une certaine idée de ce que je voulais faire. Je suis pas d'accord, Yota. Je suis pas d'accord. Ça fait partie. Attendez, il y a Nathanel, il sait dire. Non, c'est vraiment moche, franchement, là. C'est vrai. Non, mais je sais pas. Ça dépend. Est-ce que tu le prends pour un tokusatsu? Personnellement, non. Non, d'accord. Ouais, moi non plus. Hein. Voilà. Pour moi, plus que je vois. Non, bah je sais pas. Pour moi, on dirait plutôt des Shambhala. Attention, quand je dis tokusatsu, c'est tout ce qui a effet spéciaux, les personnages qui se transforment. Évidemment, je sais bien qu'il y a d'autres choses qui ont été diffusées, mais sinon, pas fini, sinon je fais plusieurs parties de l'émission. non, j'avais une idée. Après, il y a plusieurs écoles, hein, faut faire gaffe. Hein. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais j'avais une certaine idée de ce dossier. Je vois que le. Attendez, le chat, il a moitié coupé. Hop, Simon connaissait ce que je. Voilà. Enfin, j'ai remis le chat à peu près mieux pour qu'on voie mieux les messages pour réagir sur vos commentaires. Donc dites-nous hein, si ce qu'il a dit Daft Pakun, si vous connaissiez ce tokusatsu qui n'en est pas un. Ça a diffusé sur quelle chaîne? Il a osé m'interrompre pour ça. Comment je t'ai pas il interrompu. A osé, tu te rends compte. Oh là 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 là. Pour une fois. Quel malfrat. Alors qu'il est tout gentil et tout calme d'habitude. Tu vas être puni. Hein. Daft Pakun faisait ce genre de choses, enfant. Bah ouais. Allez, on va attaquer bah, la période 70. Et on en parlait juste avant. Voilà, Sankukai. Un petit visuel d'illustration. Donc, c'est un des premiers qui a été diffusé. Après, on peut me corriger. Je tiens à dire que je ne suis pas un spécialiste. Moi, je me base sur mes souvenirs, sur ce que j'ai aimé, ce qui a été diffusé en France. Et c'est pour ça que nous avons des invités. Ils peuvent me corriger. Eux, ils ont le droit. Pas d'affaires. On va venir te corriger.
Attention quand même là, les gars, quoi. Ouais. Voilà, si j'ai dit des bêtises, qu'il y a eu quelque chose avant Sankukai et pas les chevaliers du 108 machin, là. Stop, t'as dit bêtises. Non, mais t'inquiète, toi, allez. Voilà, je vous laisse la parole, hein. Et voilà, les Suikoden, c'est Suikoden en fait. Et en plus, oui, ça vient de. Non, mais en plus, ça vient de l'histoire de Suikoden. Mais oui, oui, c'est pour ça que je parle. Voilà, si on revenait au sujet de ce que je suis en train de dire, Sankukai, parce qu'on ne va pas s'éterniser sur ces 108 chevaliers. Voilà, ah, nous avons perdu Nathanaël, on a perdu son téléphone. Voilà, le temps qu'il se recadre. Voilà, donc on va parler de Sankukai pour les, alors, pour les souvenirs, pour ceux qui s'en rappellent. On peut parler des musiques, on peut parler de l'histoire. Qu'est-ce que ça a été, pourquoi ça a été, enfin, Sankukai a été inspiré de quoi? On sait tous. Voilà, je vous laisse la parole, hein. C'est parti. Qui veut prendre la parole? Bah, je vais laisser à Nathanaël ou Vania, ceux qui veulent intervenir, n'hésitez pas, ou Simon. Ouais, on les invite là-bas. Voilà, si tu as des choses à dire sur Sankukai, apporter des anecdotes, n'hésite pas, c'est le dossier est fait pour ça. Qu'est-ce que tu veux dire sur Sankukai? J'ai l'impression que tu as un décalage. Tu m'entends? Oui, je t'entends, j'ai l'impression que tu as un décalage. Je t'entends. Pour moi, Sankukai, c'est un peu comme vous, quoi. C'est-à-dire vraiment le souvenir d'enfance. Le premier tokusatsu, on ne savait pas que c'était un tokusatsu à l'époque, et on l'a appris bien plus tard. Et c'était une série rafraîchissante qui nous faisait penser à du Star Wars, forcément. C'est plus qu'inspiré par Star Wars, d'ailleurs. Le manga d'Ishinomori, il est différent pour le film, par exemple, mais il est excellent. Donc, je vous conseille de voir d'ailleurs le film qui est sorti en DVD aussi il y a quelques années chez Les Évadés de l'espace. Ouais, c'est très très bien. Ouais, c'est la VF est vraiment savoureuse en plus, donc il se regarde bien. Et la série, ouais, c'est un mélange de tout ce qui a été pioché dans le fantastique, surtout occidental. Pour moi, c'est un régal, quoi. Et je le regarde encore avec plaisir aujourd'hui, avec les musiques bien sûr refaites d'Eric Chardin, malheureusement. Mais c'est une madeleine pour moi. Alors, il y a beaucoup de gens qui critiquent cette série. Oui, c'est kitsch. OK, Seaman avec son masque de singe quand il sortait de l'eau avec l'eau qui coulait des yeux. Ouais, OK, bon. Les costumes, les lunettes de ski, etc. Je suis d'accord avec toi, moi. Moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est parce qu'elle a mal vieilli. Hein, c'est normal. Elle a mal vieilli. Mais si on le regarde en VO, on le voit totalement différemment. Moi, j'avais une appréhension. J'avais vu la VF il y a longtemps quand c'était sorti en VHS dans les années 90 à nouveau. Puis quand ils l'ont ressorti plus tard en VO sous-titré chez Déclic, Images, j'ai redécouvert totalement la série. Déjà parce qu'il y avait des petites censures. Voilà. Et ensuite, si je me gourre pas, c'est Seiji Okoyama qui a fait la musique. Hein. Mm-hmm. Je me gourre. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, et qui est, je me rappelle que la musique était belle, et puis surtout le jeu des comédiens en japonais, il est plus sérieux que ce qu'on entend. Enfin, la série est beaucoup plus sérieuse qu'elle ne l'est en version française. C'est là une énorme différence, et ça a fait un choc. C'est beaucoup infantilisé. Hein. Ouais, et ça m'a fait la même impression que pour Spectreman, en fait, quand je l'ai vu en VO. Je voyais pas du tout la même série, hein. C'était sérieux, il y avait des enfants qui meurent et tout. Enfin, Spectreman, c'est autre chose, c'est vrai. Ça m'a super étonné, hein, je veux dire, comme série. Alors pour Spectreman, on va l'aborder après. Évidemment, je me base sur la diffusion qui a été faite en France, parce que Spectreman, évidemment, date avant. Mais je voudrais quand même dire un truc sur Sankukai. Mm-hmm, vas-y. Je vais aller loin dans le délire. Vas-y. Vas-y. Hein. Que, je pense que comme Nicolas, je suis né en 74. Et là, 74, je vais vous faire crier. Voilà, 74. Moi. Je vais vous faire crier en disant que Sankukai, pour moi, c'est mon premier Star Wars, en fait. Parce que je suis né en 74, j'ai pas pu aller voir le film à 3 ans, voir Star Wars au cinéma. Donc, au final, en live, c'est mon premier film de, ma première série de science-fiction, assez bien foutu pour l'époque, finalement, qui est du Star Wars pour moi, en fait. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je l'ai pas vu, en fait, le film Star Wars. Je le connaissais via les jouets, mais en fait, c'est Sankukai. Il m'a fait rentrer un peu dans cet univers de vaisseaux, de pirates un peu de l'espace, bazar, de contrebandiers et compagnie. Et c'est passé par Sankukai. Ah, je suis d'accord avec toi. Je crois que j'ai que vu le retour. Et qu'est-ce que tu avais en fait à l'époque de séries bien foutues de science-fiction, à part peut-être Galactica, à la télé, c'était Sankukai pour les gamins, quoi. Après, moi, j'ai vu Star Wars après, et je me suis dit, OK, j'ai bien vu forcément le lien, et j'ai bien compris que Sankukai avait un peu pompé sur Star Wars. Mais voilà, c'est Sankukai est mon premier Star Wars, les mecs. Voilà. moi, j'avoue que peut-être parce que par rapport à mon âge ou quoi, mais Sankukai, j'ai jamais réussi à blairer.
J'ai jamais réussi à regarder entièrement. Ouais, mais c'était quand même un truc. À l'époque, parce que t'es trop jeune. T'es trop jeune. Oui, même en regardant plus tard, en étant un peu plus vieux, j'accrochais pas du tout en fait. Ouais, non, mais à la série. Voilà, je pense que faut l'avoir un regard d'enfant même actuellement, voilà. Hein, sinon. Voilà, ouais. Voilà, c'est ça. Mais bien sûr, totalement. Bah, moi, j'ai connu le Sengoku aussi, pareil que pour Vaniac, avant d'avoir vu un premier Star Wars. Je n'ai vu que le Retour du Jedi en premier. Ouais, voilà, le dernier, en fait, je l'ai vu au cinéma. Mais avant, j'étais trop jeune pour aller au cinéma et aller voir La Guerre des Étoiles. Tout le monde sait que c'est l'Empire contre-attaque le meilleur. Mais c'est vrai. Pas la question. C'était pas la question, je sais pas ce que j'ai dit. Mais c'est vrai que moi, mes références à la télévision, ça a été Sengoku et Spectreman parce que c'était les premiers, puis il y a eu X-Or et compagnie. Mmh. Mais vraiment, au plus ancien de ma mémoire. C'était ces deux séries-là, et maintenant on voit tous les défauts, mais à l'époque, comme tous les enfants, on ne voyait pas ces défauts, on était émerveillés de ce qu'on voyait à l'écran. Les parents, ils le voyaient certainement les défauts, mais nous, non. Donc voilà. Oui, je pense que c'est vraiment une question d'âge, en fait, au final. Pour moi, c'est vraiment une question d'âge. Ouais, peut-être. Avec un autre point. Baigné dans Galactica, Star Trek, Cosmos 1999, etc. Vas-y, Vania. Un autre point aussi intéressant, c'est que quand tu regardes un Star Wars, leurs têtes sont européennes ou américaines, enfin voilà, comme nous. Mais quand tu regardais ton gamin Sengoku, rien que de voir tout des japonais, que tu ne sais pas que c'est des japonais. Finalement, leur physique était spéciale pour nous, leur façon aussi de jouer ou de bouger et de sauter dans tous les sens, ça rendait vraiment le truc magique, quoi, en fait. Ouais, si gamin, tu t'en rendais compte de ça. Enfin, moi, je peux pas trop en parler. C'est pas se rendre compte, mais s'en foutre. On s'en foutait. Ouais, voilà, ça, c'est que. Ah, ça, en fait, ouais. Ce qui nous importait, c'était la série. Et on était devant, comme des gamins, ce qui est assez logique. On s'en foutait de l'origine, tout simplement. Tout à fait. Hein. Exactement. Maintenant, moi, j'ai une anecdote, c'est sur le film. Ouais. Parce qu'avant qu'il sorte en DVD, il existait en VHS, avec un autre doublage. Et c'est celui-là que j'avais vu. Mmh. Et quand il y a eu le DVD qui est sorti, j'ai recherché, parce que c'était dans un vidéoclub que je l'avais trouvé, j'ai recherché cette version et elle a été impossible à la retrouver. Et moi, j'ai toujours préféré cette version VHS que j'ai eue avec l'autre doublage, le premier doublage, que l'autre. Alors, je sais pas, peut-être que. Si, t'as raison. Donc. D'ailleurs, je fais un appel si quelqu'un a passe ta petite annonce, n'hésite pas. T'as raison. Hein. Sérieusement, c'est important. Ah, mais oui. Attendez, je vais relever un commentaire sur Facebook de Fred Az. Salut à toi. Il y a même des éléments du deuxième Star Wars qui sont inspirés de certains éléments de films des évadés de l'espace, je crois. Christian Chrétien qui nous dit X-Or aussi, mais ça, c'est après, c'est les années 80. Ouais, et salut à toi, Laïm, qui vient de nous rejoindre. Après, et je pouvais. Vas-y. Ouais, moi je vais acheter un truc, vu que Simon parlait du film Sengoku, peut-être que vous allez me corriger. Alors moi, Sengoku, je ne connais pas, vraiment pas. Moi, c'était pas lui mon premier tokusatsu, ce qui fait que j'ai eu du mal à regarder. Par contre, je m'étais un peu intéressé et le film Sengoku, enfin des rushs de film Sengoku ont servi en fait à la série, parce que je crois que le film était sorti avant la série. Oui. Et oui, ils se sont des rushs pour. Et voilà, le sort, les génériques. Ouais, bah ouais. Pardon. Ils ont puisé dans le matériel du film pour tout ce qui est décor, maquette, costume. Ouais. Ils sont servis, hein. Oui, ça c'est clair qu'il y a une filiation entre les deux. Évidente. Avec ça, évidente. Par contre, l'histoire, oui, bon, ça a rien à voir avec. Tu regardes les évadés d'espace, ça a rien à voir avec la série Sengoku. C'est Ken Fuku machin qui a fait. Tu as fait Battle Royale, qui avait fait le film, je crois, de mémoire d'ailleurs. Le réalisateur de Battle Royale, c'est oui, lui c'est qui ça, avait fait le film Les Évadés de l'espace. Travaux, où, voilà. Travaux, ouais. Et petite chose aussi à savoir, c'est que c'est la Toei qui a fait Les Évadés de l'espace de mémoire. Et ils se sont précipités quand ils ont vu le succès de Star Wars. Star Wars ne serait diffusé qu'un an après au Japon. C'est en 78. Ils se sont précipités pour faire leur film avant la sortie de Star Wars. Pour dire, on est les premiers. Pour les Japonais, pour dire, on est les meilleurs, en gros, par rapport aux Américains, j'imagine. Et ne pas être. Enfin, voilà, c'est assez fou. Oui. C'est peut-être pour ça que Star Wars a moins bien marché au Japon. Ils ont fait une belle avant-première aussi. Bah, il y avait un acteur, Vic Morrow, qui jouait dedans. Donc, c'est sûr que c'était une star à l'époque. Donc, un local, on va dire. Donc, pour l'exportation, c'était plus facile. D'autres choses à rajouter sur Sengoku où on passe à la période 80 Daisuke, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
Ah, je pourrais être méchant et demander à tout le monde. Mais tu peux être méchant. Vas-y. Ah merci, c'est gentil, je vais pouvoir être moi-même. Déjà, un dossier. Ah mais déjà que je me retiens dans Tounaï de pas être méchant. Je ne demande pas que tout le monde soit positif. Je ne demande pas que tout le monde soit positif. Ah bah, je vais me lâcher, je vais vas-y, être méchant, méchamment ridicule. Est-ce que Star Wars a-t-il mieux vieilli que Son Kukai? Voilà la vérité. Parce que maintenant qu'il y a 9 épisodes, est-ce que c'est pas devenu beaucoup plus ringard que Son Kukai à cause des 3 derniers épisodes? Voilà. Oh non, c'est une grande question. Pour moi, c'est la première demi-heure qui est vraiment chiante. Soulante. Excusez-moi du terme. Elle est soulante, là. Tu vois, soulante, c'est plus poli. Jusqu'à ce qu'il parte de la Tatooine, en fait. Jusqu'à ce qu'il parte de Tatooine, et puis c'est bon. Avant, c'est vraiment. Waouh, c'est long. Ah, toi, tu parles du vrai premier, du 4, toi, en fait. Ah, oui, du premier, oui, enfin, de le nouvel espoir. D'accord, tu trouves que le début est chiant, d'accord. Oui, oui, oui. J'ai dû vraiment, je zappe même, j'avance, parce que ça me saoule. Ouais, mais tout le monde, c'est une réalité commune que Yota n'a pas de goût. Mais non, mais je parle du début, je parle pas du reste. Je l'ai pas dit, hein. C'est de la vanne, c'est de la vanne. Et c'est beaucoup aussi, mais je fais ça, moi aussi, maintenant, j'avance parce que. Voilà, j'ai un commentaire de Animé HD sur Twitch qui dit que lui, c'est le générique qui l'a marqué. Son Kukai, oui. Évidemment, tout comme moi, hein. Moi j'ai pas regardé Son Kukai, c'est pas ma période non plus, mais j'ai jamais tenté de le regarder. Après, mais tu pas. Peux dire que c'est trop vieux pour toi, puis voilà. Moi j'ai tenté, et voilà. Regardez-le en VO, ça change ça. Tout. La VF, elle est elle est... maintenant je la trouve vraiment. Francis Lax, il en fait tellement des tonnes, que ah bah, ça, ouais, c'est saoulant. Parlons du doublage pour ceux qui connaissent les comédiens de doublage. Donc on a cité Francis Lax qui a participé. Est-ce qu'il y a Hernandez dedans? Gérard Hernandez. Oh, il y a deux yettes à un moment donné. Bah, de toute façon, je pense que ça devait être la même équipe de doublage, justement des animés des années 70, qui font des fin 70 qui sont arrivés. Dans ce cas-là, tu veux dire qu'il y a Roger Carrel qui se baladait dans. Je sais pas si c'est dans son Kukai, je sais avec pas. Avec Astérix et tout, ouais, ouais. Un palapala, son Kukai, un palapapa, son Kukai. Son Kukai est sponsorisé par Isola 2000. Isola 2000. Ah, on nous demande, savez-vous la date du premier épisode de Son Kukai sur Ecréa 2? Alors, c'était le 30 août 1980. Voilà, c'est au pif comme ça. Mais je m'en souviens, moi. Ah oui, il y avait Yves-Marie Le 15 Morin, septembre 1979. Dans comment le doublage, Yves-Marie Morin. Qui est la voix de. Alors, si je me gourre pas, je crois que c'est pas la voix de David Asseloff. Ayato. Je crois que c'est David Asseloff qui doublait Marie. Morin, ouais. Donc, oui, il a parti. Non, peut-être oui. Pas Ayato. Ah non, c'est l'autre. Autant pour moi. L'autre. Ouais. C'est mon doubleur qui a fini comme beaucoup dans le théâtre. Voilà. Il y avait Gérard Hernandez. Il y avait vraiment Gérard Hernandez qui était dans le. Eh ben, comme quoi, j'ai dit au pif. Ouais. Et... Oui, 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 il devait faire les villageois. Il y avait Karaté aussi. Il y avait... Ouais, mais de toute façon, c'est la même équipe. Tu vois, ouais, tu, en fait, tu vas retrouver la même équipe. Ouais, c'est ça, en fait. La même il n'a pas la voix pour faire les méchants. C'était plus les villageois, à mon avis, ou les gens. Tout le monde ne peut pas faire. Il va y avoir je suis je suis Golgo 13. Je suis comment il s'appelle, méchant. Je suis Golgo 13. Eh bien, c'est bon. Louis Baron. Louis Baron 13. Louis Baron. Bon, on va s'arrêter sur Son Kukai. Et on va passer à la période 80. Parce que là, il y a beaucoup plus de choses qui ont été diffusées dans les années 80. Non, sérieux? Ah oui. Je suis sérieux. Alors, je vais mettre le petit visuel qui va bien, évidemment. Hop là. Wow. Évidemment, pour citer quelques titres qui ont été diffusés dans les années 80, nous avons eu Spectreman en 82, dans Recrea 2, Xor en 83, Charivan en 84, Bioman en 85, Capitaine Shader en 88, Flashman en 88, Maxman, Speedvan et Jaspion, pareil, en 88. Ultraman 80 a été diffusé sur M6 en 88. Petite diffusion. Jiraiya en 89, Metal Gear en 89 et Liveman en 89. Voilà tout ce que j'ai ce qui est diffusé. Et Power Rangers. Non, ça on s'en fout. Non, non, non. On parle de Tokusatsu là. Attends, je t'en remercie. C'est du Toku. Alors, tu qui veut réagir sur ce que j'ai cité comme de Tokusatsu, donc du Sentai et du Metal Hero? Donc, peut-être par ordre. Commence peut-être par Spectreman ordre. En 82. Ah ouais, pour moi, c'est un vrai souvenir d'enfance. Ah ouais. C'est moche, mais c'est moche. Attends, c'est moche. Mais attends, tout comme dans Spectroman, j'ai un souvenir. Alors Spectroman, pareil, j'ai pas connu, mais je m'étais installé plus tard. C'est là où il y a un gorille en tant que méchant. Tu le vois sur le visuel, il est derrière. Il est derrière le personnage.
s'appelait Docteur. Il y a pas le bruit. Ouais. Ouais, il y avait pas le budget, quoi, c'est tout. Le personnage qui est derrière Liveman, c'est Spectreman. Spectreman. Oui, non, non, mais je parle du méchant de Spectreman. Ah, des méchants. Il s'adresse à un gorille. Vas-y, Nathanael. Caras. Il y en avait deux, en fait. Ouais, ouais. Mais il y en a pas un qui avait une espèce de, comment dire, de perruque blonde. Si, si, ça, c'est Docteur Gorille. Si, Docteur Gorille, ça. Ouais. Avec sa petite veste violette. C'est ça, avec une veste violette. Ah, c'est hyper kitsch, je t'empêche. On dirait qu'il va partir en soirée, tu sais. On dirait qu'il va se mettre en soirée. On remercie. Allez, c'est soirée disco. Ah, bah, c'est les 70, là. Hein, mais... Ah, le méchant. Je me souviendrai toujours du bâton. Quand il vole, Spectreman, tu voyais le bâton. Tenez, Spectreman. Mais dans la version DVD alors, qui est sortie au Japon, ils l'ont éliminé, ouais. Le bâton. Encore heureux. Vas-y, Nathanael. Ouais, alors franchement, cette série, c'est vrai qu'elle elle est kitsch quand on la voit maintenant, les effets spéciaux. Mais elle a été hyper novatrice sur la thématique. C'est la première à traiter de l'écologie, en fait. Exactement. Oui, La condition de l'environnement, tout ça. On a été sensibilité quelque part hyper tôt grâce à cette série. Alors, ça, c'est sûr qu'on le voit maintenant, mais j'avoue, moi, à l'époque, c'est pareil. C'est pas le genre de truc que je relevais tout de suite. J'étais content de voir un super-héros qui se transformait, qui devenait géant, qui se fightait contre des monstres en caoutchouc, parce que franchement, des fois, c'était hyper visible. On voyait les coutures, on voyait les fermetures éclair. Et ça avait son charme. Et puis les maquettes, elles étaient... c'était quand même bien fignolé. C'était du bon boulot, quand même. Ils se débrouillaient avec ce qu'ils avaient à l'époque. C'était quand même balèze. C'est ça. Ah, moi, j'ai l'imagination qu'ils avaient avant... parce qu'il fallait pallier les effets spéciaux qui n'existaient pas. Quelque part, le numérique qu'il y a maintenant, ça paraît tout facile, hein. Tu veux créer une planète qui, voilà, c'est facile, mais à l'époque, il fallait vraiment tout construire de A à Z, quoi. Après, c'est le cas de tous les tokusatsu, même de cette année-là, hein. Que ce soit les autres aussi, on voyait que c'était fait en carton, ouais. Tu vois les... Ah, ben oui, oui, bien sûr. C'est surtout une proposition à la télévision du Kaiju Ega, tout simplement, quoi. Ouais. On a transposé les monstres qu'on voyait au cinéma, que les gens n'avaient pas forcément possibilité de voir au cinéma. Au Japon, c'était très cher, le cinéma aussi. Les gens le voyaient sur la petite lucarne et découvraient l'univers tokusatsu à la télévision. Ça, pour les Japonais, c'est aussi tout à fait nouveau. Nous, c'était carrément nouveau, parce qu'on ne connaissait pas le tokusatsu. Il faut se rappeler aussi qu'à l'époque, on avait des petites télévisions, donc on n'avait pas des grands écrans pour voir tous les défauts d'une... Et on n'avait pas tous la couleur. Hein. Ouais, oui, et aussi... Bah, c'est ça. Hein, ouais. Moi, je me rappelle très bien du passage noir et blanc à la couleur chez moi. Parce qu'on a une nouvelle télévision couleur, c'était. Ça change de tout. Quand tu vois Goldorak en couleur, 82, crois-moi, tu changes. mais c'est tout bête, hein, parce que chez moi, il y avait de la couleur, mais quand j'allais, par exemple, chez ma grand-mère, c'était en noir et blanc. Donc, Bioman, c'était vachement moins bien en noir et blanc. Quoi. Alors, à moi, propos je sur les murs préhistoriques. Même si tu les reconnaissais, Spectreman, on est bien d'accord que c'était diffusé en 82 chez nous, mais ça date. Au Japon, là, 52, je crois. Fin, 60, non fin des non, années non, 60, non. C'est pas ça. Alors, ça se voit, hein. Les vêtements, tout ça, on est vraiment dans les années 60. Hein. Et encore une fois, la VO, moi je l'ai vue en VO, la VO est bonne. La VF aussi était bonne, je trouve. La VF, la version française était quand même bonne aussi, mais comme il y a eu pas mal de censure, c'est surtout la censure qui te fait changer du coup de tout cette série. Et tu le vois totalement différemment, la série. Tu as un souvenir d'enfant, voilà. Et là, tu passes sur une série très sérieuse en fond. Mmh. Et je lis encore une fois avec des enfants qui meurent et tout. La vache! C'est pas trop grave des enfants qui meurent. Est-ce que Vania a quelque chose à rajouter? En 71. Voilà. Est-ce que Vania, tu veux rajouter quelque chose sur Spectreman? Non, ça me foutait un peu la trouille, cette série, moi. D'accord. ouais, ça me foutait un peu la trouille. Hein. L'ambiance était un peu lourde, parfois. D'accord, ok. Oui. Donc, on passe au suivant. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter sur Spectreman. Donc, le prochain, il est hyper connu, c'est XOR. XOR, voilà. Ah là là. Rien que le générique qui restait en tête. Et puis les phrases qu'il sortait dans la version française qui n'existent pas dans la VO. Oui. N'existent pas dans la VO. Ouais, dans les bagarres. Oh, mais quel gros plein de soupe. Sans déconner. En fait, tu l'as pas vu venir celle-là. Je préfère regarder la VF juste pour ça, en fait. Tu vois, c'est dommage qu'on. Je crois qu'on a eu la série d'après encore en DVD, mais pas la troisième. Il me semble qu'on l'a pas Shredder, eu. Shredder, non. Non, non, non. Ça, c'est dommage au final. Shredder n'a pas été édité. Ouais.
qui veut rajouter des choses sur des anecdotes ou Je croyais que Shader était l'acteur. Passé sur M6. Oui, oui, mais, oui, mais il n'a pas été édité en DVD. Ah, d'accord. Ça s'arrêtait à Charivan. Qui veut rajouter des choses sur XOR? Ah bah, Elon sur XOR. Bah oui, XOR. Bah voilà, bah, moi c'était mon premier tokusatsu, c'était celui-ci, donc forcément... Un Metal Hero, évidemment. Oui. Donc forcément, des super bons souvenirs. Ah, Yota, tu me fais envie, là. Ah oui, quand même. Attention, ne pas le casser. Alors, pour ceux qui regardent, voilà, ils montrent des jouets issus de l'univers de XOR. Voilà, je te laisse continuer, Daf. Et oui, ouais. Et puis bah, justement, on parlait de l'acteur. Ah, oh, j'ai un truc. Kenji Oba. Voilà. Kenji Oba. Oba, ça va. S'il nous entend, bah oui, j'espère qu'il nous regarde. évident qu'il nous regarde. Bah, justement, bah, lui qui était à la fois cascadeur, et puis acteur. De la Jack. Pardon ? De la Jack. Ouais. Japan Action. Jacques, ah oui, d'accord. Japan Action ouais, Club. Non, je parle pas du prénom. Voilà, Jacques. Oui, c'est ça. Jack Colborn. Manger les pommes. Pardon. Donc, et... vas-y, continue. Ouais, et que, bah, m'avait coupé. Et que dire, je disais, quoi. Donc, oui, donc on parlait de l'acteur bah, qui reste une icône au Japon, mais aussi en France. Hein. Tout le monde se rappelle de lui. On l'avait vu dans de la Kill Bill aussi. Toi, hein, oui, Kill Bill, il est pas participé à Kill Bill. Moi, c'est mon premier toku. C'est vrai que tout de suite, ça laisse une mémoire. Ça reste un peu comme pour la réalisation. Pour Sankukai, hein, on va dire, pour les plus anciens qui sont parmi nous. C'est vrai que bon, bah voilà, quand c'est ton premier tokusatsu, tu vois ça, tu vois le robot dragon, mais le robot dragon, comment le robot dragon, magnifique. Ouf, quoi. Ouais. Ça donne envie. Hein. Bah oui, ton premier toku, c'est comme ta première fois, quoi. C'est, ouais, c'est un peu ça, c'est un peu le ça. Le laser au lame, le. Ouais. Dans ton premier animé, c'est même. Mais c'est vrai que la musique est extraordinaire, la réalisation est vraiment ultra inventive par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Vraiment, c'était un renouveau de cette série. D'ailleurs, tu parles de musique. Qui était donc le compositeur? Shumei Watanabe. Donc, je rappelle que tu as fait Et sans regarder ses notes. Hein. Tu as fait un anime no melody j'ai sur. J'ai pas de notes. Tu as fait un anime melody sur le toku où on a participé. Oui. Dans, voilà, normalement. Anomake, c'est spécial. Anomake, où on avait reçu. Metal Soldier. Donc, oui, les musiques. Elles n'ont pas été retravaillées. Hein, sur la version française, n'a pas été retravaillée. Non. Ils ont mis les chansons. Oui, les chansons quand ils se battent. C'est à chanter en japonais, surtout, parce qu'il y avait beaucoup de souvent chansons japonaises derrière. Enfin, le générique, pareil, en fait. Hein. Et puis, voilà, non, la réalisation, la musique est extraordinaire, qui est très influencée par Ennio Morricone. Shumei, de toute façon, Watanabe est toujours très influencé par lui aussi. Ça s'entend musicalement, légèrement, si on cherche bien. C'est un peu comme pour. J'oublie son nom, YouTube, le compositeur de Dragon Ball. C'est assez influencé par Ennio Morricone. Shunsuke Kikuchi, voilà, qui est très influencé aussi par Ennio Morricone. Très minimaliste. Dans les et j'ai une question aussi à propos de XOR. Pourquoi y a-t-il toujours le pantalon blanc? Ouais, il veut en changer dans les tournages. Ouais, il veut en changer, mais je sais pas. Je crois que c'est la question qu'on a dû lui poser à un million de cartoonistes. Ouais, je veux savoir combien de pantalons blancs il avait en fait. C'est ça. Oui, c'est vrai. Question, hein, vu le nombre de fois. Ouais, classe, parce que dès qu'il faisait une roulade, il devait changer de pantalon pour que le pantalon reste nickel. On est bien d'accord. Il avait plusieurs pantalons, il l'a dit dans un reportage qui était fait par Alain Carazé pour. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. On est bien d'accord que c'est une idée. Ouais, voilà. Quelqu'un veut rajouter des choses sur XOR, Vania, Nathanael, Daisuke, Simon. J'avoue que le générique, tout dans chaque épisode, pendant les scènes d'action, me gavait personnellement. Ça, c'était le problème. C'était un truc d'après. Hein. Les d'après aussi. C'était la mode à l'époque. Ils voulaient vendre des disques, hein. C'est évident en France. Mais, ça me faisait la tête. C'était surtout pour couper la chanson japonaise qui était en derrière. Hein. À chaque fois, ils le mettaient pas par plaisir. Hein. Et c'était pareil, je crois, pour Cat Size quand il y avait la chanson qu'on entendait. Capitaine Flamme, c'était la musique du générique. Il n'y avait même pas la chanson, tu vois. Donc c'était encore plus ridicule. Ouais. Et pour souvenir de XOR, je l'avais déjà dit dans le fameux podcast quand on en parle, mais je le redis ici en vidéo. T'as le droit de faire la pub. Je le redis malgré. Non, mais voilà, c'est. Et allez l'écouter. Quand j'étais gamin, à l'époque, c'était en 84, 83 ou 84, mes parents, parce que j'avais demandé, m'avaient offert
le costume de Xor, donc j'enfilais et j'avais le laser au lame où je mettais des piles et ça sonne comme ça, et j'avais un masque à la con, tu sais, avec la ficelle pour avoir le masque de Xor. Le reste c'était un truc que j'enfilais, mais normalement le Xor là c'est du métal, et là c'était des trucs c'était des manches vertes jaunes. Oui, c'est bizarre. J'avais le beau plastron, mais le reste c'était des manches jaunes. Je sais pas pourquoi. Et on veut des photos. Voilà. Si, j'en ai pas de photos. J'en ai pas. Franchement, eh ben, j'en ai pas. On les a. Eh ben, va remettre ton costume et fais des photos. Voilà. Ah oui. Je suis sûr qu'il te va encore. Ça me paraît évident que tu peux le mettre. Nathan, donc et moi, je me souviens que c'était donc le XR SDF. Intéressant. Vas-y, Simon. C'est intéressant où il a été parodié dans une série japonaise de Tokusatsu, Akiba Ranger. Ah oui. On voit le jouet Gavan, mais complètement. Je sais plus quel nom ils avaient donné, mais alors avec des antennes, je sais plus comment. C'est assez amusant. J'ai pas fait gaffe à ça. Donc évidemment, Gavan, c'est le titre original de Xor. Et Sheriff. Donc. Gavan. Est-ce que Vania veut rajouter quelque chose sur Xor? Jean Gavan. Ouais. Écoute, moi en fait, Xor, j'ai toujours trouvé qu'il avait, c'était un peu le même personnage qu'Actarus. D'accord. Oui. Il vient d'une autre planète. Il travaille dans une ferme. Il a une moto rouge un peu comme Actarus. Et puis il y a cette fameuse transmutation qui est un peu le métamorphose d'Actarus. Ouais. C'est vrai. J'ai toujours trouvé qu'il avait le même thème que Actarus, ou même encore Superman par exemple. Ils ont un peu la même vie quand ils sont entre guillemets humains, et puis quand ils se transforment, ils viennent sauver notre planète. Ouais, mais il a pas de lunettes. Mais est-ce que Xor il a un pantalon blanc, on peut pas tout avoir. Mais est-ce que Xor fait deux fois le tour? Est-ce qu'il fait deux fois le tour, Xor? Est-ce qu'il fait deux fois le tour? Par contre, il lui faut un centième de seconde pour se rendre une action ralentie. Transmutation. Et d'après les films, Superman met plus de temps. Et Super Sentai aussi, hein. Donc, plus personne ne veut rajouter des choses sur ça. Oui, évidemment, tu disais, est-ce que c'était Gavan, justement, par rapport à Jean Gabin, ça c'est des... Oui, ça c'est une anecdote. C'est vrai. D'accord. Oui. Par contre, j'ai oublié de parler. Et n'oublions pas que c'est quand même Antoine de Caunes qui a écrit la musique. Quoi. Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'était Paul Persavon dans ce cas-là. Ok, d'accord. Oui. Et que vous êtes super fan des Power Rangers, Xor, il se retrouve de sa coup, quoi. Et surtout la personne qui désolé, il fallait que j'ai la place, celle-là. J'ai pas entendu. C'est moche, c'est moche. Qu'est-ce que c'est pour un charge? T'inquiète, on va pas en parler dans cette émission. On peut parler de Sailor Moon Live, hein, si tu veux aussi. Ah, mais là, c'est pas les années 80, ça. Donc, on va passer au suivant, qui a été considéré... qu'ils ont fait ça passer pour une suite. France, ils ont appelé ça XOR 2. Et c'est Charivan. En 84, donc le soleil rouge, c'est soleil ça rouge. Soleil rouge. J'ai trouvé plus sympa l'armure, en fait. Qui je préférais l'armure, ouais, c'est net. Préférais l'armure, bah rien que le rouge, voilà. C'est vrai, ouais. Voilà, ouais. Tout de suite, avec plus de... Oh, ça claquait plus. Beaucoup plus joli. Ah bah ça claquait plus quand t'étais gamin, le rouge, hein, tu peux rien. Ah bah ouais, ouais. Ah ouais, non, ouais. Couleur Ferrari. C'est la Ferrari, c'est... hein. Voilà, c'est ça. Voilà. De tête, comme ça, j'ai l'impression que c'était plus sérieux et plus méchant que les Xor d'origine. Oui. Oui. Non, il y avait plus d'enfants, il me semble. Ça tournait tout plus souvent autour des enfants, je crois. D'accord. C'était destiné aux enfants, donc, effectivement. Oui, non, mais tu vois, je veux dire, il y avait des enfants acteurs, ils étaient plus souvent présents, j'avais l'impression. Ouais, bon, et puis Xor 0 était moins drôle que Xor. Oui. Oui, ouais. Bon, il était plus jeune. Il aussi, hein. Comment va dire il se battait plus sérieusement. D'accord. Ouais. Et Nathanel, t'avais dit quelque chose? Non, les scénarios, ils étaient quand même similaires. Ils reprenaient vraiment les canevas d'Xor quand même. Le personnage d'Xor apparaît dans Charivan. Ouais, un sauveur, ça devait lâcher. Là, ouais. Ah mais c'est ça, mais en fait, moi c'est juste l'armure en fait. Ouais, il y avait quand même des gens quand il y a de la planète. Attendez, il y a Vania qui voulait dire quelque chose. Quand il y avait des épisodes où les deux se rassemblaient, là on était comme des fous. Ah bah voilà, ouais, non mais totalement. Bah, les premiers crossovers quoi, on savait même pas ce que c'était à l'époque. Non, même pas. Rappelez-vous le générique de Xor où le chanteur, je ne fais plus tonner, le Xor 02 entre les mains. Jean-Pierre Savelli. Il s'était un peu gouré. Oui, il s'était planté, ouais, exact. Mais on n'a rien percuté quand on était gamin. On se disait, tiens, c'est quoi ce personnage? On n'a pas fait gaffe. C'est ça.
D'autres choses à rajouter sur Charivan ou on passe au suivant? Alors la version quand Charivan est arrivé sur France 2, ils l'ont rajouté. En fait, c'était pour combler l'espace qui restait avant la fin de l'année. En fait, c'est pour ça qu'ils ont rajouté, mais ils n'ont pas suivi la série derrière. Et elle a été diffusée après sur dans le Club Dorothée par la suite. Et c'était vraiment pour combler les quelques semaines qui restaient avant la fin de l'année, avant les vacances scolaires en fait. D'accord. C'est pas M6 après. Comment Vania? C'était pas M6 après qu'ils ont passé la suite? Charivan, peut-être. Oui. Je crois que c'était. Ouais, je crois que c'est M6. M6, je pense que le Club Dorothée l'est diffusé. Non, non, pas le Club Dorothée. Le Club Dorothée, non. Charivan, si. Charivan, c'est passé aussi sur M6. Charivan, Club Dorothée, c'était trop tard. Charivan, c'était Club Dorothée. Exactement. Non. Ah si, j'avais pas l'assise, donc je peux te le dire. Je l'ai vu sur dans Club Dorothée, ça pouvait pas être ailleurs. Vérifier pour ceux qui peuvent regarder. Après, est-ce que c'est vraiment grave? Mais oui. Soyons. Important, c'est de l'avoir vu, non? Pas... Rayons notre amour du. Donc, si vous avez rien d'autre à rajouter sur Charivan, à part la date de diffusion, enfin la diffusion dans quelle case jeunesse, on va passer au prochain, qui est Bioman. 85 ouais. Canal+. Ah, plus. Alors là. Canal+. Ouais. Canal premier plus, Sentai, au final. Ouais, ouais. Avec le générique de Michel Barouille, inoubliable. Ouais. Premier, inoubliable. Inoubliable. Qu'est-ce que j'étais triste quand la jaune est morte. Ah, pareil. Ils avaient leur gros appareil avec des gros ressorts là, pour pouvoir essayer d'en trouver une autre. Et je fais, oh, mais moi, j'en veux pas de la nouvelle jaune, je veux l'ancienne. Il y a plein d'histoires qui se racontent en off pour savoir pourquoi elle est partie, tout ça. Et, bon, l'officiel, c'est qu'il voulait donner un esprit dramatique à la série. Mais bon, alors, il y en a qui disaient qu'ils étaient enceintes, d'autres qui s'étaient engueulés. Enfin, il y a pas mal de petites choses. Alors, on me dit bien que. Non, on a eu quelques. On avait fait, quand on avait fait avec Vania la Biobible, on avait vraiment cherché, on avait pu avoir des intervenants, tout ça, pour avoir le fond d'histoire. On a entendu les pires saloperies. On a même eu des gens qui disaient qu'elle avait tourné dans des pornos, des machins comme ça. C'est juste qu'en fait, qu'elle était accaparée par un deuxième boulot, l'actrice, tout simplement, et qu'elle arrivait un jour en retard sur un tournage, une scène qui demandait une grosse logistique. Il y avait pas mal d'effets spéciaux, etc. Elle s'engueule avec le réalisateur, est partie en couille, et elle a claqué la porte, elle s'est barrée. Et, l'actrice Joseph Farakat, elle a même essayé de la rattraper. Elle n'est pas arrivée de faire. Et, du fait qu'elle s'est fait envoyer du tournage de Bioman, la Jack elle l'a licencié aussi quoi, tout simplement quoi. Et ça met c'est un terme pour ça, ouais. Et c'est voilà. Pour ça que dans l'épisode on la voyait jamais décasquée. Ah, dernier épisode. Ah, décasquée, ouais. Alors, je reviens sur Charivan. On me dit bien que c'était diffusé dans Graffiti 6. Ouais. M6. Ouais. Mais pas Club c'est... Dorothée. Moi j'ai pas souvenir. Mais ça a été diffusé dans Club Dorothée. Je l'ai vu donc. Bah, il me semble que ça. Après c'est des souvenirs. Hein. Mais moi aussi j'avais. Il y a un doublage. Est-ce que tu confonds pas avec Spillvan? Non mais oui mais Charivan. Ou alors Charivan, je l'ai parce vu que Spillvan, DVD, c'est le même acteur que Charivan, je précise. Non, mais même. Alors, ça veut dire que Charivan, je l'ai vu qu'en DVD, ça m'étonne, c'est bizarre. Ouais, j'ai pas souvenir qui s'est passé dans le Club Dorothée, mais bien sûr la 6. La drogue, hein, tu sais. Est-ce que tu ne confonds pas avec Jiraya? Non, d'ailleurs, c'est mon grand regret, Jiraya. J'espère qu'un jour, il y aura une sortie DVD, parce que je comprends ouais, mais pas. Comme tout le monde, hein, même moi. Donc, je remercie c'est les énorme. Personnes qui ont corrigé dans les commentaires que c'était bien diffusé sur M6 pour Charivan. Et on revient donc sur Bioman. Donc, il y a eu l'histoire de l'actrice qui a interprété Force Jaune, qui a quitté la série, comme a dit Nathanaël, sous diverses raisons. On ne saura pas quelle est laquelle véridique. Mais on peut noter qu'ils sont venus, bon, pas les dernières, il n'y a pas eu de Japan Expo, mais il y a deux ans. Deux ans, ouais. Ouais, deux ans. En 2019. Très bien. Nous, on a pu les rencontrer grâce à Monsieur Simon. La possibilité de l'aider à tourner une interview qui n'a jamais été diffusée, malheureusement. Auditeur de Radio Anime, parce que... Tout a été foiré dans cette interview, surtout au niveau sonore. Même celui qui faisait l'interview était foiré. Ah ouais, non, mais ouais, totalement. Il est toujours foiré de toute façon. On a les images, pas, mais on peut pas l'exploiter malheureusement. Ouais. Mais on peut faire les voix. Hein. Ouais, bonjour. Donc oui, on parlait de Michel Barou, qui est donc l'interprète original de Bioman et qui est en fait tout simplement une reprise du générique. Japonais. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Début et c'était réarrangé. Bien au final, tu vois. Reprendre le générique japonais, je trouve que c'était vraiment bien, quoi. Et réarrangé, hein. C'est-à-dire, comme pour Astro, d'ailleurs, il y a eu un réarrangement des musiques. Et très, très bien fait, d'ailleurs, hein, et, on peut dire.
Tu regardes sous le signe des mousquetaires, c'est pareil. Hein. Non, là, ils ont utilisé carrément la BO, la bande originale instrumentale internationale. C'est pour ça qu'elle est courte et en mono. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont repris du générique japonais aussi. Oui, 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 c'est vrai que c'est bien, ça, c'est cool. Non, mais il y en a le coffre de Michel Barouille, hein, qui... Ah, oui, voilà, c'est ça, qui envoie du steak quoi, là-dessus. Ah, bon, ouais, c'est clair. Concernant Bioman, est-ce que Nathanaël et Vania, je pense que vous avez rencontré certains des acteurs. Les actrices. Les actrices, non, vous les avez tous rencontrés? Oui, on avait rencontré d'abord les actrices. On avait fait une interview. Et après, on a encore rencontré tous les autres, plus le cascadeur. Ouais. D'accord. C'est chouette, ça. Ouais, c'était sympa. C'était au Japan Expo. Hein. D'accord, ok. Moi, j'avais posé une question, je me souviens, la con. Mais ça m'avait marqué, moi. Quand la série sortit en DVD, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu la série. Hein. Très longtemps. Et j'avais été marqué par le premier épisode qui était... où les mecs se faisaient assassiner avec des balles et tout, tu voyais les traces de sang partout parce qu'ils étaient ils tiraient dessus, tac, tac, tac. Et j'avais posé la question, est-ce que vous ne trouvez pas finalement que c'était très violent à l'époque? et oui, mais vraiment, comme ça, dit, ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais est-ce que ça a vraiment choqué ton âme d'enfant? Non, 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 c'est pour ça. Je dis, on a le regard adulte. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on a le... Oui, mais le problème, c'est ça le vrai problème, c'est le regard adulte au final. Faut arrêter de pas montrer les... Si quelqu'un s'est tiré dessus, oui, il y a du sang, et il faut pas cacher à un enfant. Personnellement, je pense que c'est une mauvaise idée d'édulcorer tout, et je pense que malheureusement, les productions c'est pas la question, c'est ce qu'ils font, malheureusement. Non, mais donc du coup, non, c'est pas forcément ultra violent, c'est pas plus violent que A-Team qui passait... Non, la question c'était, est-ce que à l'époque, ils avaient pas trouvé ça, eux, violent? Dans l'histoire. Oui, la question. C'est ça que j'avais posé pour plurier, parce que je me suis mal exprimé, c'était la question que j'avais posée. En fait, moi, je pense que c'est une série animée qui est récente, Demon Slayer, où t'as le premier épisode où tout ça coupe en série, quoi. Mais je me dis d'ailleurs, on va pas parler de ça maintenant, c'est pas le sujet. Mais... Non, mais là, on parle de ça. Oui, c'est pas le sujet. Oui, tout à fait. Nous ne partons pas dans tous les sens. Il y a un truc sur Bioman qui est assez amusant, enfin, je crois, c'est que. Ils n'ont pas de nom, les héros n'ont pas de nom en français dans les premiers épisodes. Ils les nomment pas du tout. c'est au fur et à mesure. C'est juste force rouge, force verte, force bleue. Mais je veux dire, les noms en tant que. Marie-Françoise, c'est toi des noms civiques, tu veux dire. c'est assez amusant. Alors qu'en japonais, effectivement, ils les donnent. C'était. Alors, je pense dans les doublages, moi je me rappelle beaucoup de séries animées, c'était pareil, tu vois. Je pense qu'ils n'avaient pas le nom, donc ils se faisaient Ah, c'est notre ennemi, tu sais. Alors qu'en japonais, ils te disaient c'est lui. Et je pense que c'était fait pareil. C'est le fait qu'ils n'avaient pas le nom, ça se trouve, ils ne les connaissaient même pas. Non, ils n'avaient pas le temps. Comment on va l'appeler? Francis. Francis. Non, on l'appelle Nathalie. Non, mais on l'appelle Patrick. Patrick. Alors, Sylvain, je retiens ta question, mais ça sera après. Ça concerne Liveman et notre production, mais qui n'est pas passée malheureusement chez nous en France. Notamment Kamen Rider. C'était à propos de Dorothée, mais on reviendra quand on sera à ce moment-là. Donc, pour Bioman, d'autres choses à rajouter? Non, je pense musique, qu'on a fait le tour. Musique de Tatsumi Yano. Donc, Tatsumi Yano, c'est le compositeur de City Hunter. Un des compositeurs, celui qui a le plus composé pour la série. Et on y retrouve beaucoup de son ambiance musicale. De City Hunter dans cette série, dans Bioman, et la musique de Bioman, elle est formidable. Je parle pas de manière nostalgique, c'est que la musique m'avait marqué à l'époque par sa qualité déjà encore, et encore aujourd'hui, elle est d'un haut niveau. Franchement, écoutez-la. Et Daisuke, oui. Est-ce que chose de méchant à dire sur Bioman ou pas? Non, alors Bioman, c'était une sacrée époque, je trouve, grâce à Canal+, puisque en même temps que Bioman, il diffusait de tête, Cobra et puis Transformers. Et donc, balancer un truc comme Bioman, que je trouvais pour l'époque quand même, comme disait Yota, un peu violent, plus adulte que ce que je regardais d'habitude, c'est vrai que ça m'avait vraiment plu, en fait. C'était, ça m'a marqué, Bioman, et j'étais amoureux de... Ouais, et j'étais amoureux de Force Jaune, de Force Jaune, donc quand ils l'ont tué, moi aussi. T'as été triste. Enfin, on va créer un club de fans de Force Jaune. Surtout que le personnage qui le remplace, c'était d'une niaiserie sans nom que je ne supportais pas. Voilà ce que j'ai à dire. La première, elle était journaliste. Ouais. La deuxième, qu'est-ce qu'elle faisait déjà? Elle me cassait les ouïes, mais... t'es pas cascadeuse, un truc comme ça Ah bon, Internet? Elle était photographe.
Était photographe dans la 8. Ouais, la première non, la deuxième. Non, la deuxième. La première, alors. La deuxième. La première était photographe et la deuxième, elle tirait à l'arc, c'est pas ça c'est... Si. Ah, tire à l'arc, oui. La oui, jaune, c'est la jaune qui tire à l'arc. Oui, mais. Et en fait, là, il parle des actrices qui ont interprété le. Ah, c'est vieux. C'est vieux. petit souvenir aussi, quand j'avais donc 9, je dois avoir 10 ans. J'habite. Non, j'avais 10 ans, je me rappelle. On était à Val-Sébain, on avait déménagé, c'est là où j'étais habillé en XOR et tout. Là, tu me dis. Et en fait, on était assez haut pour arriver à recevoir un petit peu Canal+. Et quand je dis un petit peu, c'est-à-dire que c'était totalement brouillé, du rouge, beaucoup de rouge, avec beaucoup de lignes. Alors normalement, il faut prendre une passoire et tu l'agites devant c'est toi. C'est ça, c'est un peu Canal+. Et du coup, j'ai pu regarder comme ça, bah, justement, c'était le samedi, je me souviens, il était 12h30. Ah, c'est le porno, t'avais, ça T'avais Bioman et tu avais aussi Transformers qui était à la suite, l'un et l'autre, le samedi entre midi et 13h. Je m'en souviens de ça. D'accord. On connaît les priorités maintenant de Diota. Et de... ne m'étonne pas, Diane. Allez, on va. C'est juste qu'il a décoché avant moi parce que j'allais le dire. Ah oui, c'est une légende urbaine. Et bizarrement, tu t'en souviens, quoi. Mais oui. Tout ce qui est lié à cet univers. De toute façon, tout ce qui est bêtise, on se rappelle. Les trucs à faire, on ne se rappelle pas. Pour être clair. Donc, pour Bioman 85, donc sur Canal+, puis après, ça a été diffusé dans le Club Dorothée. Et puis, il y a eu le générique de Bernard Minet. Des inconnus. J'ai eu la parodie des inconnus. Et la parodie des inconnus. Les bandes de tarés. C'est super l'après-midi. Est-ce qu'on regarde à la télé, Yann Cousa et ses chroniques. Voilà. Ok, merci. Allez, on va passer au prochain qui a été diffusé. Donc là, il y a une grosse période en 88 de plusieurs tout coups. Tout à fait. Qui ont été diffusés. Donc Capitaine Shader, qui est donc après Charivan. Donc un autre Space Sheriff Metal Hero, qui a été diffusé en catimini sur M6. Donc c'est la série qui a moins bien marché chez nous. L'acteur est décédé depuis. L'acteur principal. Qui d'ailleurs était le fils des du fondateur des Godzilla, non, si je dis pas de. Ah, c'est ça, ouais. Ok. Voilà, il y a les effets spéciaux, ceux qui travaillent sur les effets spéciaux, en fait. Oui. Donc pour Capitaine Shader. Boria. Très peu de souvenirs, personnellement. Ouais, j'ai vu un épisode. C'est pour ça que je les aurais voulu en DVD, en fait. Parce que je m'en rappelais plus trop, en fait. Pas peu de souvenirs, elle a été mal diffusée, en plus. Ouais. Oui, très peu diffusé et puis jamais. Mais une série, moi je me souviens, c'est la tonalité un peu nostalgique. Enfin, je sais pas, c'était toujours très, c'était moins, beaucoup moins gay et fun que déjà XOR et Charivan. Mm-hmm. Ouais, les quelques épisodes que je me souviens de mémoire, ils étaient pas toujours très 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 gay, quoi. Mm. Moi j'ai vu toute la série, moi, de Shider, et franchement j'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne série. Hein. Ah, c'est fort probable. Moi le problème c'est que j'ai pas eu le choix de. De la voir, j'aurais voulu la voir en DVD justement pour pouvoir l'apprécier. Par contre, l'armure, je l'aimais moins. Ouais, non, très bonne série. Il y a que l'intro, le premier épisode qui est totalement. Je sais même pas où ça part, dans tous les sens, je comprends rien. C'est vrai, le tout départ, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qui se passe? On dirait que le monteur était fou. Est-ce que Simon a quelque chose à rajouter sur. Shader? Ouais, bah. C'est vrai qu'il est décédé un peu avant, dans les années 2000. Il devait venir au cartooniste à l'époque. Effectivement, son état de santé était tellement dégradé qu'il n'avait pas pu venir. Et puis après, le cartooniste suivant, Akira Koshida, a fait un concert en hommage justement à l'acteur en chantant les génériques. Donc Akira Koshida, c'est l'interprète des génériques. De Shokaiti, ouais. Donc voilà, c'était assez, je dirais, émouvant. Assez émouvant, mais c'est vrai que ça faisait quelque chose à ce moment-là, et en tant que fan, on était là, bon, on était tous un peu, voilà. Et est-ce qu'on peut parler de, donc, comme c'est une trilogie, c'est Space Sheriff, donc il y a eu un épisode où ils se sont croisés. Les trois Space Sheriff. C'est pas vraiment mais épisode, qui n'a pas été diffusé en France, hein, on l'a pas eu en France du tout, donc forcément on l'a vu d'une certaine manière totalement là. Fortuite. C'était un résumé des séries. Manière fortuite qu'on dit. C'était un résumé des séries, puis à la fin ils se réunissaient, on voyait Kenji Oba chauve parce qu'il était chauve. Oui, exactement. Il jouait là-dessus d'ailleurs. Mais c'est pas parce qu'il avait un cancer.
Non, c'était parce qu'il avait un tournage au même moment sur une sur un. Non, mais il avait pas eu le cancer lui à un moment donné, cet acteur-là. Non. Je sais. Il me semblait. J'ai pas souvenir. Non, je pense pas. Non, je pense pas qu'il y ait. Ouais, moi aussi, je crois que c'était surtout qu'il avait un tournage sur un autre truc et un autre moment. Et puis. Ah, c'est ce que j'ai retenu moi aussi. D'accord. Non, je sais pas pourquoi j'avais ça dans la tête. J'étais persuadé. Donc, Captain Shader, donc très peu de souvenirs parce que très peu diffusé et je sais même pas si la chaîne manga l'a diffusé en entier. Je ne crois pas. En tout cas, elle est dispo en français en totalité. Ouais. D'accord. Donc on va passer gratuitement, bien sûr. On va passer ensuite au suivant qui est diffusé la même année en 88, c'est Flashman, qui était diffusé pareil dans le Club Dorothée, mais pareil très peu diffusé aussi. Enfin, c'est Jetman celui-là. Alors c'est celui-là. Là, j'ai. Non, c'est Ghost Rider, c'est bien après. Alors c'est celui-là. Il va nous sortir les Power Rangers. Non, c'est Five Man, merci. Non, c'est Five Man. Ça. Non. Alors celui-là là. Il va le faire. Voilà, ça c'est. Voilà. On est bon. Alors Flashman, okay. Est-ce qu'on peut citer l'histoire pour ceux qui s'en rappellent, Nathanaël, Vania ou Simon ou Yota, Daft. Oui, parce que je vois pas de quoi tu parles. Je me rappelle surtout du gros canon, mais personne. Alors Flashman, qui peut expliquer l'histoire? Je sais que ça existe. Je me rappelle du générique, c'est déjà pas mal, non? Flashman, c'est toi le grand. Non, c'est Flashman. Flashman. Ah, c'était très recherché, dis donc. Flashman, AKB était génial. Alors, oui, Vania, on t'écoute. Flashman, c'était pas celui qui venait d'une autre planète, ceux-là? Exactement. Je crois que c'est ça, oui. S'ils viennent d'une autre planète. Ouais, parce que d'habitude, bon, c'est C'est plutôt un Metal Soldier qui vient d'une autre planète, non? Non, c'est des gamins élevés par des extraterrestres qui revenaient sur Terre en fait. Ah ouais. D'accord. Mais la série n'a pas été diffusée jusqu'au bout. Dans le Club Dante. Non. Je crois qu'il y a une vingtaine d'épisodes. Il y a juste une vingtaine d'épisodes qui ont été diffusés. Les jouets se sont mal vendus en France. Ouais. Bah en fait, le problème avec le Club Do, c'est que ils diffusaient les séries parfois quand ça tombait sur des périodes de vacances. Et si les périodes de vacances s'arrêtaient avant la fin de la série, ils rediffusaient même pas le reste, ou alors 6 mois ou un an plus tard, puis ils reprenaient, etc. Donc les diffusions c'était chaotique quoi. Flashman, c'était la série où il y avait des grippins qui se transformaient en monstres. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas ça. Parce que moi je me suis arrêté dans les séries comme ça à partir de là, ou quand c'est devenu n'importe quoi. Non, c'est pas. Il faut savoir que avant Flashman. Entre Flashman et Bioman, il y avait une autre série qui n'a jamais été diffusée en France. Parce que cette série-là, c'était des militaires. Et je crois qu'à l'époque, ils étaient un petit peu pas chauds pour sortir une série pour enfants avec des militaires dedans. Donc, c'est ce que j'ai cru en comprendre à ce moment-là. Mais voilà. D'autres choses à rajouter sur Flashman? Non. Tellement pas. On va passer au suivant qui est tout simplement Bioman 2, mais Max. Ouais. C'est un War Ranger. Moi j'aimais bien cette série-là. Oui, c'était hyper dark. Oui, c'était hyper dark. Et pas le générique de début par Bernard Minet qui est absolument hors contexte. Ah non, c'est à chier. Dis-moi Bioman. Moi je me rappelle plutôt de Bio. Alors qui veut réagir sur. Ça c'est pour Liveman. Ça c'est Liveman. C'est pour Liveman. Allons pas trop vite. Donc qui veut réagir sur cette série? On va pas parler du générique qui était hyper mauvais, comme beaucoup de génériques de Bernard Minet, mais je passerai cette anecdote. Moi, je trouvais vachement bien Maskman parce que c'était beaucoup plus dark, comme disait tout le monde. C'est très spirituel, que Biennual. Ouais, moi, j'aimais énormément cette série. J'aimerais la revoir parce que je l'ai vue à la première diffusion du Club Dorothée et je l'ai pas revue depuis, mais j'ai un très très bon souvenir. Et là où ils sont trois, c'est ça? C'est Liveman encore. Oui, Laura Suprême, ouais. C'est vrai que Liveman a marqué beaucoup plus, si je me trompe pas. Il y avait aussi Laura Fabian dedans. Maxman n'a pas été édité chez nous. Non. Il n'y a que Bioman. Le premier chevalier du Zodiac. À regret. Ils ont fait passer ça pour Bioman 2, mais. Non, pas Bioman 2, c'est Maxman tout simplement. Donc, qui était diffusé dans le Club Dorothée. Donc,
Il y a eu des jouets, il y a eu un pistolet qui est sorti en jouet. Nous, ouais, il y a eu plusieurs trucs. Hein. Ça, on verra après dans les produits dérivés. Il n'y a pas eu le robot aussi ? Il y, oh, si. Le... il y avait toujours des robots, de toute façon. Il y a toujours eu des robots dans Il me semble que j'ai eu le robot de Massman. J'hésite entre le robot de Massman et de Liveman. À partir de Dynaman, je crois qu'ils ont presque tous sorti. Bioman, Liveman, ils ont sorti les jouets de toute façon. Mais j'ai cru que j'ai eu le robot des deux, moi. En gros, ils ont sorti surtout les jouets des trois séries qu'ils ont passées en intégralité. C'est Bioman, Bioman 2 et Bioman 3. La trilogie, quoi, la fausse trilogie. Ouais. Ouais. La fausse trilogie. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave, ça a permis de vendre du jouet, du disque. Exactement. C'est ça. Bah, en fait, ils ont surfé sur le. Complètement marketing. En fait, ils ont surfé sur le, bah, sur le succès de Bioman. Et, oui, voilà. Ça a tellement bien marché, ils ont eu raison. Hein. Bah, à la base, le titre Bioman, ça devait devenir une franchise comme Saban a fait avec les Power Rangers, quoi, en fait. Mais oui, ou Robot Dog. Ça aurait été mieux, je vais être franc. Non. Ah bon, t'aimes bien les Power Rangers? Non, j'aime pas les Power Rangers, mais dire que prendre toutes les séries de Sentai, les appeler Bioman 1, 2, 3, 5, 6, 7, ouais, je pense que c'était une mauvaise idée. T'as remarqué que c'était vraiment. C'était juste pour le titre, mais en fait, il me semble de mémoire qu'il ne disait pas Bioman. Bioman, je suis d'accord. Oui, je sais. Il faisait une sous-histoire dans l'histoire, en gros. Ouais, voilà, après, bon, vu le nombre de fois qu'il y a des dinosaures, par exemple, dans les trucs de Sentai, hein. La répétition, ils connaissent bien. Autant que ça, ah, oui. Par rapport au nombre de séries de Sentai, il n'y a pas autant de ça que dinosaures. Non, il y en a quand même beaucoup. Deux fois, je crois. Deux fois, non, c'est pas plus. Non, trois ou quatre séries max. Hein. Ouais, sur les 50 qui existent, pas non plus. Donc on va passer à la suivante, si vous avez rien d'autre à rajouter sur Maskman. Qui est donc Spielman en 88 aussi. Spielman, qui est donc le même acteur qui interprétait Charivan, ma mémoire est bonne. Charivan. Et c'était le fameux générique. Patrick non, pas le générique. Spielman, Van, héros de l'univers. Qui aujourd'hui vend les cartes postales cadres. Voilà. Ouais, cauchemar, des choses à dire sur Spielman qui était... oui, comme tu le montres à l'image sur le CD, là, tu t'es il avait une acolyte, une jolie demoiselle. Il en aurait une deuxième après. Si je me trompe pas, de Spielman. Si je me trompe pas, il y a une deuxième acolyte qui débarquera après. C'est sa sœur, Sa sœur. Qui faisait partie des méchants. Bah, le problème principal de cette série, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, c'était le générique français. Ouais. C'était un cauchemar. Oui, la version à l'intérieur de l'épisode qui était faite Quelle horreur. Patrick Simpson Jones n'avait strictement aucun talent, faut bien le préciser. Bah, voilà, c'est chanteur, en tout cas. C'était... Même lui, dans le générique, tu vois qu'il est gêné. C'est un très bon journaliste. C'est tellement ça, en fait. D'ailleurs, moi, générique, il me fait rire parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un passage de Mon Petit Poney qui est dans ce générique. Tu n'as jamais peur et je l'aide à arriver. Et c'est exactement le truc de Petit Poney. C'est mon petit poney. Tu vois ? Et c'est exactement juste ce passage-là. Tu es mon petit poney. Putain, j'avais jamais fait gaffe à ça. Bravo. Alors, on peut applaudir. Allez, bravo. Bravo pour l'anecdote. Merci à Adat qui vient de décrire des souvenirs d'enfance. Voilà, je vais regarder. Ouais, mais c'est pas grave. Non, et si on fait un truc sur Spielman, on le met dedans, ça. Il n'y a pas de problème. Moi, Spielman, moi, j'ai beaucoup de souvenirs de Spielman. C'est des scènes avec des vaisseaux, par exemple. Je trouve qu'il y en avait plus, apparemment, à d'autres tokusatsu. On voyait souvent, justement, des vaisseaux se battre et tout ça. Enfin, on voyait plus ce type de scènes-là par rapport à d'autres. Je sais pas si c'est mes souvenirs qui me. Donc, Spielman, c'est un Metal Hero. Oui. Mm-hmm. D'ailleurs, j'aime bien le méchant. Il y a une espèce de méchant. Attends. Là, ça, je me rappelle plus les méchants. Attends, il était tout noir. Il avait pas. C'est pas dans Spielman. Ah merde, je sais pas si je confonds. Bioman, non. Il y avait pas mal de méchants dans Spielman. Ah non, c'est dans Spielman. C'est pas celui qui avait le mec qui est tout argenté, le robot argenté là. Bah, sorti avec son fusil. Il était pas argenté, pour moi, il était noir. Il avait une tête argentée. Spielman dans Bioman, là, tu parles. Hein, c'était Bioman, ça. Ouais, c'était Bioman. Mince. Non, pour Yota, c'était Bioman. Il a raison. D'accord. Parfois des bioparticules. Voilà. les vieux cons, mais moi. Ouais. En tout cas, ouais. Après, Spielman, j'ai pas des mauvais souvenirs. Enfin, j'en ai pas des mauvais souvenirs. Je crois, était diffusée intégralement. Ah, attends. Le méchant. C'est pas là qu'on avait la culotte de la fille qui apparaissait tout le temps.
Général Désiro, le méchant ouais. en noir, nous dit Fred A sur Facebook. Mais, attends, je crois que c'est. Ah oui, bah oui, je vais regarder, mais je crois que c'est ça. Attends. Oui, c'est alors, ça. C'est là je où vais il y a dire quelques commentaires parce que ça commente sur Facebook. Et ça commente Twitch. Dur, même. Il y a Sylvain qui nous dit la sœur version méchante Shiva, donc ça c'est dans Speedvan. Bertrand Dawn nous dit sur Facebook alors que les musiques originales de Speedvan sont top. Donc c'est clair. Sont originales. Ah, oui. Là j'imagine que ça doit être mieux, c'est facile. Et puis à nouveau Général des Zéros pour le méchant en noir nous dit Fred Haas pour Speedvan. D'autres choses à rajouter ouais, bah, sur Speedvan sinon. Merci. Bah, la culotte blanche. Voilà. Référence à Bulma, je sais pas. C'était effectivement oh, le, générique, culotte, le générique original est magnifique. Et puis le, et puis le sabre double avant Star Wars. C'est vrai. Ah, ouais. Et c'était franchement magnifique aussi. C'était la on classe. Sait où ils l'ont piqué. Il est... Dans Power Rangers, quand il est apparu dedans. Après, les sabres doubles, ça existait déjà avant. Dans l'Antiquité, tout ça. Donc... Ouais, moi, c'est vrai que mais c'est là que je les connais, moi, le sabre double. Est-ce que Vanilla a quelque chose à rajouter sur Speedvan? Oui, et nos professionnels. Alors... Bon, tout a été dit, le sabre, le double sable, la culotte, tout ça. Ouais, voilà, d'accord. Ok. Quoi, ça marque? Ok. Alors, on va passer au suivant, qui a été... alors, moi, il est moins connu. Il est, c'est un Metal Hero aussi qui est de couleur violette si je me trompe pas. Jaspion en 80. Jaspion. Oui. Ah, ouais. Attends, il est où mon petit Jaspion? Oh. Allez, le temps qu'il trouve le CD. Allez, donc qui va en parler de Jaspion? Qui est Juspion en version originale. Alors Jaspion, je crois que ça n'a pas été entièrement diffusé. Il y a eu très peu d'épisodes. Oui, hein, c'est pour ça que je dis c'est moins connu Jaspion et que c'était très peu diffusé aussi. C'est encore Jaspion. C'est le Xor de au Brésil. C'est l'acteur et la série, elle est comme Xor ici en France, enfin ici pas au Japon mais en France. C'est une star quoi. C'est alors je sais pas si c'est non ça c'est pas Jaspion ça. Merci. Bah, ah merde non. Alors, je rebondis sur un message de Fred Haas qui nous dit à noter aussi que la sœur de Speedvan était jouée par Naomi Morinaga qui joue aussi la coéquipière de Sharivan dans la série éponyme. Exact. Ok. Après, nous avons Salut Kenshin qui est donc sur Twitch, qui dit donc Juspion, qui est le titre original de Jaspion, qui est une abréviation de Justice Champion, et Sylvain qui nous dit sur Facebook la trame écologique de la série. Pour parler de. J'adorais Jaspion, j'adorais son armure. Enfin, c'est une des armures que je trouvais les plus jolies. C'est vrai qu'elle est sympa son armure. Elle est pleine de couleurs et tout, et je la trouvais super classe. C'est surtout une comédie, quoi, Jaspion. Quoi. Ils sont partis dans tous les sens, quoi. C'est hyper disco. C'est franchement les épisodes. Ouais, les épisodes, c'est du Louis de Funès, quoi, par moment. C'est vrai, c'est vraiment. Ah ouais, je m'en rappelle. C'est drôle. Franchement, faut la regarder pour ça, quoi. D'ailleurs, c'est l'acteur principal de Jaspion, il a joué dans un épisode dans de Jaman, d'ailleurs. Dans Les Gendarmes. Exact. Ouais, aussi, ouais. Ah, c'est pas que là, je crois qu'il en a fait, il était en guest sur deux ou trois épisodes. Il est, ouais, c'est ça, c'est ça, deux ou trois épisodes, ouais. J'ai perdu son nom, j'ai plus en tête. Mais il est très. Alors, on n'a pas entendu la série parce que t'as été coupé. Enfin, on a parlé par-dessus toi. Donc, dans quelle série il a joué l'acteur Yeoman. D'accord, ok. Yeoman. Ok. Ah, j'ai mangé son nom. Ça reviendra. Si quelqu'un peut le. Tic, 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 tic. Sache que dans cette émission, moi j'ai des petites notes sous les yeux, mais j'ai pas tout marqué. Mais ça revient au fur et à mesure, mais voilà, on n'a pas de notes, mais on se base sur nos souvenirs, sur les notes qu'on a les uns les autres. C'est le but de ce dossier. Moi j'ai toujours cru que Jaspion, tu vois, c'était le quatrième volet des Xor, en fait. Et c'est ça, en fait. C'était. Plus ou moins, disons que c'était un métal héros, mais voilà. Parce que. L'armure, elle ressemblait tellement et tout. C'est vrai que. Bien sûr, mais... Quand j'étais gamin, j'entends, hein, je dis bien quand j'étais gamin. Il reprend la Xor 4, quoi. Tu vois. Il reprend tout le truc. Mais il y avait une série, rappelez-vous, du podcast Anime no Yomaki spécial Metal Soldier. Alexandre, qui était notre invité, nous avait dit que en fait il était prévu en fait un quatrième épisode qui s'appelait Black,
maintenant comme ça. Ils l'ont pas fait finalement, mais l'armure a été utilisée pour une autre série dont j'ai plus le nom. Donc écoutez, si vous voulez savoir de quoi je parle, écoutez l'animé de l'audio maquet spécial. Notez combien de fois il va faire la pub de ce dans l'émission. Moi, plus il y a de pub, moins je regarde. Ça tombe bien. Et à chaque fois, il devra faire un don du coup à 3 productions. Après Jaspion 88, nous passons à l'année encore 88 avec Ultraman 80, qui est diffusé sur M6. Ah, ouais. Ah, j'ai jamais vu. Très bon épisode. Ultraman 80, c'est tellement anecdotique la diffusion en France. Bah, surtout qu'M6 n'était pas beaucoup diffusé de partout quoi, déjà à l'époque. Donc, mais très peu de gens qui l'ont vu à l'époque. Je crois que Club Dorothée l'a passé aussi à un moment donné en rediffusion. Ouais. Ouais. Je suis tombé sur une série récemment, donc une série animée, qui s'appelle Green Man. Et quand j'ai commencé à regarder cette série-là, j'ai dit, mais en fait, les gars, c'est Ultraman. Puisque le gars, en fait, il va dans un ordinateur, il devient une créature géante comme Ultraman, en fait, quoi. Et puis, il a un beam, quoi. Il le fait avec une main comme ça. Bon, il manque plus que l'autre, quoi. Ultraman est quand même si elle a été pas vraiment représenté à ce niveau-là. Une référence. Il reste une grande référence dans l'univers du toku. Tout de même. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Ultraman, c'est une grosse... Ultraman, il y a le film là, qui a été annoncé là, par les réalisateurs d'Evangelion, justement. Hideaki Anno. Shin Godzilla, qui va beaucoup ressembler d'ailleurs. Ça a l'air d'être une tuerie. J'ai posté la bande-annonce hier. Je crois qu'elle tourne pas mal. Là, et après, tu auras Shin Ultraman versus Shin Godzilla dans un troisième film, non? Et j'aime beaucoup la série sur Netflix. C'est bien parti. À noter que pour Ultraman, il y a une série animée aussi qui était sur Netflix, justement, que je recommande. Il y a un manga qui est édité chez Kurokawa. Les animés SD d'Ultraman sont aussi assez fandards, je trouve. Moi. Mais bon, faut connaître un petit peu cet univers. C'est vraiment. Ce que j'ai vu, malheureusement, pas assez connu en France, au final. Ouais. Alors, je vais relever le message de Sylvain qui nous dit que sur Facebook, vous avez oublié le tout premier héros de Tokusatsu français, c'est Leguman. Alors, mais Leguman. Je suis fan de Leguman. Hein. Moi, je suis fan de Téléchat. De l'enfant de la terre. Donc, pour Ultraman 80, très peu de souvenirs parce que petite diffusion sur M6. Par contre, au Japon, c'est une institution. M6 n'a pas eu de chance avec les Toku. Ils n'avaient pas d'audience. Pas. Et puis ils n'avaient pas forcément de l'audience. Aussi, ouais. Ils n'ont pas eu la même. On va passer à l'année, 80, à l'année 89, qui est tout simplement Jiraya. Jiraya. Jiraya a marqué, ça c'est net. Avec Dorothée. Je reviens sur la question de Sylvain. Oui, Dorothée a joué donc dans Jiraya. Et après, il y a une autre production, mais on abordera au moment voulu. Donc Jiraya, donc elle a participé parce qu'elle a été ah oui, faisons dans l'ordre. Trois séries. Exactement. Hein, dans l'ordre chronologique. Dorothée a fait trois séries. Elle a fait trois séries. Et Kamen Rider Black. Oui, aussi, ouais. Mais je l'ai cité tout à l'heure. Il faut écouter ce que je dis. Pardon, excuse-moi. Non. Pardon, maître. Bozo, le mec. C'est bien. Apprends ta place. Il était marqué par son interview avec Olivier Fallet. C'est clair. Donc, Jiraya, le mal puissant, c'est... Le mal est grand. Ah, TV. Pour Jiraya, on quitte un peu l'univers des autres métal. Ah ouais, on sait pas si on le situe dans un Metal Hero, Jiraya, parce que ça parle de ninja, je sais pas. Il porte un costume. Un Metal Hero, on peut le dire. Metal Hero. Il est considéré comme Metal Hero. Qui, lui, est un robot. Non. Aussi, ouais, à la fin. Alerte spoil. Alerte spoil, ouais. Ah ouais, mais il y avait un côté vraiment plus dit que Force Jaune est morte dans Bioman. Hein. Merci. Hein. Oui. C'est pas moi. Je vais pas le dire, mais... putain. C'est pas moi qui avais dit spoil. Hein. Je m'en foutais. Mais... Comment elle est morte? Ce que j'adorais dans Jiraya, c'était ce côté un peu plus traditionnel au final qu'on avait. Et qui du coup pour moi me sortait totalement de tout ce qu'on avait vu en Metal Hero et Sentai. Ça touchait au Japon, du coup là, ça touchait vraiment le Japon, enfin avec la culture. Moi j'avais la figurine en VO. J'avais la figurine, moi. Ouais, pareil. Collée au mur. Figurine
que tu mettais sur la glace et qu'il descendait. Oui, alors ça, c'est abordé un peu plus tard. Pardon, vous allez trop vite, monsieur. Non, mais voilà, on parle de la série. C'est vrai que la série. C'était, ouais, pour moi, c'était. Et j'aimais bien parce qu'en fait, au final, c'était pas vraiment une transformation. Tu le voyais mettre l'armure et tout, mettre le masque à la fin. Il se préparait, quoi. Pourquoi tu fais non, Daft ? Parce qu'il a pris sa marionnette. J'ai entendu là. Quelqu'un que j'ai pas envie d'entendre. Et je voulais pas qu'il réapparaisse. Okay. Ça y est, ok. Tayo, pour ne pas le citer. Donc, oui, Jiraya. Abonnez-vous. Donc, abonnez-vous. Oui, d'ailleurs, il a ouvert sa page. Hein. Allez-y. Oh, ah ouais, attends, je vais me désabonner moi. Voilà, petite parenthèse faite. Donc Jiraya, donc moi c'est une de mes séries préférées, qui a justement abordé une autre thématique, donc ninja. Et Kenshi nous dit il y a des robots aussi dans les Metal Hero, je te rassure, mais merci. Juste que c'est moi, ça m'a marqué Jiraya parce que les autres, j'ai très peu regardé, c'était diffusé dans le Recrea 2. Et puis le côté trad, tu t'attends pas à voir un robot en fait. C'est ça en fait. C'est pas que ça. D'où l'étonnement de Yann, c'est ça que je veux dire. C'est l'étonnement que j'ai eu aussi d'ailleurs. C'est vrai que tu t'attends à des combats de ninja, tu t'attends pas à ce qu'un robot sorte de. Voilà. Donc, Et sa bagnole aussi. Mais bien sûr. Du jouer. En même temps, des ninjas, mais il y avait aussi le méchant qui ressemblait à un mec de la table ronde là. Les chevaliers de la table oui, ronde. Oui, avec un saut sur sa tête, avec un trou. Le ninja, le teuton. Le chevalier ninja. Il y a une galerie de personnages incroyables dans cette série. Il y a une multitude de méchants. Oui, c'est très varié, oui. Plus les corbeaux. Les corbeaux. Les Tengu. Très traditionnel japonais. Tengu. Ah mais c'est ça en fait, tu vois, et du coup par rapport par exemple à une série comme Maskman, Bioman, ça nous sortait totalement en fait de cet univers qu'on nous avait habitué nous étant jeunes, tu vois. Et je sais pas, il y avait, je suis d'accord avec Yann, hein, cette série là elle est vraiment très très présente pour moi aussi, c'est pour ça qu'on la retient bien d'ailleurs et qui a été diffusée intégralement moi je me mélange un peu avec tous les séries et qui n'est pas disponible en DVD malheureusement. Comme je parlais pour Jasmion, l'acteur et la série est aussi hyper connu au Brésil. Et c'est vrai. Et il a été invité un nombre de fois incalculable là-bas aussi dans les events. C'est une star là-bas. En France, c'est assez compliqué pour l'avoir en guest dans un salon. Oui, parce que les séries, elles n'étaient pas diffusées entièrement. Enfin, et puis ils accumulaient les séries à la suite. Tout le monde le connaît, même s'il n'a pas été diffusé, il a eu un impact. Cette série a vraiment eu un impact sur le public. Le public. Et même si tu n'as pas vu la série, tu te souviens déjà du jouet, effectivement, comme on va en parler après. Et la série en elle-même, elle est dans l'inconscient collectif. C'est connu. Et surtout, comme c'était dit, il y a Dorothée qui a joué dedans. Voilà. Exact. Et voilà. Puis il y a eu un reportage le fameux qui reportage. A été diffusé dans le Club Dorothée. On voyait justement le tournage de Jiraya. Et voilà, on avait eu la chance avec Vania de faire une interview de l'acteur principal, Takumi Tsutsui, pour le petit magazine. Il nous avait envoyé des photos dingues des coulisses. C'est vraiment génial. Quoi. Il y a un souvenir d'ailleurs de cette période incroyable. Il en parle toujours avec autant de passion. Quoi. Et d'ailleurs, la série, elle est en sous-titré en anglais sur le site officiel de la Toei. Oui, c'est vrai. On peut parler de cette chaîne YouTube qui diffuse du Dooku qu'on n'a pas eu en France, ou certaines qu'on a eues, mais qu'on peut revoir légalement. On rappelle le démarrage un peu catastrophique parce qu'ils se sont fait supprimer leur chaîne. Par eux-mêmes, en fait. C'est amusant. Droit d'auteur, alors que c'est... Le robot est passé par là. Mais voilà, oui, c'est régulièrement, ils mettent à disposition des épisodes de diverses séries. Ça va du très vieux, hein, des années 80. Le fameux Robotac, que vous avez montré d'ailleurs en CD, que j'ai reçu pas longtemps. Donc voilà, c'est vraiment de pouvoir les voir en VO, sous-titré japonais, sous-titré français, pardon, pour moi, de manière légale. Et c'est vrai que certaines séries
Et d'assez bonne qualité d'ailleurs. Je me demande, Jiraya, c'est jamais sorti en DVD d'ailleurs. Non, jamais. Non, non, jamais ça. Diffusé à la fois. Par contre, vous pouvez le revoir dans Power Rangers. Sur le site. Oui, c'est vrai. Dans Power Rangers. Ouais, non, dans la. Mais il a perdu. Et dans les séries. Ouais, il y en a qui sont taquins quand même. Mais pas par la dernière série Sentai il n'y a pas longtemps. Dans les séries. Dans les Ninjas, il est arrivé, il est venu, ouais. Voilà. La série de Ninjas. Et ça a un bel impact dessus. Comme ça a été le cas pour Gavan, donc XOR, qui a apparu aussi, qui a une trilogie. Enfin, il y a eu deux films, je crois, de XOR, avec un nouvel acteur. Enfin, une. Il y a eu un premier, ensuite il y a eu un pour chaque personnage avec en fait... les pirates, avec voilà. Les pirates là, avec les Sentai pirates, mais c'était l'acteur d'origine. Et après il y en a une autre où ils voulaient renouveler la licence Gavan et donc du coup ils passaient la main à un autre acteur avec une armure un peu plus moderne en fait. J'ai vu ça aussi. Il n'y avait pas un concept qui devait développer. Ouais, ça devait devenir les Space Squad. Les Space Squad, ouais, c'est ça. Mais ça n'a pas marché. Bah, en tout cas, moi, j'avais adoré ce qu'ils ont fait pour la Next Generation, puisque c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Ouais, c'était bon, ça. Ouais, c'était bien, c'était franchement bien. Et puis le plaisir de voir le Sentai se vautrer la trogne contre un méchant, et puis que Gavan, il arrive, schlack. Ah oui. Voilà, attention, c'est Wakovla. Et je sais plus quelle phrase il balançait, mais genre, c'était pas de la pacotille ou un truc comme ça. J'ai dit, mais voilà, c'est normal, c'est Gavan, les gars. Vous pouvez pas test, quoi. Donc voilà, que les Sentai, certains... ils soient 5, alors que lui, tout seul, il est... Bah voilà, c'est ça. Donc, certains des personnages de Metal Hero ont réapparu dans des productions récentes diffusées uniquement au Japon. Japon, ouais. Heureusement. Oui, je retiens sur ce que tu dis, Sylvain. Oui, effectivement, sur la chaîne YouTube du Tokusatsu, il y a Poitrine. Celui-là. celui-là, ouais. Et quoi ? Poitrine. La bête est masquée, Poitrine. C'est la version française. C'est marqué sur le panneau. Il faut le dire, le panneau. Voilà. Pour ceux qui connaissent. Donc, on était à Jiraya. Donc, voilà, ça a marqué certains d'entre vous. Beaucoup d'esprit. Et on va passer à l'année encore 89 avec cette fois-ci Metal Dare et avec l'acteur qui est venu en France que nous avons pu rencontrer. C'est nous. Hein. Grâce à qui ? Mais grâce à qui ? Et ainsi que Monkey Stevie. Grâce à Patrice Ratier. Patrice Jean, qu'on peut citer, qui effectivement qui a fait venir l'acteur de Metal Dare et puis le prochain, mais qui sera dans la période 90. Donc Metal Dare qui était une série un peu plus aussi dark, on va dire un peu plus mélancolique. Inspiration Robocop. Oui. Ouais, totalement. Clairement, ouais. Donc voilà, qui s'en souvient, veut le dire des choses. C'est une série anniversaire déjà. Qui a été auprès de Kick Rider, pas de bêtises. Ah, oui, ça, effectivement, oui. Et effectivement, il avait pour ceux qui se souviennent, il avait une armée devant lui. Mais vraiment, hein, c'était les tanks, les bunkers. C'était assez. Il se les fritait un par un. Et il avait une attaque qui m'avait bien plu avec son bras. Moi, ça m'a bien marqué. Et c'est dans cette série qu'il a... Le méchant s'appelle pas Nerio. Il se transforme. C'est un salaryman. Enfin, il est en salaryman, puis après, il se transforme. C'est ça. Une sale gueule, quoi. Et puis bon, il a aussi un super. Les deux secrétaires, ils sont sexy, par contre. Je tiens juste à souligner ça, quand même. Comment ? Les deux secrétaires, elles sont sexy, hein, de Nerio. Ah oui. ça. Donc, Metal Dare, donc, une série qui a été diffusée, je crois, aussi intégralement. Je ne sais plus. Pas sûr. La série, j'ai jamais vu. J'ai pas de grands souvenirs, malheureusement, de cette série-là. Dans le club Dorothée. Et le générique était interprété par Jean-Paul Césari. Jean-Paul Césari, ouais, qui l'interprète à merveille, d'ailleurs. J'ai vu plus tard, moi. Mais ça aussi, c'est une série qui n'est absolument pas disponible en physique. Et nous, il y en a beaucoup. Hein, Elle est bien en plus. Hein, moi, je sais pas ce qu'ils foutent, les éditeurs. Bah parce que ça se vend pas. Oui, ça se vend pas. Oui, mais c'est pas, voilà, c'est pas, dommage. C'est pas de l'anime. Pas de l'anime, Mais encore, même l'anime, ça se vend pas, attention. Et donc tu vois. D'autres choses à rajouter sur Metal Dare, Vania, Nathanael, Simon. Alors, juste pour une petite promo perso, on avait fait un book sur Jiban Metal Dare. Mais si. Si vous l'avez sous la main, vous pouvez le montrer. Moi, je l'ai, mais il est un peu plus loin. Voilà, et donc on avait fait quand même deux belles interviews sur l'acteur de Metal Dare et de Jiban. Et de Jiban. Tout à fait. Il nous en reste encore quelques exemplaires au cas où. Voilà. Et t'en as pas sous la main pour montrer les exemplaires ? Nathanael, t'en as pas un là ?
Attends, bouge pas. Vas-y. Allez, voilà, vas-y. Quand même. Vas-y. Vous ne m'avez même pas envoyé. Non, franchement, c'est dégueulasse. Eh ben écoute, avec plaisir, il te l'envoie. Il t'offre les frais de port. Voilà. Merci, c'est gentil. Donc, le temps qu'ils reviennent avec, justement, c'est... C'est plus qui c'est que j'avais interviewé, Yuta. C'était qui? C'était toi, c'est Jiban que tu as eu. Moi, j'avais Jiban. Et ouais, Metalder, c'était Yuta. Et tu as eu l'acteur qui était le moins expressif. Ah ouais, le gars, il était concentré. Mais il était comme on ça. On va l'aborder au moment qu'on parlera de Jiban. Voilà, ça, c'est... voilà. Moi, très j'ai très mon exemple. J'ai mon exemple. Aussi, ouais. Franchement, très, très bien, ouais. J'avais pas pu le prendre à l'époque. Voilà, monsieur. Mais du coup, ce sera l'occasion, du coup, si vous en reste. Voilà, n'hésitez pas à les contacter sur Monkeys TV, bien, leur page Facebook. Jiban, ça a été mon premier pseudo. Parce que c'était le seul pseudo qui était disponible pour mon mail caramel. Jiban, j'ai caramel trop téléachat, là. Bah ouais. Voilà, ça, tu peux l'envoyer, il n'y a pas de problème, je le prends. On t'en enverra un, il n'y a pas de souci, Simon. Ouais. Il sera en vente sur Yahoo Group à 1200. Voilà. Ah non, certainement pas, non. Mais j'ai un bon cas d'illustration sur ça, moi. Avec, mais vous pouvez racheter le caramel de Simon pour le même scène. C'est quand même monter une belle photo. Ça n'existe quand même plus, caramel. Hein. Ça n'existe plus. Daisuke, est-ce que vous avez des souvenirs de Metal Dare ou pas du tout? Enfin, très peu. Je me rappelle juste du robot bleu et rouge, mais c'est tout. Enfin, la transformation bleu et rouge, mais c'est tout. Très peu de souvenirs. Bah, y a un truc aussi, c'est que moi personnellement, je commence à être grand aussi quand ça passait. D'accord. C'est assez ça aussi. J'étais tout un peu grand. Hein. Donc, il était différent. Ouais, ce qui était un peu louche quand même, c'était le chien qui parlait là, avec sa chic. avec son truc électronique. Ouais, il y avait un chien, il parlait au chien et donc il avait une espèce de truc électronique autour de son buste, comme ça, tu vois. Non, tu peux pas dire ça. Tu sais que Michael Knight, il parlait à sa voiture quand même. C'est au bout d'un moment, quoi. Alors que t'es en mécanique, non. Non. Et la fin était chouette quand même. Enfin, elle était triste et chouette. Ah non, c'est hyper triste, ouais. Mm. Ok, pour Metal Dare, en 89. Et là, on va aborder le dernier qui était diffusé à la fin des années 80, donc en 89, Liveman, qui était Dorothée. Qui était renommé en Bioman. C'est la meilleure série. Et où Dorothée intervient en tant que docteur Dorothée. Il faut juste remettre tes montres. Ah, d'accord. Voilà. C'est bon, on a tout dit. Mais on a tout dit. Liveman, Dorothée, c'est bon. On passe. Ouais. Voilà, suivant. Mais cette série a beaucoup plus marqué. Liveman a beaucoup plus marqué, moi, que Bioman et Maxman. Liveman, c'est vrai que, étonnamment, c'est la. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a eu d'autres qu'on n'a pas eu en France. Ils ont débuté avec une équipe à 3. Voilà. Ouais, c'est ça qui marquait au final. Ouais, énormément marqué ça. Le fait qu'ils soient que trois, tu fais, mais ils sont passés où les deux autres là? Nous avons un scénario de dingue, justement, pour démarrer la série, quoi. Ah ouais, ils avaient pas assez de sous. Des fumiers de la pire espèce. Bon, au contraire. Ouais, l'attaque. Hyper originale. Les robots, ils étaient magnifiques. Ouais. Megumi Mori, bon. C'est une beauté. Ah ouais. Il y a changé. Qu'on a eu en interview dans le dernier numéro d'ailleurs. Attends, je replace un petit peu. Vas-y, hein, désolé. C'est là que je te hais vraiment. Tu es quoi. Comme Yota avec Omake. On t'en enverra un aussi, il n'y a pas de souci. Non, envoie-moi mes Megumi Mori directement, ça sera plus simple. Je dirai rien à ma femme. non, mais cette série-là, c'est. Au niveau de générique français, AB, je crois que c'est le meilleur. Ouais, c'est vrai que c'est le générique. Ouais, c'était vraiment ça. Moi, je l'avais en. C'est mon Walkman. Liveman, enfin. Non. Ah, non. Ouais, mais tu vois. Le retour. Le générique l'AB de Maxman était vraiment. Ça n'avait rien à voir avec la série. Disons que le générique de Bioman 2 était plus un ending qu'un générique de début. Qu'est-ce qu'elle était, mon amour. Megumi Mori, l'actrice qui a interprété. Alors, c'est quoi son, c'est Dolphin Ouais, le Dauphin, ouais. Lac Dauphine. Je sais qu'il y avait Lion Météor, c'était le mec en jaune, enfin, qui portait la couleur jaune. Lion Météor. Il y avait Aero Condor, qui était le chef. Ed Hawk. Et puis après, un peu plus tard, il y a eu Bison, pas Bison Futé, hein, j'allais pas dire ça. Hein. Allez, saute dessus, automatiquement. Et en fait, ces deux personnages, et je dévoile encore une spoliation, comme dirait Emma. Emma. qui sont les frères des deux personnages qui sont morts dans le premier épisode. Mm.
dans Lyman. Mais ouais, très très bonne série, que dommage que n'est pas disponible. Pareil. On va le dire à chaque fois, ça. Et oui, c'est dommage, c'est dommage. Mais ouais. On comprend pourquoi, mais c'est vrai que faire peut-être des petites éditions, tu sais, en nombre limité pour vraiment les fans, ça pourrait être. Ouais, ou au moins les mettre en disponibilité sur un truc de streaming. Voilà, en financement participatif. Allô, Alexandre Regreni, alias Black Boss, n'hésite pas. Mais oui, bien sûr, mais totalement. Mais il y a des choses qui ne peuvent peut-être pas se dire. Et puis. Donc Fred Az nous dit que c'était Blue Dolphin en VF, en VO, et Paléo Dauphin, ouais, en VF. Paléo Dauphin. Voilà, tout à fait. Donc et d'ailleurs, je me suis demandé, mais qu'est-ce que les dinosaures viennent foutre là? Il me semble qu'on a oublié de parler d'une série. On a parlé, je l'ai pas entendu. Il y avait Winspector aussi. Ouais, c'est 90. Ça. Ah bon, c'est 90. Ouais. Ah oui, oui. En France, c'était récent, diffusé, ouais, en 90 en chez nous. Ah ouais, non, mais je vois qu'il y a 90 sur le CD. Effectivement, t'as raison. Ok, on va y arriver, il en reste un, deux, trois, quatre, il en reste cinq. On fera les... Le temps du club Dorothée. On fera les tokusatsu des années 90. En commençant par Power Rangers. Dans les commentaires, j'ai vu passer un... Effectivement, je ne sais pas si c'était diffusé en France. Jeune Personne. Non, pas diffusé. Ça n'a pas été diffusé. Okay. Ouais. Je pense que j'ai Jeune Personne, c'est le CD que j'ai montré tout à l'heure. Ok. Donc rien d'autre à rajouter sur Liveman. Ça serait cool qu'ils viennent en France comme ils ont fait pour Bioman. Ouais, carrément. C'est cool. Pour Lyman, oui. Je veux rajouter un truc. Là, je parlais de l'interview tout à l'heure. J'en profite d'ailleurs pour remercier pour les interviews. On travaille avec Patrice Ratier, ouais, oui. Et puis Amandine, sa compagne. Amandine, tout à fait. Qu'on remercie parce que on arrive à faire des chouettes petites interviews. Et puis justement, Megumi Mori, on a eu l'aide de Pierre Giner aussi. Donc, ah, je salue ces trois personnes. Grand nom sur ouais. Pierre Giner, qui a participé à Animeland justement. Il a été très très sympa de faire le lien entre elle et nous, donc ça a permis d'avoir une petite interview sympa de cette actrice, quoi, qui parle très peu dans les médias d'ailleurs. Et qui est aussi chanteuse. Ouais, qui a une toute autre vie maintenant. Ah bon, plus dans le bien-être. Elle est plus dans le bien-être, on va dire. Ouais. D'accord. Okay. Bah, prostitution, tu veux dire, ou... Ça laisse des doutes. Elle est loin des paillettes, on va dire, voilà. Elle est loin des paillettes. Ouais, elle a quitté le milieu. Pour... Voilà, elle tient à son de beauté, quoi. Voilà. Ok, donc là on clôt la partie 80 qui était pas mal bien chargée en diffusion. Ah oui. Ouais. Et là on va partir sur les années 90. Hop, petit visuel, hop, c'est parti. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien fait cette émission. Oui, t'as vu, il y a des images. Je me fais chier à faire des pages d'un faux fanzine. Il faut embauché par Animeland, c'est pas possible. Il faut que je te donne des conseils pour la pagination, franchement. Ouais, mais j'étais au plus simple. Hein. Je crois que je vais pas me fatiguer à faire des trucs de ouf. Hein. Il faudrait quelqu'un qui passe un magazine de Toku ici qui explique à tout. Donc là, il en parlait justement. Non, c'est pas celui que tu parlais, c'est un des acteurs qu'on a eu en France. Et on salue aussi David de Collector Shop qui avait organisé ce salon. Donc c'est le Jiban. Et puis là, c'était peut-être clairement Robocop. Quoi. Voilà. Ah bah, oui. pas qu'un peu. Il était diffusé en 90 chez nous, dans le club Dorothée. Donc Jiban, l'acteur qu'on a eu en interview, que vous pouvez retrouver. Alors, je place aussi une petite pub pour la radio. Moi, je fais pour la radio, je ne fais pas pour mon compte personnel. Mais vous pouvez aller voir la chaîne de CNH. Network. Non, là on parle pas de City Hunter. Ah, peut-être un peu plus tard dans les tops. Ça m'étonne pas ça. Donc Jiban, bah ouais, j'ai bon souvenir de cette série. Ouais. Qui justement s'inspirait énormément de Robocop. Hein. Mais donc c'était un flic. Et il bougeait plus facilement. Qui revêtait, oui. qui revêtait une armure dans sa bagnole, si je me souviens bien. De police. On ne voyait jamais la transformation, en fait. Il se cachait toujours derrière un mur ou il se planquait dans un truc et bim, il apparaissait en Jiban. Comme Superman, quoi. D'ailleurs, on n'a pas de sous pour faire la transformation. Hiroshi Tokoro, c'est que il nous avait confié justement Hiroshi Tokoro, l'acteur, qui était déçu justement de ne pas avoir de séquence de transformation quand il a tourné la série. Ah. Est-ce que c'est la seule série qu'il a tournée? Est-ce qu'il est toujours acteur aujourd'hui En tokusatsu, oui. En tout cas, de mémoire, il avait dit ça, ouais, que c'était pas. Donc, interview qui avait été faite par Ryodoka.
Et qui malheureusement a souffert parce qu'il n'était pas très causant. Ouais, non, c'est vrai que c'était très difficile de lui sortir les verres du nez. Il est moins le casque, c'est que c'est nous hein, à sortir. Ah ouais, ouais. Bah, j'ai vu après. Hein. J'étais content pour Yota qu'il ait une interview très intéressante. Ouais. Mais du coup, je dis, bah, j'aurais préféré, sachant qu'on a tiré au sort, j'ai fait, ah, j'aurais préféré être à sa place. Ouais, non, alors, à sa décharge, c'est quelqu'un de très timide et très réservé, mais c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de. Mais très concentré. Sympa. Par contre, très concentré. Ouais. Je veux dire, il n'a pas été. Non, attention, il n'a pas été mal poli ou quoi que ce soit, rien du tout. Non, non, il était avec son casque, il était concentré, il écoutait, il essayait d'entendre ce qu'on lui disait. Il était très professionnel sur ce qu'il faisait. Le problème, c'est que du coup, il était tellement concentré, que du coup, il était ultra concis dans ses réponses. C'était à la limite, oui, en effet, non, ce n'est pas tout à fait ça. Et puis, hop, et puis là, tu te retrouves avec. J'aurais mis quelque chose un peu plus consistant. Ouais, mais je pense aussi que en fait maintenant il travaille dans un truc d'avocat. Je pense que pour lui c'est une histoire très lointaine et il s'en souvient voilà. Oui, non, mais bien sûr. De son histoire, et en aucun cas je critique. C'est juste en fait le ressenti qu'il a eu. C'est juste le ressenti que moi j'ai eu et quand j'ai vu après Yota du coup avec une interview très riche et tout, je fais. Ah, il y en a qui ont dit bah écoute, c'est ça de tirer. Bah, non, mais en fait, c'est un peu le personnage, tu vois. C'est moi. C'est tout. Que je te dise, d'ailleurs, on peut saluer. Bah, on avait tiré au sort, alors ça n'a rien à voir avec toi. D'ailleurs, on peut saluer la traductrice qui avait accompagné les deux acteurs, qui est Noëlla, qui avait fait la traduction lors du salon de Cosmic Game 2. Tout à fait, oui. Malheureusement, on n'a pas eu le 3 qui devait se faire. Oh, on espère, c'est bon. Donc, il arrivera dans 2027. Mais Jiban, très bonne série. Daisuke, Daft Pakun, est-ce que vous voulez rajouter ou Simon Non, avec ça, c'est... Oula, pardon, excuse-moi, c'est trop fort. Moi, je me rappelle que j'ai eu le jouet. Moi aussi. Sympa, mais. Je l'avais sur la moto, bah, il est là, mon Jiban. Avec, Et j'avais la moto que je n'ai plus. Je me rappelle. Peut-être qu'on voit pas trop, mais. Tu te rappelles plus Daisuke en micro. Non, rien à faire. Un peu de souvenirs. Voilà, là, on voit le Jiban. La figurine. On va passer à une autre série qui a été carrément arrêtée au bout de 5 épisodes, si je me trompe pas, Turbo Rangers. Que nous voyons sur le visuel qui sont Rangers. Juste au-dessus de Jiban. Au fond, ouais. Là, tu peux sortir le CD, Yota. Turbo Rangers en avant. Donc, Turbo Rangers, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette série? Quelle est l'histoire exactement? Je m'en rappelle tellement. C'est féerique, on va dire. Ça parlait de voiture. De voiture et de fée. Celui-là voilà. C'est assez, assez bizarre. Et regarde la jaquette au lieu de nous demander. ouais, c'est bien. Des qui en japonais, hein, je comprends rien. Non, mais tu vois bien les costumes quand même. Ouais, regarde les costumes. Non, parce que je ne regardais plus. Sentai, celle-là. D'ailleurs, question à Nathanaël et Vania. Dans tout ce qu'on a cité, les séries, est-ce que justement vous êtes pour parler pour certaines interviews ou pas du tout alors... est-ce qu'il y a du sans trop dévoiler du live man avec les autres acteurs qui ont participé, du mask man, du speed man, du aspirant, du local héros. Votre prochain. En tout cas, on a des envies, on travaille un peu dessus, on a des envies. Donc voilà, c'est bien un peu comme ils sont professionnels, oui, comment ils y répondent. Et nous, on le saura après l'émission. Bah, en fait, ce qu'on n'a pas envie, c'est d'annoncer des trucs, puis après dire putain, non, ça se fait pas. Parce que... Ah ouais, c'est normal. Et sachez, chers auditeurs, que nous, on le saura quoi, après l'émission. On comme le manga, par exemple, ça a été compliqué, on ne pouvait pas annoncer. Voilà, c'est. Quels acteurs vous voudriez avoir? Voilà, oui. Déjà. Mais qui alors, sont pas... moi, tous. Oui, avec Nicolas, on avait déjà parlé. Moi, j'aurais voulu avoir comme interview Kenji Oba, mais je me dis, il a déjà fait tellement d'interviews. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui poser encore de plus, quoi? Ouais. Donc, oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas toi qui as posé les questions. Oui, mais bon, c'est là la différence. Ouais, c'est vrai, mais. Et les gens vont pas forcément vers les anciennes interviews, donc en plus. Et surtout, est-ce que lui, ça va pas le saouler, Kenji Oba, de répondre toujours aux mêmes questions? Bah, c'est il change de nom à ce moment-là. Non, mais c'est pas ça. C'est que bon, et en plus, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est intéressant de poser toujours la même question
pour les gens qui vont lire l'article. Bah, tu dis, tu commences. En fait, bah non, il faut commencer avec une question. C'est pas la bonne question qu'il faut se poser. C'est oui, tu vas dire reposer les mêmes questions, mais en fait, c'est ramener des gens qui vont pas aller chercher. C'est-à-dire, c'est ramener les gens vers cette personne et vers ce qu'il a fait. Et sans tenir compte de ce qui a été fait avant, c'est pas se dire oh ça a déjà été posé comme question. Évidemment que les questions elles ont déjà été posées, mais c'est l'angle. Aujourd'hui qui sait qui va aller voir les interviews de Ken Gilbert, tu vois ce que je veux dire, c'est juste de faire un petit rappel, dire hey tu te rappelles de ce mec là voilà. Bah, si je peux me permettre, il y a une super interview de Jackie et Billy fait par VL Media. Il est sorti cette semaine, enfin, c'était déjà vieux, il a reposté, et tu vas voir que l'angle qu'il a pris pour son émission fait qu'on redécouvre totalement Jackie, que c'est tellement drôle à écouter, c'est vachement passionnant, et parce qu'il parle des enfants du rock, il y a plein de choses, et pas que du Club Dorothée, tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est fait que voilà, tu peux ouvrir l'esprit de la personne en soi, de la personne que tu as en face de toi, sur d'autres choses, plutôt que parler que du sujet bien précis qui peut être saoulant, effectivement, ça va ouvrir sur d'autres choses, tu verras que c'est... Il te parlera beaucoup plus qu'il l'aurait fait au départ. Et je salue Arnaud qui vient d'arriver, qui fait partie de HeroShock, qui nous dit bonsoir et j'arrive très en retard. T'inquiète, tu auras le replay après. Voilà, donc bon, pour la partie Turbo Rangers, il n'y a pas grand chose à dire parce que c'était très. Non, c'était tellement court. C'était diffusé très. C'était pareil. On va passer pour vendre les jouets toujours. On va passer au prochain, Five Man. Alors, lui, diffusé en 91. Ça, Five Man. Ah, Five Man, je m'en rappelle tellement plus. Pure, en fait. Non, ça c'est Jetman, ça. Ah, ce qui est 91. Yota. Mais regarde Yota. Les jaquettes. Avant, regarde. Les japonais. Voilà, bon, ça va. Voilà. Tu t'es rattrapé. Donc Five Man, pareil, petite série qui n'a pas marqué non plus lors de sa diffusion. Non, donc, Dorothée. Non, au final, Jetman m'a beaucoup plus marqué que Five Man. C'est clair. Oui, bizarrement. Ouais. Des choses à dire sur Five Man, Nathanael, Vania. Non. Non, j'en ai pas vu beaucoup. Hein. Pareil, là, on commence à grandir. Enfin, attends. Moi, je commence à grandir, c'était pas ouf. Vas-y, Nathanaël, il essaye de placer depuis tout à l'heure. Non, moi, j'avoue, c'est un regret aussi, Feynman, de pas pu l'avoir en français, quoi, parce que je la trouvais vraiment très sympa. Ça révolutionnait pas le genre, mais franchement, c'était plaisant, quoi. D'accord. C'était vraiment plaisant. Donc, voilà, l'histoire était plutôt sympa. Ça révolutionnait pas, voilà. Les effets spéciaux, ils commencent à être. Bon, on voit qu'on arrivait dans les années 90. Ça commence à être de plus en plus. Ouais, on avait un level au-dessus quand même par rapport aux années 80, clairement. Quoi. Oui, mais bon, oui, voilà. Tout à fait. Et bien sûr, Feynman, c'était leur pouvoir, c'est qu'ils représentaient les doigts de la main. Voilà, je l'ai faite. Ils n'arrêtaient pas de faire Give Me Five, Give Me Five. Alors, c'était pas Give Me Five que tu as fait, là, Yodoka. C'était autre chose, c'était un peu plus malaisant. J'ai mis ma main comme ça, c'est bon. Non, j'ai pas fait ça. J'ai fait ça. En plus, c'est pas pareil. Par la main. En plus, ça fera un très du monde, d'ailleurs. On va retirer ce malaise de l'émission. Non, mais voilà, comme ça, j'ai fait ça. C'est bon. J'ai pas fait ça. Qui est, alors, qu'est-ce qui se passe après ? Ok, Winspector. Justement, ça fait 91. Ça fait, tu sais que ça fait un excellent, comment dire, une appétissante transition, ce qu'a fait Ryodoka avec Winspector, parce qu'il y avait des. Voilà. Je sais pas si vous en rappelez. Voilà, Winspector. Ouais. Bah, tu vas nous le dire après. Pareil, grosse série moi qui m'a marqué. Générique de Jean-Paul César. Bernard Minec. Non, pas Jean-Paul César. Ah oui, il est Winspector, Winspector, tu n'as jamais tort. Ah, c'est mauvais. C'était horrible. C'était horrible. Donc, c'est très parmi les personnages de Winspector, nous avons la personne qui est en rouge, qui est un humain, et les autres sont des robots. Machines. Ouais. Des machines. Oui. Et surtout, musique de Seiji Yokoyama. Voilà. Moi, j'ai un truc à dire sur Winspector, mais justement, c'est par rapport à ce que tu disais, c'est que dans Winspector, il y avait réellement des... comment ça s'appelle, l'humain avait un déguisement de SS dans Winspector. Et c'était super... Et c'est passé, hein. Vous allez dans sur le chaîne YouTube de la Toei, tu peux regarder tu peux regarder Winspector et tu vas voir que les costumes sont là. Et c'est, attendez, si je peux peut-être. Attends, Yann, je crois qu'on puisse passer un épisode maintenant. Tu veux montrer quoi, quelque chose de... Ah oui. L'écran, ah ça oui. Ça passe voir correctement.
Ça, bah, je sais pas si ça va se voir correctement. Attends, si je fais ça. Je suis obligé de me mettre en. Ah oui, attends. D'accord. Attends, bouge pas. Je vais basculer sur. Ah oui. Hop. Ah oui, 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 tout à fait. Ah ouais, ouais, mais c'est oui, mais totalement. En fait. Ah, c'est horrible. C'est un costume de la police, en fait. Donc, non, mais tu regardes, il y a même le blaze, quoi. Mais il y a tout. Il y a le blaze, il y a le blaze des SS. Ah oui, c'est vrai. Non, mais ouais, ouais. C'est... La vache. C'est un truc quand même. Ouf. C'est un truc de ouf. Heureusement qu'on ne s'en rendait pas compte de ce genre de choses. Alors, bah, hormis ce détail, qui a j'aurais dû ne serait-ce que détacher le blason. Quoi. Il y a des sonneurs de Wind Spector qui ouais. Le jouaient aussi, ont été, sont sortis en France. Je ne sais pas si les trois sont sortis. Ouais, je pense que des adultes l'ont vu. Alors Nathanaël, tu veux dire quelque chose peut-être sur Wind Spector? Non, je voulais juste dire nazi, soit qui m'y pense, mais bon. Nous sommes plus sur Twitch. Nous sommes plus sur Twitch. Merci Nathanaël. Allez, c'est pas vrai. Merde. Non, ah, tu m'as fait peur. J'ai cru qu'on s'était fait. Oui, je tiens à dire qu'il ne faut pas dire certains mots sur, sur Twitch parce que sinon on peut se. Comme Nicky Larson, il ne faut pas le dire. Toi. Mais ça, si ça passe. Bon, bah, pour Wind Spector qui a été diffusé en 91. Wind Spector, c'est un son qui est très nasillard de toute façon. Non, par contre, Wind Spector, c'est. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai plus de souvenirs de Wind Spector que par exemple, bah, qu'on a parlé de Parade 5 Mind, mais je ne sais pas si par rapport à leur heure de diffusion au club. Samedi Europe... matin. Le samedi matin, bah, je me souviens. Moi, voilà, c'est que. Wind Spector, je me rappelle que ça s'appelait le matin et peut-être que Fiveman passait l'après-midi. Je sais que l'après-midi, bah, moi, j'avais des activités. Fiveman, c'était là. J'allais dehors, j'allais découvrir le monde. C'est ça. Alors que le matin, voilà. Alors que matin, j'étais devant la télé ou bien je les enregistrais quand j'étais plus grand. Et... Ouais, je me souviens de ça. Ouais. C'était diffusé le samedi matin dans le club Dorothée du samedi matin. Et Fiveman, tout ça, c'était le mercredi comme toutes les autres séries. C'était l'après-midi, en fait. Et c'est pour ça que moi, j'ai moins de souvenirs des séries qui passaient l'après-midi. Bref. Voilà. Alors, il y a Sylvain qui nous dit, pour Wind Spector, je suppose, la scène de transformation dans la voiture fait énormément penser à Super Durant. Ouais, si vous voulez. Ouais, ouais, ouais. Donc, l'anime est super. Tu enlèves son masque, ça. Ouais, il était en transpiration. Ouais, il était en sueur à chaque fois. Ouais. Alors, sachant que Wind Spector, c'est très. Là, il n'y a pas de choses très fantastiques dans cette série, c'est vraiment un côté policier. C'est très policier. Moi j'aime bien, c'est comment marchent les robots. Mais il y a eu d'autres séries au Japon qu'on a pas eu en France, qui a eu toute une déclinaison. Il y a eu Soul Brain. Soul Brain, yes. Donc ça c'est. À votre avis, est-ce que ces séries seraient arrivées si le Club Dorothée avait continué d'utiliser du Sentai sans qu'il y ait. Non, parce que c'est des séries, c'est assez anecdotique, je pense peut-être. C'est juste pour vendre des jouets après. Il n'y avait pas de vraie diffusion correcte, donc forcément. Exactement. C'est quand tu veux que les gens s'en souviennent bien de ces séries-là. On s'en souvient, mais sans s'en souvenir. On dit Ah oui, je me rappelle, mais est-ce que tu te rappelles vraiment de la série? C'est un peu le même problème. Je reviens sur Jiraya. J'ai un très bon souvenir de Jiraya. Mais à part les quelques épisodes que j'ai pu voir comme ça sur YouTube, je n'avais plus de souvenirs de réellement, mais je sais que ça m'avait marqué, tu vois. Donc, c'est pas. T'as pas le vrai sentiment de la série. Peut-être est saoulante sur les 45 épisodes ou 50 qu'elle le fait, au total, alors que tu as juste ton beau souvenir en tête. Mais voilà. Ouais, je ne te rappelle pas des costumes nazis. Non. Mais voilà, t'as raison, il n'y a que les adultes pour aller gueuler de ça contre ça, alors que tout le monde s'en fout. Visuellement, j'entends. Après, des costumes qui ont rapport avec le nez. De toute façon, c'est le Japon. Bah oui, attends, ils ont des croix gammées partout chez eux, je sais pas pourquoi. Ah ouais. Mais non, c'est pas des croix gammées. Mais je sais. Mais blague. Non, mais blague. Ce sont les étoiles de ninja, on a compris. C'est la deuxième fois. Les shurikens. Sur Twitch, merci d'avoir cité ça. Et puis les Japonais, ils étaient alliés aux Allemands, donc. Normal. Plus. Ah. Mais qu'est-ce que t'as contre les Allemands? Mais rien du tout, moi. Le vent se lève, c'est tout. Ils ont une très belle culture, de très bons musiciens de musique classique. Ils ont été capables d'une grande concentration, ces gens-là. Stop. Allez, on va arriver à la dernière série qui était diffusée donc avant l'ère Saban, qui est Jetman en 80. Se chauffe pas au gaz. Ouais. On a dit stop. Alors, Jetman, on resitue. Par contre, c'est nous qui savons monter des murs. Donc, Jetman était diffusé en 93 dans le Club Dorothée et c'est la dernière série que nous avons eue en France avant que Saban propose Power Rangers.
Ça y est, il est parti dans un fou rire. Donc, faudrait que quelqu'un parle pour ce que je suis en train de dire, parce que je ne vais pas faire un monologue non plus. Jetman, je crois que c'est Jetman, la meilleure. Jetman, tu vois, déjà, j'adorais les costumes, personnellement. Magnifique. Ouais. Ouais, franchement. Et ça me fait. Et en fait, il y avait toujours un rappel direct. Pour moi, en fait, ça m'a tout de suite fait penser à la bataille des planètes. Ah oui, bah oui. Ah oui, 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 clairement. Et j'avais tout de suite, j'avais toujours ce lien, tu vois, qui se faisait inconsciemment. Dans ce truc-là, ah oui, c'est peut-être dans le même univers que la bataille des planètes, des trucs comme ça. Puis bon, je me rappelais plus trop de la bataille des planètes à l'époque non plus, mais j'avais cette image-là qui me restait. Ah ouais, c'est vrai que c'est la bataille des planètes en live. Tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est ça en fait. Grosso modo, c'était un petit peu ça l'idée, quoi. Il y avait, pas une histoire aussi du personnage, qui est la couleur noire. Il n'y avait pas. C'est mort. Ouais. Pardon. On va pas spoiler, non si. Mais vas-y, fais oh, mais on a tout spoilé depuis le début, alors je vois pas où est le souci. Directement Black Condor qui meurt à la fin, bêtement en plus. il se poignardait bêtement avant le dernier épisode. C'est vrai que c'est assez dramatique pour ce personnage-là. Quoi. Bon, une fois que c'est pas le noir qui meurt en premier. Voilà, ça c'est dit. Tanel, tu veux dire quelque chose? Non, mais je trouve que Jetman, c'est peut-être la meilleure série Sentai, en fait. Alors, je vais peut-être pas me faire... Ils sont peut-être pas d'accord, forcément, mais... niveau narration, niveau scénario, niveau personnage, ils sont hyper charismatiques. Les méchants, ils sont vraiment méchants, quoi. C'est pas... c'est pas manichéen non plus. Y a pas forcément de demi-mesure. Voilà. Je reviens sur les effets spéciaux, les maquettes, tout ça, miniature, c'est... on remonte encore d'un level. En fait, moi j'aurais bien aimé le voir, voir le manga moi en France, ça aurait été pas mal. Manga Jetman. Si je me trompe pas, c'est une série qui avait une amourette. Il y avait un des héros qui avait une amourette avec la méchante. C'est pas dans cette série-là, avec une méchante, si je me trompe pas. C'était Maskman. Ah, j'ai confondu. Ouais. Ok. Parce qu'elle vient les avertir que les méchants arrivent. Ouais. Ben ouais, Jetman, en fait, ça sonne. C'est la dernière série diffusée au Club Dorothée Sentai avant l'arrivée des Power Rangers, justement. Ça a été avant l'arrivée du crime. Voilà. Est-ce que Vania veut l'occasion de voir Jetman? C'est vraiment une très bonne série. Vania, est-ce que tu confirmes ou Ben, en fait, moi, ils m'ont un peu perdu à partir des deux, trois dernières séries, justement. Je les ai pas vues parce qu'à l'époque, comme disait Damien, je trouvais que la diffusion était complètement chaotique. On n'avait jamais les fins de séries. Alors, ça passait, par exemple, le samedi matin. Et puis, dès qu'il y avait des vacances, on te les passait tous les jours. Mm-hmm. Et puis, après, c'était fini. On repassait au samedi, au truc. Et donc, c'est vrai que peut-être les deux, trois, quatre dernières séries, je les ai pas suivies parce que j'avais l'impression qu'il y avait trop de séries, tokusatsu d'un coup. Et t'avais jamais la fin des séries. Donc, ça me saoulait un peu, quoi. D'accord. Ouais. Il y a quelque chose que je voudrais cette série a-t-elle été diffusée en français en entier? Je crois pas, non. Non. De l'avoir vue en entier. Enfin, peut-être Non, pour moi, non. Je crois qu'il y a une vingtaine d'épisodes aussi, ce truc. Alors, j'ai dû la voir en VO, c'est pas possible. Moi, je l'ai vu des débuts à la fin. Ah, peut-être que C'était un peu le problème de l'époque. C'était dès qu'un truc. On mettait des trucs pour combler, on va dire, et puis t'avais les votes, tout ça, pour savoir quelle série était bien, et puis ils n'hésitaient pas à repasser tout le temps les mêmes séries parce que ça fonctionnait. C'était le même cas pour les animés mecha, tout ce qui est venu après, genre Toby Gage, tout ça. Dan Cougar, c'était un crime, Dan Cougar aussi, tout ça. Donc, ok, donc là, on conclut la période 90-93 avec Jetman. Pour les séries diffusées, grosse partie dans le Club Dorothée. Il y a eu du Récré, du MC. Donc là, on arrive sur la fin période et on va passer à des produits dérivés. Voilà. Aussi. Et là, on va aborder Little Big Monster Edition, vu que Nathanael et Vania en sont créateurs et qui sont en partenariat avec Blackbox. Donc notamment, cette semaine, il y a eu un... Cette semaine, ça a débuté le financement participatif. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça, il est déjà plein, en fait. Et le stock a été... C'est normal, ils ont tout racheté, là, d'un seul coup. C'est eux-mêmes. Vous nous confirmez que le manga Shōdenshi Bioman a été édité, ainsi que celui-là de Denshi Sentai Denjiman, qui est une série qui n'a pas été diffusée... Oui, qui est 80, elle est antérieure à Bioman, hein. Elle est de 1980. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, et qui n'est pas confidentiel, sur
sur cette ce partenariat avec Black Box. Je vous laisse parler, c'est à vous là. Vous êtes payé combien? Voilà. Non, mais déjà, on peut déjà dire merci à Alexandre Grigny et Black Box, parce que avec Vania, bon, je pense que il va abonder dans mon sens, mais on a essayé de contacter pas mal de gens depuis quelques temps justement pour éditer ce genre de choses. Et Alexandre, il a été séduit en fait par l'idée, donc bah, il a dit banco quoi. Mais c'est marrant, comme en fait ça a démarré un petit peu aussi surtout avec le manga V, donc un truc qui a complètement rien à voir. Mmh. Donc on avait ce désir de, on est fans de V aussi, on a une page V c'est exposition. Je refais un petit peu de promo. et ce manga V, il existe en 2 tomes. Et on s'est dit, bon sang, il est vraiment génial. Ça couvre la série. Je sais pas si, je pense que vous vous rappelez de cette série avec Diana, tout ah, ça. Ah, oui, bien sûr. C'est mythique, quoi. Et ouais, on s'est dit, ce serait bien de l'avoir en français. Et un jour, avec Alexandre, on discute comme ça, à bâton rompu, comme ça, un peu de tout et de rien. Puis il me fait, mais attends, mais V, tu connais, machin, j'aimerais bien. Bah, j'ai dit, ouais. Il me dit, j'ai pas le matériel. Bah, j'ai dit, on a le matériel, si tu veux. On a une chier de matériel, même si tu veux. Ok, machin, on a commencé à faire des recherches. Et puis on s'est dit, allez, banco, il y a peut-être moyen de le faire. Et nous, ce qu'on voulait le faire, c'est avec Kenneth Johnson, le créateur de la série, tu vois. Mmh. Donc, on ne pouvait pas éditer son travail quelque part, enfin l'adaptation de son travail sans son accord. Sans son aval. D'accord, oui, voilà, sans son aval. Et il s'avère que depuis une dizaine d'années, avec Vania, on, est, bah, on a une jolie relation avec lui. Bah, donc, ça a beaucoup aidé, quoi, en fait. Donc, ça a pu se faire très rapidement. Donc, le manga V, ça a pu se faire très rapidement. Donc, on a lancé le participatif, ça a bien marché. Et puis, on s'est dit, bah, allez, on attaque Tokusatsu. Avec beaucoup d'appréhension, parce qu'on s'est dit, est-ce que la communauté va suivre déjà, parce que c'est un marché ultra de niche. Mmh. Donc, on s'est dit, bon, allez, bon, on va essayer. Donc, bah, chapeau à Alexandre, parce que bah, il a osé, quoi, il a osé le faire, nous faire confiance surtout. Et puis, on a lancé le truc, et en 8 heures, c'est à l'au-delà de nos espérances. Donc, on est super contents, parce que bah, les 2 premiers tomes qui vont sortir, et bah, ça augure une collection derrière. Ça ouvre des portes sur beaucoup de choses au final, et c'est ça qui compte. Ça veut dire qu'il y a, ça veut dire qu'il y a quand même une attente en France vis-à-vis de ça, et c'est ça qui est bien. C'est ça qui. Mais il y a une attente, ouais. Puis il y a un engouement aussi. Il y a des gens, ils sont curieux. Bon là, il y a Bioman, Enziman, c'est moins connu, mais on va essayer de faire en sorte qu'à chaque fois il y ait 2 titres avec un titre qui sert de locomotive, on va dire, avec quelque chose. Enfin, un titre. Oui, non, mais bien sûr. Pour faire découvrir, tu vois. Bien sûr. Et d'ailleurs, donc, le l'équipe de Black Box aussi qui est derrière, je pense à Stéphanou, je pense à d'autres personnes, donc je voulais les saluer là ce soir. On les salue. Parce que, on les connaît très bien. voilà, ouais. Donc, et je remercie Alexandre qui va éditer Pat Labor. Ouais. Attention, Yann va à nouveau faire des dons. Si jamais tu passes par là, je vais les citer. Voilà. Et attends, non, non, et il a dit qu'il allait éditer aussi en DVD que... beaucoup nos picots. Hein, donc, Ah non, mais non, mais, voilà. Ah, non, mais c'est pas possible. C'est abusé. Hein. C'est... Bon, non, alors, mais gare argent, il y a bientôt un crowdfunding manager qui va arriver. Donc, Alors, on va reprendre sur ce que disait Nathanaël, s'il vous plaît. C'était important de parler de Pas de la Bord, je suis d'accord avec Guillaume. Donc, sur donc, Little Big Monster Edition, donc c'est votre label. Vous éditez bah, des mangas ou. Manga ou un bouquin, comme on a fait avec le bouquin sur Godzilla, Godzilla Hershoah, il y a bien plus d'un an maintenant. Et oui, juste pour ajouter une dernière chose, c'est que justement, ces éditions, on a décidé avec Alexandre de les agrémenter de bonus. Alors, ceux qui ont connu la Biobuild, bah, par exemple, qu'on avait fait il y a quelques temps, bah, ils seront ravis de retrouver notre travail en fait en bonus à la fin du manga quoi. Ok. Avec des petites surprises bien sûr, donc on va essayer de faire quelque chose de bien pour bah, pour les fans hein, tout simplement. Hein. Que vaut le manga après, d'ailleurs. Pardon. Même si voilà, la promotion, mais en termes de lecture, est-ce qu'il est plaisant à lire ce manga parce qu'il est très vieux, bah, c'est des fois c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est du Yuji Ozoi, donc c'est un trait très rond à la Tezuka, donc l'histoire elle est assez. Elle diffère un peu hein, quand même. Il y a des personnages qui sont complètement différents de la série du manga. Mais l'histoire, elle est sympa. C'est un petit one-shot qui est vraiment très sympa. Quoi. C'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'humour que dans la série, ça c'est sûr. Mais ça suit bien, c'est vraiment très sympa. Il y a un manga Gaban aussi, je crois, d'ailleurs, il me semble. Ouais, aussi, ouais. Bah, tu peux voir sur les visuels. Il y a des visuels hein, qui existent en manga sur les séries Toku. Hein. Ouais, et j'ai une question de Arnaud Goutron sur Facebook de Hirosha qui dit... Si vous savez qui va traduire les mangas. Oui, c'est l'équipe Black Box. Ils ont l'habitude, ils sont professionnels sur leur boulot. Ils n'ont pas de nom. Oui, en fait. Et puis bon ça.
Donc, On est aussi quand même content du succès de cette sortie Bioman, parce que c'est vrai qu'avec Nicolas, on avait une petite appréhension de notre approche avec ce manga, parce qu'on sait que dans la communauté, on va dire tout cul France, Belgique, on est un peu considéré comme pro Dorothée, parce que c'est vrai qu'on met fort en avant ce genre de truc là, voilà, les versions françaises, la chanson, les disques, et donc je sais que parfois on se dit peut-être que les Monkees, ils sont un peu trop pro Dorothée, ça va partir en vrille, voilà, mais c'est pas notre style, voilà, mais donc on est quand même content, parce que ça prouve quand même que après quelques années on commence quand même à nous faire confiance et à croire quand même un petit peu à ce qu'on fait après toutes les interviews qu'on a fait, des choses comme ça, donc ça fait plaisir quand même aussi. Ouais, mais tu sais ce que c'est, après ça dépend l'âge où tu regardes et que les choses que tu vois. Par exemple, moi, à un moment donné, je supportais plus le Club Dorothée. Je parle de la présentation, de l'animation, tu vois, du mercredi après-midi, par exemple. Pas le matin, mais l'après-midi. Du coup, je pouvais être très moqueur. Je l'ai été encore dans les années 90 avec les Cyberghost sur la série, même après la fin du Club Dorothée. Oui, non, mais c'est même pas de la pub, là, c'est du souvenir. Les Cyberghost ou Cyberghost. Merci d'en avoir parlé dans ton émission que vous pouvez retrouver sur YouTube, cher Simon. Mais de rien. C'est un plaisir. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce label que vous avez créé avec vous avez créé, donc est-ce que il y a des choses qui se préparent, mais je sais que vous n'allez rien dire, mais on le saura après l'émission, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais on gardera le secret professionnel comme d'habitude. La collection elle est en cours, il y a le deuxième tome de l'ouvrage sur Godzilla là, qui va traiter de l'hérésie. Donc c'est pareil, ça c'est en cours avec pas mal de surprises intérieures. On a notre petite publication là qui, comme on dit, hein, qui tourne plutôt pas mal, donc on est content. On est désolé pour nos lecteurs d'ailleurs de ne pas avoir des sorties régulières, parce que bon, c'est vrai qu'on est comme vous, on a un boulot à côté, donc manque de temps. Il y a des gens qui nous ont rejoints, donc ça c'est plutôt sympa. Donc on a les classiques historiques, bien sûr, Amandine et Patrice de Five Color Company. Il y a Tommy aussi, on a aussi Alexandra, on a Arnaud Goutron. Tommy ? Tommy, ouais. Tommy, c'est Tommy. Voilà. Il s'occupe de la partie PR pour Ranger, que vous affectionnez particulièrement, je sais. Donc, ça fait une petite équipe sympa. C'est Simon, le grand fan. On a aussi des gens qui nous ont fait des demandes pour écrire quelques petits papiers sympas. Donc, on est en train de voir un petit peu tout ça avec Vania, ce qu'on peut faire pour améliorer le magazine. Alors, on essaie de voir si on continue le format qu'on a fait jusqu'à présent, ou comme le dernier numéro, quelque chose un petit peu plus concentré sur une série, une sorte de petit collector. D'accord. À voir, quoi. Ok. Donc, on va parler un peu de ce qui est sur les visuels. Donc là, on a parlé des mangas de Denshi Bioman et Denshi Sentai Digimon. Vous voyez qu'il y a aussi un Space Sheriff Shader qui existe en manga. Après, si ça s'est édité chez Fox et Dolby Monster Edition. Il y a aussi le jouet que je parlais il y a le bio laser Maxman qui était sorti en France, et ainsi que l'intégrale DVD de Bioman. Voilà, si vous voulez d'autres choses à rajouter en produits dérivés, sinon prochaine rubrique. Non, rien d'autre. Moi le problème des produits dérivés des Tokusatsu, c'est surtout du souvenir, c'est le dégoût que j'avais à pas avoir les jouets, en fait. J'étais extrêmement fan du robot, du grand robot de Bioman, j'ai jamais pu l'avoir parce que je pense qu'il n'était pas gratuit à l'époque, je m'en souviens plus trop. Et les personnages de Xor que je n'ai jamais eu, je les voulais, hein, je voulais le Tu peux demander à Yota, c'est réservé à l'élite. la gueule de l'élite. Mais non, autrement, pour ce qui est des jouets, j'ai vu le chip, comme je disais dans l'émission, qui était plutôt sympa. Et le plus gros souvenir qu'on a tous, je pense que c'était les personnages de Jiraya, qu'on pouvait tirer, qu'on balançait sur les fenêtres. Qui n'était pas pratique à balancer sur les fenêtres, puisque. Tu n'es pas debout. Bah, et la tête du personnage était dure. Donc, quand le père il entendait ça sur la vitre, il n'était pas mal. C'était ce genre de souvenir que j'ai avec les jouets. J'ai vraiment adoré les tokusatsu originaux. Hein. Bien sûr, on ne va pas parler de Power Rangers pour Simon. Mais
J'ai rien dit. Vous êtes dur. Ouais, moi, je vais défendre. Mais tu sais que j'ai pas mal de jouets Power Rangers à la maison. Ils ne sont pas à moi, qui sont à mon jeune frère. C'est ce qu'on dit. Bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'on dit. Non, non, mais si, si, je te promets. Il a une figurine grande comme ça, là, de, du tigre blanc. Ouais. Et il doit avoir l'un ou un ou deux Power Rangers à côté, le robot aussi, du de la première série. Ok. Tu vas dire. Donc, non, bah, voilà pour que, les... C'est vrai que les jouets m'ont vachement marqué, moi, perso, autant que les séries. Hein. Si, il avait le vert, appuyé sur le bouton, t'avais la tête qui se transformait, t'es avec le casque. Clac. À tourner comme ça. Ouais. Alors, il y a Arnaud qui nous dit sur Facebook, maintenant, il y a des figures art d'excellente qualité pour Gavan et la gamme Shodo Super pour Bioman qui vont bientôt sortir. Bien donc, ça va pas être gratos. Ah bah là, ça va être... oui, ça va être autre chose. Bah, station de base, ça n'est pas, donc... Voilà, c'est ça. Et dans les produits dérivés, évidemment, il y a au-dessus aussi des OST qui sont sortis autour des licences. Un paquet et aussi en... Alors maintenant, ils sont un peu plus chers parce que bah, le temps a passé, mais ils étaient à moins de 10 euros en Animex 1200. On en trouve aussi en original hein, de l'époque. Mais c'est pas facile parce qu'on se trouve souvent en fait les premiers OST. C'est-à-dire le Music Collection 1, par exemple, mais il n'y a pas le 2. Le 2, va être, on peut le trouver, mais va être trois fois le prix. Tandis que le premier, lui, va être au premier prix pour faire un prix d'appel sur le deuxième. D'accord. Vous voyez un peu le principe de vente qu'on peut trouver sur eBay quand on en trouve. Ouais, c'est ça. Une chose, c'est qu'au Japon, tu peux en trouver à des prix abordables. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile, bah, surtout de cette époque-là. Mais bon, après, t'ailles sur des magasins qui vont te le faire à 6000, 7000 yens et d'autres qui vont te le faire au prix de base de l'époque. Mais c'est vrai qu'il faut tomber dessus sur le moment, quoi. Ah, il vaut mieux trouver les doubles CD. Faut farfouiller. En fait. Ouais, moi voilà, je me souviens au Japon, à Nagano Broadway, il y a plusieurs magasins spécialisés dans le tokusatsu. Il y en a au moins deux, enfin, il y en a au moins deux ou trois. Il y a Mandarake qui est là-bas. Ouais, voilà, il y a la Mandarake, mais et il y a justement, tu as des. Pardon? Nipponbashi aussi, tu as pas mal de petites choses à Osaka. On est deux, trois adresses sympas. Ouais. Ouais, qu'il faut trouver. Ouais, faut quand tomber on sera au Japon, de toute façon, on passera te voir et puis on ira. Tu me donneras bien la date, comme ça que j'arrive en France au même moment. Bravo. Petite pique. On fait un échange de maison, comme ça, tu sais où loger, je sais où loger. Ah, voilà. Ah, je sais où loger, ne t'inquiète pas. Ok, donc on va s'arrêter là sur les produits dérivés et puis on va fermer le dossier sur... Ah oh bah, bon dossier là. Hein. Ouais, bon dossier, 2h40, ouais, c'est clair. On est à 2h10 d'émission déjà. Il est 23h. On n'a pas parlé de Zen Production, je comprends pas. On n'a pas parlé de Saiban. Non. Non, on a dit jusqu'à Jetman, donc du coup, forcément, on passe pas... C'est la Vania qui vous dit quelque chose. Oui, excusez-moi, je vais devoir vous quitter. Ah. Pour un autre monde. Oui, voilà, je vais me suicider là tout de suite. Et qu'on parle de Power Rangers, voilà ce qui arrive. Hein. C'est... Ouais, c'est ça. Donc, tu quittes, c'est ça? Oui, je dois quitter. Alors, je vous avoue, j'ai bossé toute la journée, j'ai pas bouffé depuis 14h. Ma pizza m'attend, je suis au bout du rouleau là. Non, on va manger, on te voit pas. On va aborder d'autres sujets, donc si tu dois partir, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas pour votre émission. Oui, pas de souci. C'est avec plaisir, on te recevra à nouveau avec Nathanaël pour. D'autres émissions, pourquoi pas. Et puis, on te souhaite... Je calibrerai un peu Zoom pour avoir une image. Ok, ça marche. Je vais faire un petit truc. Le temps qui quitte, parce qu'il faut que je recadre tout le monde. Voilà, hop. Et on va revenir dans l'émission. Je vous laisse combler le temps de faire le nécessaire. Donc, il fait très beau aujourd'hui au Japon, Vania, un peu nuageux. Vania, pour quitter la conversation, tu as un bouton en bas à droite. Ok. C'est marqué quitter. Voilà, normalement. J'attends que tu comprends pour que je puisse recadrer tout le monde. Normalement, les gens qui savent lire n'ont pas de soucis. Ouais. Alors, je vous laisse conduire le temps que je remette tout en place. Je sais pas, vous voulez quoi hein, Nathaniel, est-ce que... Vous pouvez parler d'Apérotac qui est diffusé demain matin. Ah bah, bien sûr, oui, si tu veux, on peut parler d'Apérotac où du coup, on aura Jean-Mathias Xavier qui nous parlera de sa BD, du coup, Space Kittens, voilà, qui est notamment le dessinateur de la future BD de E-Geiger, hein, voilà. Tout est lié, je vous le dis. Tout est lié, de toute façon, tout est lié. On est dans un main brain. Voilà. Et du coup, c'est vrai que
Du coup, on va, enfin, cette fois-ci, normalement, on n'aura pas de problème technique puisque ce sera notre cher Emiliane qui sera à la production, à la réalisation. À la régie. Voilà, à la régie, voilà, tout à fait. Et Yann Le Guen. Yann Le Guen, tout à fait. Et donc, du coup, voilà, et on aura une chronique. Donc, et en plus, ça tombe bien parce que demain, c'est la reprise des chroniques de HeroShock. Donc, on peut dire ce soir. Pardon ? Ça dépend. Ah non, mais il m'embête, lui, avec son histoire de Japon, là. pour toi, c'est ce soir. Pour nous, c'est demain. Et donc, du coup, voilà, on aura une nouvelle chronique de HeroShock. On a tous hâte de voir ça. Parce qu'elles sont très très intéressantes et elles permettent vraiment de découvrir l'univers du tokusatsu dans son ensemble. Je pense que c'est dans... ah, tu l'as dit, c'est voilà. Voilà. Donc, comme d'habitude, un rendez-vous à 11h et ça durera une heure, quoi, peut-être un peu plus, on verra bien. Et dans la joie, et dans la bonne humeur, avec Ayota qui ne coupera pas ses collègues pendant ses chroniques. On n'y croit pas. parce que la dernière fois, monsieur s'est permis de parler tout doucement, il s'est amusé à faire une blague à la Yann. parce que Yann qui aimait bien faire... Quand on parlait, voilà, genre les fantômes, et ben il a fait pareil. Et le pauvre a déconcentré malicieusement notre cher Daisuke. Ah ouais. Et déconcentré, c'est tellement gentiment dit. Mais voilà. Bon. Voilà. Donc on vous attend forcément. Hein. Et puis bon, après, on peut parler tout de suite des autres émissions, hein, vite fait, le temps que notre ami Yann continue à me faire la remise en place. Du coup, il y aura forcément mercredi prochain la suite de contrôle et j'ai enfin trouvé la solution parce que j'étais bloqué, je ne savais pas ce qu'il fallait faire ou quoi que ce soit. C'est bon, j'ai trouvé, c'est tout con et j'ai suis passé par le bon chemin en fait dès le début. Sauf que il y avait juste un petit truc à faire. Enfin bref, c'est pas grave. Donc on fera la suite de contrôle. Et tout le monde a ses bugs, tu sais. Et voilà, il y a un doublage labial vraiment horrible et du coup c'est vrai. Le Morning Otak dimanche prochain avec Patrick Truel en invité. Voilà. Que dire de plus écoutez, moi j'ai un animé de Melody qui vient de sortir. Surtout quand on va s'arrêter là, on est revenu. Ah ben non, il m'a plu, mais. voilà, on va revenir. Donc, bon timing. Donc je vais rebasculer sur. La prochaine rubrique qui est tout à fait donc la tête dans les pixels qui va nous parler de Kirby et c'est Ryodoka qui va nous en parler. Je vais sur le visuel. Hop, c'est à toi. Oh, la grosse balle. C'est beau, hein. C'est beau. La grosse balle rose. Voilà. T'as changé, Yann. Hein, on te reconnaît plus. Hein. Alors, j'y vais. Top. Les premières aventures vidéoludiques apparaissent en 1992 sur Game Boy grâce à l'équipe de All Laboratory. Je suis capable d'avaler n'importe quoi et de voler dans un univers qu'adorerait Emma. Je combats le roi d'Adidou pour récupérer les sucreries volées. Je suis depuis une des mascottes de chez Nintendo. Je suis tout rose, tout rond, tout mignon. Je suis Kirby. Et oui, non, Kirby, pas... vous l'avez deviné. Ah, et surtout, vous l'avez vu sur l'image de présentation ou entendu quand Yann a parlé du résumé. Mais j'avais envie de faire cette présentation totalement idiote. Certainement, le personnage... Ça va faire plaisir, tu as raison. Mais exactement. Certainement le personnage le plus adorable de chez Nintendo. Et oui, ce n'est pas sur NES, mais bien sur Game Boy qu'apparaît pour la première fois notre petite boule rose dans Kirby's Dream Land. Et ce n'est qu'en 1993, à la sortie de Kirby Adventure, que sur NES d'ailleurs, que notre héros aura, en plus d'absorber ses ennemis, la capacité de s'approprier les caractéristiques de ceux-ci. D'ailleurs, Kirby n'est pas son nom original. Vous pouvez essayer de deviner peut-être ? Pac-Man. Pac-Man. Non. Alors, c'est un côté un petit peu rap, tu vois. Il se nommait Pompompon. Voilà. Je croyais qu'il allait s'appeler Jack, tu vois. Ah, Rocketman. Rocketman. Non, non, Popopo. Donc, Pompompon. Voilà. Voilà, okay, il a été changé in extremis avant la sortie du premier jeu en l'honneur de l'avocat de Nintendo. Daisuke, je te demanderai de faire exactement la même chose que tu t'as demandes Kirby de faire. Pas possible, ça. Il a été changé in extremis avant la sortie du premier jeu en l'honneur de l'avocat de Nintendo, John Kirby.
Il a failli ne pas être rose. Son créateur, Masashiro Sakurai, l'imaginait saumon, mais Shigeru Miyamoto l'imaginait jaune. Ce qui fera une différence entre les jaquettes japonaises où il sera rose et où en Europe et aux États-Unis où il sera blanc. En jaune, ça serait vu quand même. Hein. Bah, n'empêche que dans la version bleue, il est jaune. Il y a une version jaune. Malgré cela, le succès éclate et entraîne une vague de suite. Sachez tout de même que Kirby a touché d'autres genres en passant par les jeux de flipper ou puzzle game. Kirby réussit sa transition en 3D au même titre que beaucoup de jeux Nintendo d'ailleurs, même si l'esprit des dés au niveau du gameplay reste présent. Et au final, les derniers jeux qui sortent restent 2D, comme sur 3DS et Wii U, même si la 3D est utilisée dans les derniers opus sur Switch, le gameplay reste encore une fois 2D. Et c'est clairement, je pense, ce qu'il faut faire, il ne faut rien changer à cela. Notez que l'on peut voir Kirby dans d'autres jeux de Nintendo. Je ne parle pas de Smash Bros. Parce que ça semble totalement évident. Mais des jeux comme Pokémon Stadium 2, où on peut décorer sa chambre avec un screen de Kirby Adventure, ou bien même de Legend of Zelda Link's Awakening, où on peut croiser notre héros comme ennemi dans l'avant-dernier donjon. Bref, Kirby reste dans une grande tradition des jeux de plateforme et est devenu l'un de ses éminents représentants, faisant de lui l'une des mascottes les plus connues de Nintendo. C'est bon, vous pouvez applaudir. Et tu sais d'où vient le mot Kirby ? Allez. Je viens de le dire. Je viens de le dire, donc oui. Ah bah vas-y, redis-le. Bah, ça vient de... Oh, non, mais c'est une blague pour toi, donc je réponds. Ouais, c'est ça. Généralement, quand il prend la parole après, oui, oui, il faut chronique, bien. C'est voilà. Donc... Voilà, c'était donc la tête dans les pixels sur le personnage de Kirby, un personnage assez connu des... Bah, ah, totalement. 80... Et un des personnages préférés, personnellement. Des 90. Nathanaël, est-ce que tu veux réagir dessus, Daisuke? Des souvenirs de jeux vidéo, Daisuke, Nathanaël... Ah bah, Kirby... Ah ouais, non, mais Kirby, pour moi, c'est un des premiers jeux que j'ai eu sur Game Boy, donc j'ai un très bon souvenir de lui. C'est surtout un personnage très important à mes yeux et pour beaucoup de monde, puisque je pense que si tu veux amener un gamin à jeux vidéo, tu commences presque obligatoirement par Kirby, à mes yeux. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. C'est très facile d'accès. Simon n'est pas d'accord. Ouais, mais Simon, il a tort obligatoirement. Donc, mais... c'est surtout, et j'ai adoré la version Wii U où on pouvait jouer à 4 à la même façon que Super Mario Bros. U. Oui. Où du coup, tu pouvais, quand t'as un de tes potes qui a chopé un pouvoir, tu peux l'avaler, le jeter sur un ennemi et voler son pouvoir. Ouais. Ça, c'était cool. Même piqué. Ça, ouais. Et ça, c'était quand même super cool. Et là, on retrouve un Kirby jaune, justement. Et ça, je trouvais ça bien aussi. Tu vois. Et en plus, en jouant avec un gamin, tu peux l'accompagner dans le mouvement exactement, du jeu vidéo. Exactement, dans l'aventure. Voilà, c'est génial. C'est vraiment, c'est un jeu qui est hyper ludique. Et voilà, c'est vraiment, c'est une très, très bonne saga. Moi, j'ai jamais accroché, moi. Ben, c'est parce que t'as des goûts de chiottes, on y peut rien. D'ailleurs, je suis ton pote, t'as vu ? Bah ouais, mais je t'ai jamais dit que j'étais de bon goût. C'est pas faux, je confirme, c'est vrai. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Nathanaël, sur le jeu vidéo ? Est-ce que tu as joué à certains opus ? Oui, Kirby, ouais, bah, Game Boy. Game Boy, et j'ai joué en fait à une version plus récente il n'y a pas longtemps, et grosse crise d'épilepsie, parce que forcément, je passais de l'écran monochrome à la Game Boy, 30 ans après. 30 ans après, là oui, donc forcément, quand tu... Ah. Il y a trop de couleurs. Ah ben c'est non, ça, non, c'est pour ça que je dis que c'est Matt qui adore cet univers. Mais en fait, c'est ça, en fait. Voilà, en même temps, on voit, il combat le roi Dadidou pour récupérer les sucreries volées. On voit bien que c'est un monde mignon, kawaii, c'est etc. Mignon, enfin, voilà, ouais. Et le jeu en lui-même n'est même pas difficile, pas difficile. Il est juste rigolo et plaisant à jouer. Et moi, j'ai repris la version, j'avais racheté la version NES en digital sur Wii U, et je m'éclate encore dessus un nombre incalculable de fois, quoi. Moi, je m'éclate sur la version Twitch avec mon Switch, pardon, avec mon gamin. Switch. Avec quoi, ouais. Avec justement le fait que tu peux voler les pouvoirs de tes ennemis. Tu sais, quand tu avales un ennemi, tu as son pouvoir et tout ça, c'est génial. Après, tu fais des combinaisons, c'est fou. Ah bah oui. Yota, est-ce que tu as joué à certains opus ou pas du tout ? Non. Pas du tout. Ok. Non, non. Et j'ai rien Simon, à dire et à Simon, ce sujet. À part que tu n'aimes pas Kirby. Non, mais j'ai très très peu joué, donc. Ça puis, m'intéresse c'était... pas. Donc je peux passer moi, à la rubrique. Super Mario. Passer à autre chose, s'il te plaît. Oh. Donc on va passer à la rubrique suivante. Merci donc pour Nathan dans les pixels. Et on va passer au rayon old school. Pour ceux qui sont encore avec. Je vais juste rajouter un. Oui, vas-y. Vas-y. C'est pas pour être impoli. Moi, c'est pareil. Je vais falloir que j'y aille. Je suis levé depuis 3h45 là ce pas matin. Pas de soucis.
Je vais recadrer bien à nouveau. Tapé, donc je suis désolé. Non, mais je peux comprendre, il n'y a pas de souci. On a démarré un peu mais tard. En tout cas, ouais, en tout cas, bah, je vous remercie, Vania et moi, on vous remercie vraiment tous pour la petite visite que vous avez fait avec notre petite invitation. Vous êtes vraiment super sympa. On a toujours autant de plaisir à suivre vos émissions, Apérotac le dimanche ou ça. Donc, continuez, on sera toujours derrière vous parce que vous êtes une bonne équipe et vous êtes vraiment cool. Quoi. Merci. Merci. Voilà, merci. Vous faites du bon boulot surtout. Et, surtout, vous ne prenez pas la tête. Et, ah ben non. J'aime bien votre côté feel good. Ok, mais on te souhaite une bonne soirée, puis surtout une bonne nuit, puis une prochaine fois. Moi, je vais recadrer. Donc, on va revenir sur l'écran principal. C'est merveilleux. Attends, c'est la technologie. Et on te laisse quitter la conversation si tu. Voilà, c'est juste en bas à droite. Allez. Merci à toi. On pensera à toi. On ne t'oubliera pas. À bientôt. Okay. Je laisse combler. De... Mais vous noterez quand même qu'il a dit apérotac et pas morning. Voilà. J'y ai pensé. Ouais. Mais il ne sait pas qu'il y a une bière. En fait, il a dit apérotac, mais il pensait morning. Attention. Et pour une fois qu'il y a un spectateur qui nous suit, donc c'est. Alors... Ah, ça va. Du... Ah, allez, mais c'est ça qui est bon. Bon, bonne soirée à toi, Nathanaël. Okay, ça marche. Allez, à plus. Ouais. Ciao les gars. À bientôt. Putain, j'ai une idée de jeu. Ah, je vais dire des paroles sans les chanter, sans spoiler. Vous allez dire d'où ça vient. Oula. Alors, s'il y a justice et liberté. Oui, c'est ça qui est drôle. La vache. Ah, il faut arriver à trouver qui c'est qui chante, c'est ça. Il faut trouver de quelle série c'est. Allez, en attendant, si ça vous va. Ouais, ouais, c'est très bien. Allez, vas-y. Alors. Vas-y. Les forces du mal veulent s'emparer de la Terre. Senseiya. Les forces du mal veulent s'emparer de la Terre. Non. Tous les méchants voudraient détruire notre présent. Pourquoi ne peut-on pas un jour connaître Human enfin... 2. Human 2. Oui, c'est ça. On est dans la thématique, forcément. J'ai reconnu, je me suis dit, c'est la voix de... C'est pas possible, il y a la voix de la Terre. Mais il y a un moyen de gagner, en fait. Tu balances à chaque fois tous les titres. De AB ou tous les titres de Bernard Minet et c'est... Par contre t'as un seul titre à dire, t'as juste un seul titre à dire, mais parce qu'en plus c'est drôle parce que dans les paroles c'est toujours la même chose. Oui, c'est ça. C'était bien Bioman. Vous en voulez un autre? Ah bah oui. J'en fais un autre. Alors attendez, laissez-moi le temps de trouver les paroles. Parce après que... je fais ma pub. Qui c'est qui est parti là? C'est Nathanaël. C'est Nathanaël, ouais. Tout à fait. Alors. D'accord. Parce qu'il avait déjà commencé à mettre les écrans. Ouais. attends. Oh, c'est facile. Non, ça, c'est trop facile. Parce que... Ce qui montre le professionnalisme de Radio Anime. Allez, je vais vous le faire. Allez, vas-y. Bon, un policier robot, un justicier de fer, la force d'un cerveau pour défendre l'univers. Ah, c'est Iban. Facile. Ouais. Non ? Quoi ? Ouais, c'est les gobos. C'est Wind Spectre. Ouais, c'est Winspector. Ouais, c'était les gobos. Les gobos. C'était Winspector. Ah, j'ai pensé aux gobos, désolé. Ouais, pareil, c'est vrai, sur le coup. Justicier de fer. Redis les paroles pour voir un instant. Un policier robot, un justicier de fer, force d'un cerveau. Ah, ouais. Oui. Ça ressemble un policier robot. C'est un étranger. On pique une phrase. Ah, ouais, maintenant que tu. En fait, c'est l'air qui aide vraiment. L'aide, oui, clairement. Gobo. Je vous en fais un autre. Allez. Alors, on va revenir, hein, vous inquiétez pas. Bah vas-y, comme tu disais. C'était pas complet. Je l'ai même à la maison. Allez. Je suis obligé de tout refaire. Vous en voulez un ou pas? Je le fais? Bah oui, vas-y, oui, allez, oui, d'accord. Blanc. Excuse-moi. Pas de blanc, radio. Tu n'as jamais peur et quoi qu'il puisse arriver, héros grand cœur, tu n'hésiteras jamais à tout sacrifier pour obliger les méchants à retourner au néant. Alors ça, je sais en plus. Hein. Ah, je sais aussi, t'inquiète, mais... Alors ça, je sais, mais je ne dirai pas. Ah. Pas. Je vais vous faire le deuxième couplet. Vaillant chevalier de notre chère liberté. Zodiac. Non. Héros surhumain au service des humains. Puissant défenseur de la paix et du bonheur, tu combats toujours sans peur. Charivan. Charivan. Ils sont... C'est quoi, c'est... Héros de lutte des tu t'as des hypothèses. Liveman. Que va-t-il arriver? Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas ça. Charivan. Non, c'est pas Liveman. Non, c'était pas Liveman. Speedman. Ah bon? Refait.
Qui ça? Sylvain. On fait les paroles à Tila. Yann l'a eu. Je remercie Facebook. Merci Sylvain. Ah, c'est ça. Ah, oui. Ah, ouais, d'accord. Ah, bon, Sylvain, t'es bien eux. Hein, je l'aimais bien, moi, bizarrement. Je l'aimais bien. Ah, Speedvan, moi, j'aimais bien, j'avais dit. Hein. Ouais, ouais, moi, j'aime bien. Ok. Comme tu veux le, Yann. Voilà, nous sommes prêts, Yann. La culotte blanche. Oui, mais j'ai encore deux, trois fenêtres à faire. Donc. Alors, un autre ou pas? Un petit dernier, un petit dernier. Oui, un petit dernier, attendez, le temps que j'en trouve un comme ça. Sors du toku, sors du toku. Je sors du toku? Vous êtes vraiment sûr qu'on sort du toku? Ah, je sais pas, mais. Allez, je sors du toku. Alors, je sors du toku. On va faire. Où est du bateau? Où est le goéland? Non, c'est ça... facile, c'est Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Ah, faut bien qu'on en parle à chaque émission. Hein. Allez. Non, pas besoin, je suis pas là aujourd'hui. Allez. Elle. Là. Non, c'est pas ça. C'est pas une parole. C'est pas une parole. C'est Gwendoline, c'est pas ça. Non, j'avais tapé Gwendoline et c'était pas du tout ça. D'accord. Nous sommes des pangolins. C'est carapate. Attendez, oh putain. On voit à quoi ça nous a apporté, les pangolins. Ouais, exactement. Ah, c'est chinois. Gwendoline, je vais être franc, ça ne dit rien. Ah bon? Ella, ah ouais. Ella, insulte à Claude Lombard. Ah non, définitivement, hein. Non. Non, c'est. J'essaierai de m'appliquer la prochaine fois. Oui, s'il te plaît. Très gentil. Pour bon, allez, j'en ai un. Attends, je vais vous prendre le premier couplet, sinon ça serait beaucoup trop simple. Non. Il faut ne du partez courage. Pas. Il faut du courage quand on n'a rien du tout, quand on a, quand on a fait naufrage sur un gros caillou, sur ensemble. Plo et les Romains sont suisses. Ouais, c'était trop facile. Voilà, ouais. Bah attends, tu es en train d'expliquer la trame de l'histoire. Exactement. Non, mais exactement. Exactement. Non, mais c'est ça. Le truc, c'est en fait les génériques comme ça qu'on avait à l'époque. Bon, c'était pas tout. Tu racontais l'histoire où il te décrivait le héros, oui, et à la fin, il te mettait. Paix, justice, ouais. Amitié, attends, amour. Elle voilà. De toute façon, dans les génériques... Bon, on va pouvoir repartir. Hop là. Parfait. Et Tom Sawyer, symbole de l'Amérique. Vous êtes toujours sur Rétrocase. Nos invités sont partis parce que... Parce qu'on leur cassait les pieds. Non, voilà. Parce qu'ils ont un boulot à côté, effectivement. Donc, il commence à être très tard. Et ouais, on a bouclé l'émission assez rapidement. Et il nous reste ouais, j'ai plus de batterie bientôt. Vas-y. Donc, voilà. On va basculer sur... hop. Et on va quitter donc la tête dans les pixels qui était juste avant. Et on va passer au rayon old school. Et merci à ceux qui sont encore présents et qui nous regardent et qui nous écoutent. Donc c'est parti. On va commencer par Yota qui nous parle de Magic Knight Earth, qui est le manga, et puis le coffret DVD. Je te laisse quelques petites secondes, minutes pour parler. Eh bien, écoute, Magic Knight Rayearth, c'est quelque chose que j'ai eu en tête depuis très tôt, grâce à des amis fortunés. Ils avaient de l'argent, qui pouvaient se permettre d'avoir plein de trucs. Et, et ils m'ont fait découvrir, en fait, le jeu sur Saturn, qui est sorti pendant l'adaptation du manga, en fait, hein, aussi. Et c'est comme ça que j'ai découvert un petit peu l'univers du jeu vidéo de Magic Knight Rayearth, qui était très intéressant, franchement, sur Saturn. Et puis ils avaient les mangas, donc ils m'ont prêté les mangas qui étaient aussi en japonais. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à lire Magic Knight Rayearth, qui est de Clamp, tout simplement, du groupe Clamp. Et donc vu que le tome vient de ressortir chez Pika, c'est pour ça que je me suis dit c'était une bonne occasion d'en parler pour vous pousser à lire ce manga qui peut paraître un peu nunuche dans l'esprit. Non, c'est super, les robots sont magnifiques. Tu vas trop vite. Ça, c'est beaucoup plus. C'est dans le tome 3, ça, tout ça. Là, tome 1, tome 2, on est encore dans un esprit un peu Sailor Moon dans l'esprit, mais dans style, dans un RPG. Voilà. Le manga va là-dedans. Et après, c'est vrai qu'ils l'ont mis dans la collection Shoujo.
Là, je trouve ça un petit peu dommage de l'avoir classé là-dedans. C'est ouais, vrai qu'il y a des relents, il y a des relents de shoujo dedans, mais c'est pas pour moi un shoujo. Non, c'est clairement c'est pas un shoujo. C'est pas un shoujo. Si, enfin, si, moi. C'est Sailor Moon, c'est un shoujo. Dans Nakayoshi, c'est édité par un. Par ça, mais l'anime ouais, mais, a marqué mais, plus ses esprits. En mais ce que je veux dire, c'est que Magic Knight Rider, c'est pas un shoujo pour moi. C'est pas parce qu'il y a des gonzesses ou qu'il y a des histoires, tu vois. C'est bon, c'est pour moi, c'est clairement un shonen. C'est compliqué. C'est que leur, et comme je te dis, moi j'ai été avec toi, totalement émerveillé toi. À la fin avec les robots. Quand j'ai vu les robots, j'ai fait, mais la vache, ils ont. Ouais, moi, c'était Transformers, Macross. Mais le dessin est ouais. encore très beau. Franchement, le tome 1 ah démontre ouais, vraiment la qualité de dessin du groupe Clamp. Alors, Nanase, alors j'ai plus les noms, excusez-moi, de la dessinatrice pour cette série-là. Mais donc, il y a des pages couleurs qui sont intégrées. Alors, il faut savoir que je reprends depuis le départ. Donc, il y a une première édition chez Manga Player. Voilà, c'était tout départ. Ça avait été édité. Qui est devenu par la suite Pika. Ika, voilà, ils avaient aussi édité Wingman à l'époque, par exemple. Et du coup, cette nouvelle édition reprend la nouvelle édition japonaise avec une belle couverture, totalement différente, et les pages couleurs à la fin. Je ne me rappelle pas qu'il y avait des pages couleurs dans le manga d'origine, enfin, sorti. Non, pas non plus. Le manga player, ça, j'ai un souvenir très lointain, je ne peux tout ça vous dire. Puis, nous avons eu la série télé aussi, en France, sortie grâce à IDP, dans une édition premium. C'est un beau coffret avec beaucoup de bonus, dont d'ailleurs je l'ai pas encore vu, un pilote pour l'animé existe dessus. Et il faut pas oublier donc aussi les magnifiques génériques, les opening ending de la série qui m'ont marqué à vie, que j'adore. Je vous conseille fortement de taper Magic Knight Rider opening 1, opening 2, voilà, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Opening 3, parce que je crois qu'il y en a 3 au total, si je ne me trompe pas, et qui sont classe. Et puis les musiques aussi, qui ressemblent beaucoup, on l'a déjà dit dans une autre émission, à de Sugiyama, donc le papa de la musique de Dragon Quest, mais qui est fait par un de ses élèves, qui s'appelle Hayato, alors j'ai plus le nom, excusez-moi. Je n'ai pas le nom. Bref, il essaie qui retranscrit un peu le travail de son maître, et c'est vrai qu'au départ, tout le monde pensait que c'était une musique de Sugiyama, alors pas du tout, parce qu'il était vraiment dans la même mouvance. Et les musiques sont formidables. Donc il y a 4 ouais, OST pour la série télé, donc il y a de quoi faire, plus des albums complémentaires voilà, en symphonique, tout ça qui existe. Franchement, c'est une des séries qui m'a le plus marqué fin des années 90, grâce aux différentes adaptations qu'il y a pu voir ensuite en DVD et ainsi de suite. D'accord. Je vous conseille fortement de trouver la série. Elle peut faire peur au départ, parce que c'est vrai que qualitativement elle est un peu faible au départ. Mais graphiquement, c'est beau et ça devient de plus en plus intéressant. La deuxième partie de la série, enfin, la chute de la première partie est extraordinaire. Ouais, raconte-en pas trop, raconte-en pas trop. Non, mais justement, je ne raconte pas. Mais la chute de la première partie de la série est extraordinaire parce qu'on ne s'y attend pas et c'est génial. J'en dis pas plus, mais c'est vraiment génial et ça amorce une deuxième partie qui me fait beaucoup penser d'ailleurs à l'histoire sans fin. D'accord. D'accord. Donc c'était voilà. Ton choix. Pour cette série de Clamp. Et on va passer au choix de Ryodoka, qui est donc le jouet, et on en a pris dans le dossier voilà. De Kutsatsu, c'est le fameux jouet Jiraiya. Ah, c'était absolument pas prévu, puisque ce jouet-là a été donné en exemple y a bien un bon moment déjà, bien avant qu'on sache que c'était sur du Tokusatsu. Donc je vais faire juste comme quelques secondes, puisque Yann l'avait demandé à Yota, mais du coup, voilà. Et voilà. Bon, on a tout dit, je crois, sur ce jeu. Le fait qu'il ne tenait pas debout, mais moi, j'adorais parce qu'on pouvait le jeter, se coller et tout. C'est un très bon souvenir. Je crois que peut-être que notre ami Frédéric l'a toujours. Si oui, dis-le-moi, Fred. Voilà. Et voilà, donc un très, très bon souvenir. Je ne sais pas si vous pourrez le retrouver aujourd'hui ou si peut-être sur eBay. Et parmi vous, parmi voilà. Les chroniqueurs, est-ce que vous l'aviez eu en main, vous? Oui. Oui, bien sûr. Non. Ah oui, je l'ai pas eu. D'accord. Au Japon, tu peux encore le retrouver, mais c'est vraiment anecdotique. D'accord. Ok, voilà. Donc c'était le choix de Ryodoka, et on va passer à celui de Daft Pakun qui nous parle des diplodos. Oui. Les diplodos. Ouais, ouais, les diplodos, les ouais. Petits dinosaures labos. Je dis. Et du coup, il y avait une gamme, enfin, je pense que vous vous rappelez, mais il y avait une gamme de jouets, mais aussi de fournitures scolaires, diplodo, des orties. Donc, on avait le ciseau, la graffeuse, le
aussi le, la petite gomme et tout ça. Donc voilà. Donc je voulais vous rappeler de ça. Donc c'était sorti dans les années 80, alors, enfin fin 80. Ouais. Moi, je me... 86, alors, moi, 87, comme c'est, je l'ai indiqué, ouais. Chez Bandai. Ouais. Donc cette gamme de jouets qui était aussi qui était au Japon. Donc c'est, alors c'est pas un animé 100% japonais, c'est. Oui. Exact, non. Il y a Jean Chalopin dedans. Ouais. Ouais. Entre la France, le Canada et le. Donc voilà, c'était le choix de Daft Punk plutôt de sur Diplodo. C'est l'époque de Denver et compagnie. C'est 86, plus 87, vieux. Mon ami est bien plus encore. Non, c'est beaucoup plus vieux. Moi, j'en ai pas eu personnellement. Par contre, je me rappelle au CP, quelqu'un avait le ciseau Diplodo. Voilà. Le, et depuis, j'étais très jaloux. Il le maudit. voilà. Et on va passer à mon choix, qui est tout simplement la Crane Freeman, qui était édité alors une première fois chez Glénat, mais pas. Et après, à nouveau, là, c'est l'édition. Et voilà, c'est le fameux tueur qui pleure. Personne. Voilà, c'était mon choix pour ce Orion Old School. Et on va passer... Le film, qui est bien. Et on va passer la dernière partie de l'émission. Top. Chacun va évoquer quoi dans le top 7. C'est tout simplement les animés de... 89 produits ou dans 89, mais pour que certains ont été diffusés beaucoup plus tard chez nous dans les jeunesse. Et c'est Daisuke qui va. Et c'est parti pour le 7ème. Oh. Tu nous as mis Dragon Ball Télé. Ah, ouais, bah oui, chaud. Quand même. Parce que, quand même, Dragon Ball Z, ça a marqué, hein, ça, on va pas, on va pas faire semblant. Sérieux? Pas plus que ça. Ah, ouais, non, non, je trouvais ça sympa. Moi, j'adore la version française avec Patrick Borg, que je trouve vraiment excellent, avec Vegeta, avec un Eric Legrand. Bon, ça a marqué les super pouvoirs et tout ça. Je trouve ça super kiffant, du moins à l'époque. Après, on peut avancer dans l'histoire. Je trouve que ça se dégrade au fur et à mesure de la série. Mais non, j'ai un bon souvenir de ce truc-là. D'accord. En numéro 6, tu nous as mis Alfred J. Quack. Oui. Alors là, ça, j'aurais pu le mettre beaucoup plus haut dans le top. J'ai un très, très bon souvenir de ce dessin animé qui était international, si je me trompe pas. Il était japonais, italien, voire même, si je me trompe pas, allemand derrière. Néerlandais. C'était un conte pour, c'était un petit peu au départ un conte pour enfants avec un assez tragique où t'as le petit canard qui voit ses parents se faire tuer et se fait élever par le meilleur ami de ses parents, une taupe. Ça m'a extrêmement marqué. C'était sympathique, mais extrêmement sérieux. Il y a même à un moment dans l'histoire où on voit même la montée au pouvoir d'un des personnages qui devient une sorte de, bah, vous m'excuserez, de Hitler en fait. Ça va très très loin, c'était très intéressant. Et le doublage français, encore une fois, était monumental. Ça, c'est un truc qui m'avait vraiment très bien marqué. J'ai adoré ce dessin animé-là, j'aimerais bien que quelqu'un le ressorte parce qu'il mérite d'être revu. Après, peut-être qu'il a mal vieilli. Ça, je vais être franc, c'est surtout du souvenir que j'ai. Mais j'avais vraiment adoré ce dessin animé-là. Il m'avait vraiment, vraiment, vraiment marqué, plus que Dragon Ball, mais largement plus. D'accord. Dragon Ball Z, je veux dire. Ok. En numéro 5, il était temps, après 2h40 minutes d'émission, City Hunter, le film 1. Je tiens à dire qu'il revient souvent. C'est Amour, Destin et Amour 350. Voilà, bah, parce que City Hunter, c'est bien, quoi qu'on en dise pour te vanner, il n'y a rien à faire. City Hunter reste City Hunter, j'adore, j'y peux rien, et puis c'est un très bon film. Oh, ouais, il se la pète. Voilà. numéro 4, Ranma Demi, la série télé. Ah bah Ranma Demi, c'est fun, c'est génial, c'est du fun de bout en bout, avec nos limites sur l'humour, avec des voleurs de culottes, avec des transformations en fil et seins à l'air, je sais pas moi. C'est du fun en bar avec une version où Lucas Met se lâche en français. C'est du monumental. Ça ne, au niveau de l'animation, allez, ça a pris une petite claque, mais au niveau de l'humour, c'est nos limites, ça a bien vieilli. Mon préféré restera Roland, moi. Ah mais oui, bien sûr. Ah mais bien sûr. Roland. Oui, Roland juste un petit couac. Non, c'était Alfred. Sur Ranma, c'est que j'ai trouvé que ce qui est dommage, c'est qu'au bout d'un moment, ils ont commencé à infantiliser les personnages. En donnant des voix de gamins,
plus qu'il ne l'avait au départ, en fait. Ah bah, ça t'y peux rien. Mais on reviendra vite fait sur Roland, qui est quand même un perso excellent, parce qu'il arrive à paumer sur un carré de maison. Oui. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. C'était génial. Ah, mais l'humour est excellent. Et pour moi, en fait, Zoro dans One Piece, c'est un hommage à ça. Hein. Et je vais Ouais. Et pour moi, je vais être franc, j'ai une préférence pour le dessin animé plutôt que le manga. Même si j'ai un grand respect pour Mikiko Takahashi, j'ai une préférence pour le dessin animé avec les musiques de Kenji Kawai, si je me trompe pas, Yota. Ils étaient trois dessus. Kenji Kawai, il se baladait dans le coin comme d'habitude. Et puis, c'est un très très bon. Très, il y avait très... la lumière et les rentrées. C'est comme ça dans les années fin 89. Il était partout. C'est le chanteur du groupe Picasso qui a fait les musiques qu'on entendait le plus au piano dans la première partie de la série. D'accord. Et donc, c'était numéro 4 pour Ranma un demi, la série télé. Et là, on arrive au top 3. Et donc, le film. Venus War, c'était. J'ai découvert ça comme pas mal de gens dans les cassettes vidéo de manga. C'est la première vidéo que j'ai achetée chez eux. Et ça m'avait scotché. L'histoire est étonnante. L'animation est excellente. Et les musiques m'ont tué, je crois. Si j'ai un bon souvenir, l'histoire est très prenante. Josaichi à la musique. Je ne sais pas si quelqu'un pense le ressortir un jour. C'est déjà sorti. Vous le savez peut-être. Si, c'est pas sorti. Il y a eu deux autres éditions. Eh ben, je ne raconterai pas l'histoire parce que si quelqu'un le ressort, faut achetez-le. Franchement, c'est des. En 4K au Grand Rex. du moins, c'est un bon souvenir. Est-ce que ça a mal vieilli là encore? Je peux pas vous le dire. Je me souviens. Non. Franchement, ça a mal. Ça a bien vieilli, hein, franchement. Excellent. Alors, faut le voir ce truc-là. Alors, numéro 2, à nouveau City Hunter, mais la troisième série. Voilà, City Hunter, The Série. Voilà, c'est tout. Excellent. J'ai adoré. Numéro 1, on l'a dit, Pat Labor, la série télé. Voilà. Sachant qu'il y avait aussi un film qui avait été produit aussi. Le film est sorti après. Oui, tu as mis la série. Pas de labeur, j'ai eu une vénération pour ce dessin animé là. Ce côté futuriste où on a des robots un peu partout qui font partie de la vie commune et qui. Tranche de vie. Voilà, dans la tranche de vie et qui disparaissent dans le flot d'histoire où tu vas suivre les policiers qui s'occupent des problèmes que produisent les robots. C'est pas le robot qui est mis en avant, c'est la vie. La vie des flics, la vie des policiers qui est un peu extravagante quand même parce qu'ils s'occupent de jardins dans le commissariat et de tout ça. Tu les vois piquer. Non, mais c'est vraiment. Ouais, il y a vraiment un petit côté what the fuck au final. Hein. Voilà, mais dans ce côté what the fuck, je trouve qu'il y a un côté réaliste qui rend les personnages mais super attachants. Mais le truc était quand même un peu trop sérieux à l'époque parce que en fait, ça parlait aussi de terrorisme et de sociétés aussi qui faisaient la guerre pour des robots. N'oubliez pas le fameux robot Griffon. Oui. Voilà, qui était le robot ennemi des pattes, enfin de Noah. Qu'est-ce qu'il était beau. Il était magnifique. On parlait des robots de Raya, mais c'est vrai que celui-là il était bien. Et les musiques de Kenji Kawai, encore une fois. Ah oui, là, c'est là où j'ai vu Kenji Kawai. Kenji Kawai sur Pas de Labor, je vénère. Et sur les films, je vénère deux fois plus. Donc, c'était le top de Daisuke sur les animés diffusés ou produits en 89. Vite fait, Simon, toi qui n'as pas parti. Désolé. Mais c'est pas. T'inquiète. Est-ce que un petit avis à dire sur son top ou? J'aurais bien mis aussi Borgman, mais c'est vrai que c'est mon côté Tokusatsu fort derrière. J'y ai pensé. Ouais. Mais je suis d'accord. Surtout Venus Wars, évidemment. City Hunter, faut pas passer à côté. Ranma, non. Que du très bon. Okay. Ouais, je suis d'accord. Et très bon. Et on va passer au top de Daft Pakun. Hop, c'est parti. Il nous a mis en 7e Sally. Salut la petite sorcière. La deuxième série passait de 69, mais. qui a été diffusée dans le film. C'est ce que j'ai mis, moi. Ouais. Sally, moi, j'aimais beaucoup parce que ça passait ça, dans toute la liste. Celui-ci, je voulais le mettre parce que j'ai beaucoup apprécié cette série en plus. Fallait que je mette une petite magicale, une petite magicale girl. Moi, je me rappelle l'avoir vu. Moi non plus, je ne l'ai pas vu. Alors, je demanderai à Daft Pakun, c'était pas sur la 5 que c'est passé en premier? Sally, c'était sur. Ah ouais? Ouais, mais moi, j'ai plutôt des souvenirs qui sont passés après sur TMC. TMC, mais première diffusion dans le Club de Roté. Ouais, du coup, TMC, c'est TF1. Donc... Et c'est la même période où il y avait Caroline. Voilà. La boucle est bouclée. Tout est lié. Numéro 6, Lupin 3, Goodbye Lady Liberty.
Ouais, donc un Lupin. Enfin, que je place aussi un Lupin dessus. Donc là, pareil, une histoire. Bon, c'est pas le meilleur film. C'est pas le meilleur film des Lupins, mais celui-ci. Mais c'est un Lupin, quoi. Ah, c'est, c'est un Lupin, ça reste du classique. C'est un voilà. Lupin, ça fait toujours rire. C'est toujours comme ça. Enfin, c'est voilà. C'est toujours bon à prendre. Et voilà. Donc celui-ci était. Je savais même pas qu'il était de 89. Celui-ci, moi, Lupin, j'ai vu beaucoup plus tard. J'ai apprécié Lupin beaucoup plus tard. Ce que je disais, c'est qu'un certain. Mais c'est... Ouais. Enfin, en cinquième, bah, à nouveau aussi. Bah, oui, celui-ci, il fallait le placer parce qu'il était très bien. Bah, que rajouter de plus que Daisuke, bah, City Hunter. Bah, en plus, voilà, quoi, City Hunter, bah, pareil, il va être deux fois chez moi. De toute façon, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est tout. Numéro 4. Regardez-le. Tout a été dit. Numéro 4, le retour du Roi Léo. Ouais, le retour du Roi Lion. Voilà, du Roi Léo. Tout sera révélateur. C'est pas fait exprès du tout. Bah ouais, qui passait sur la 5, celui-ci, par contre, avec un excellent générique de Claude Lombard. Appelez Léo, appelez Léo. L'histoire, bah, justement, bah, l'histoire, vous la connaissez, hein, du petit lionceau qui va devenir roi quand son père va mourir, bref. Et c'est un manga. Ouais, et de Tezuka, tout ça, tout à fait. On arrive à nouveau au trio, et cette fois, Hunter 3. Voilà, bah, le trio, il est assez, comment dire, classique, hein, je suis désolé, mais voilà. L'inverse de ce qu'a fait Daisuke un peu. Voilà, bah, il est très assez classique, bah, City Hunter, parce que c'est City Hunter, parce que c'est toujours très, très bon. C'est toujours très drôle. Numéro 2, Ranma. Ranma, bah, Daisuke a déjà tout dit. Ranma, regardez, lisez, c'est juste très bien, ça a pas vieilli, c'est toujours et Roland, aussi drôle. Quoi. Et Roland. En plus, je fais un dédicace à mon beauf, parce que là, ça y est, il m'a relancé là-dessus, là, je suis en train de, je vais. On en est au tome 17, hein. On en est au tome 17. Je sais, on est au 17 et j'en ai encore beaucoup d'autres à prendre, tu vois. Je on est pas loin de la fin, hein. On est à Taro le collant, là, donc on est pas loin de la fin. Ouais, donc du coup, c'est parti pour que. Ouais, encore un taillot. Et enfin, en premier, tu nous as mis. Donc, ouais, bah oui, Dragon parce que quoi que vous en disiez, Dragon Ball Z. C'est un standard, voilà. Ah voilà. Oui, quand même, oui. Dragon Ball Z, voilà. Moi, je sais que voilà, c'est quelque chose qui m'a complètement. Bah, vous voyez. Hein. Voilà. voilà. Dragon Ball Z. Petite réaction, Simon, sur le top de Daft Pakun. T'as appelé ton enfant Son Goku. Moi, j'aurais mis Borgman. Ouais, non, mais je vais pas revenir là-dessus. Sachant que par rapport à Daisuke, il y a du, bah, du Roi Léo. Il y a le Roi Léo. C'est du commun. Bon, après, c'est la petite sorcière, c'est vrai que bon, ça, c'est les classiques. Et puis, J'ai failli mettre Alpha J-Quack en plus. Hein. Ouais, j'ai fait, parce que je me rappelle de ça. Je me rappelle, ça passait le matin en plus, Alpha J-Quack. Oui, c'est vrai, c'était bien. C'était du matin. C'était bien. Alors, je tiens à préciser qu'il y avait 33 séries qui ont été proposées, enfin, qui ont été soumises au vote. Donc, il fallait qu'ils fassent un choix. Top 7, il y avait 33 séries au total. Donc c'était le top de Daft Pakun. Il est minuit et on va bientôt. Si vous êtes encore là. Oui, encore quelques personnes. N'hésitez pas à réagir hein, sur les tops. Hein. N'hésitez pas. Ouais, on va passer à celui-là de Ryodoka qui nous a placé donc en 7ème City Hunter 3. Parce que City Hunter. Voilà. Bah, c'est... et déjà va mourir et oui bah parce que City Hunter c'est City Hunter, voilà, on peut pas nier une qualité. Et pour moi City Hunter, même si Dragon Ball Z c'était extraordinaire et tout, il y a pas de souci, City Hunter avait quelque chose de différent, plus adulte. Ouais, plus c'est adulte. Ça, voilà, c'est ça, ça exactement. Les histoires polars et tout, c'était plus intéressant. Ensuite, numéro 6, Kiki la petite sorcière, donc un Ghibli. Oui, j'adore ce Ghibli. Il y a même pas photo. C'est un truc que j'aime bien me revoir de temps en temps. J'aime bien ce côté. En fait, dans ce film-là, en fait, il y a pas de méchant, il y a pas de. C'est juste une vie qui passe et j'aime bien, c'est reposant. En fait, ça fait du bien. Trench de vie. Cinquième, c'est pas un City Hunter, c'est Venus Wars. Venus Wars. Pour les mêmes raisons que tous, hein, voilà, Venus Wars, c'est Venus Wars, c'est excellent, faut regarder, foncez regarder, voilà. Quatrième, Pat Labor, la série télé. Ouais, voilà. Tout à fait. Bah, du méca, parce que du méca. Voilà. Numéro 3, bah, une
c'est pas une entrée, mais voilà, Tenku Senki Shurato. Mais c'est une nouveauté par rapport aux deux autres top. Il faut regarder en Vost, en fait, hein, totalement, sans Bernard Minet, tout ça. quand j'ai redécouvert cette série-là, mais vraiment en Vost, je me suis rendu compte qu'elle était 10 000 fois mieux que ce que j'avais vu quand j'étais enfant, en fait. Ah ouais, mais okay. Franchement, voilà. Totalement. Et on arrive au second qui est une Fuma no Kojiro, no Kojiro. Yasha N, donc un manga adapté en animé de Masami Kurumada. Et oui. Normalement, c'est cette série, enfin ce doublage. Je crois qu'il y a eu un doublage horrible. Moi, je ne l'ai vu que en Vost. Donc en fait, je ne sais pas. En fait, voilà. Et bon, je ne préfère pas savoir au final. Moi, je préfère pas savoir au final, mais comme j'ai vu en Vost, j'ai adoré l'histoire, tout simplement, l'histoire de tous ces sabres et tout. Enfin, voilà. J'ai adoré et j'ai trouvé ça super. Comme je dis, heureusement, quelque part, je n'ai jamais connu ce doublage calamiteux. Et numéro 1, Guyver. Guyver. Guyver, quoi. Guyver, The Bio Boost Armor. Voilà, avec la guitare au départ, ce côté gore, mais. Mais je me rappellerai toujours quand j'ai montré ça à mon frère de 8 ans et que. Et le premier truc qu'il a vu, c'est waouh, t'as vu, il éclate des crânes juste avec la force de ses doigts. T'as vu le méga smasher, le rayon, comment il est hyper. Mais oui, c'est ultra badass. Et mon frère n'a pas vu les ectolites de sang qui coulaient des bras. Non, lui, il a vu la force surpuissante du personnage. Et oui, j'ai vraiment montré ça à mon frère de 8 ans. Mais et t'as rêvé de oui, le faire. Guyver fait partie de mes séries préférées. Voilà, c'est. Je surkiffe, je revois et j'ai même regardé les films. Voilà, ouais, avec... ça, c'est sachez que j'ai les deux films mal, hein. Et que le 1 il est quand même avec Mark Hamill. Ouais, il faut le noter. Ouais. Ah, voilà, ouais, s'il vous plaît. Donc, il est mieux que le 2. Ah oui, totalement mieux que le 2. Il y a rien à faire. Dans le 2 il y a des oanoïdes avec des flingues. C'est quoi, c'est Metroids, non? C'est Metroids, Metronix. Ouais. Mais oui, non, la première série du coup, Guyver, qui était juste extraordinaire, et je rêve qu'un jour le manga sorte en France. Vraiment, sachant cette partie que de Guyver, c'est la seconde partie, parce qu'il y a une première partie qui est produite en 86, et il y a une, donc c'est la suite, mais en 89. D'accord. Il y a une série télé aussi qui est passée dans les années 2000. Il y a voilà, une série qui regroupe qui reprend tout depuis le début et avec un nouveau graphisme et qui va beaucoup plus loin et qui s'est arrêté comme ça assez brutalement. On a que la saison, il y a eu qu'une seule saison et c'est fort dommage parce que c'était vraiment prenant. Et donc, c'était une série que j'ai à la maison d'ailleurs, totalement. Et c'était le top de Ryodoka et alors un avis Simon Borgman peut-être. non mais en fait. J'étais en train de regarder la liste sur Wikipédia des séries sur NES, et c'est vrai qu'il a sorti Guyver et Shurato. Et alors que l'autre, et c'est vrai que ces séries sont vraiment très. C'est génial, quoi. Enfin, moi, j'ai adoré. Sachant que j'ai mis, dans la liste que tu as de ton côté, j'ai mis ceux qui ont été diffusés en France et beaucoup plus de choses, mais qui n'ont pas eu. Mais c'est vrai que Borgman n'était pas. Et on va passer à l'avant-dernier top. A failli diffuser. L'avant-dernier top qui est celui de Yota. Et demain matin, à partir de 11h, nous avons. Oh, allez. Il faut qu'on se dépêche un peu. Voilà, c'est parti pour Yota qui nous a mis Dragon Ball Z cette fois. Le film 1, La poursuite de Garlic. Pourquoi ce choix? Parce que c'est un film, tout simplement, de Dragon Ball. Et ça nous sort de ce qu'on avait avant. C'est le premier film et on est sous le charme en 50 minutes d'une histoire qui est concentrée avec et un personnage. On est encore dans du Dragon Ball, mais pas encore la période. Ouais, c'est ça. C'est un entre-deux. Mieux au final. Parce que moi, je préfère la période Dragon Ball, personnellement. Parce que là, Piccolo peut se battre, tu vois. Tout le monde est plus ou moins arrive à se battre. Donc c'est assez intéressant, effectivement. Après, ça part un peu. Il n'y a pas vraiment ce côté power-up, en fait, encore, tu vois. Ouais. Même si on a bien aimé, moi, j'aime tous les films de Dragon Ball. Il n'y en a aucun que je jetterai, hein, réellement, moi. D'accord. Bref. Numéro 6, Pat Labor, la série télé, à nouveau, ici. Voilà. Alors, moi, dans mon cas, tout ce que je mets, c'est, je peux pas le classer par vraiment mon envie, celui que je veux être au premier, ainsi de suite. C'est vraiment à ceux que j'aime, il fallait bien que je les place quelque part. Donc, voilà, Pat Labor, la série télé, effectivement, parce que je l'ai pas trop vu, réellement, mais j'ai pu le voir beaucoup plus tard en entier, les 50 épisodes, plus les OAV et compagnie. Et c'est une série qui est assez intéressante, on en a parlé, donc on va pas parler dans 10 ans. Et les fameuses tranches de vie, ces robots qui sont utilisés
enfin, qui parlent pas, qui sont, c'est juste des machines qui sont utilisées. Quoi, ah, c'est, c'est des suites, hein, c'est. Voilà, et non, des mobile suites, hein, surtout les films, les films qui ont, qui donnent un aura encore plus supplémentaire à la série télé, donc ouais. Très très bien. C'est okay. Ça la vraie différence entre un robot et un mobile suite. Hein. Un robot, ça a une IA, et une mobile suite, bah, c'est commandé, quoi, tout simplement. Mais c'est une série qui était trop en avance sur son temps pour la France. Oui, tout à fait. Mmh. Ah, oui, tout à fait. Ok, d'accord. Cinquième, alors je tiens à signaler qu'il y avait cinquième, normalement c'était mais pourquoi City Hunter. Il avait cité deux fois City Hunter, on comprend. Que je déteins sur Yota, je peux prendre. Ah, ça, on mais avait. Il a remplacé parce que je l'ai contacté là, pour dire j'ai... Ah, je m'aperçois que tu as mis la même chose. Je te contacte. Qu'est-ce que tu veux mettre en cinquième? Et il nous a mis Kimagure Holland Road Suspense. Ouais, Kim. Un OAV. Parce que c'est celui qui est sorti à ce moment-là. Et Oui, au Japon, mais pas. C'est de bonne raison. Non, c'est parce que c'est un épisode quand même qui est sympa parce que déjà c'est la plage, c'est Hawaï, c'est les maillots de bain, et puis surtout ça en fait. Non, mais après il y a le côté un peu performeur de notre ami Kyosuke qui sait défendre tout le monde avec ses pouvoirs aussi. Je trouvais ça intéressant à ce moment-là, puisqu'ils se font attaquer par des malfrats américains, bien sûr. Même si l'autre qu'on avait parlé était aussi intéressant quand il était Je suis un poisson, je crois. Oui, d'accord. Okay. Ouais. On arrive au quatrième qui est donc Kiki la petite sorcière qui a été cité aussi par le Doka. Voilà, on peut passer directement. Hein, c'est juste, ok. Troisième, Ranma, la série. Un ennemi. Voilà. Numéro 2, City Hunter, le film 1. Il est revenu loin dans. Alors là, par contre, tu vois, mon choix, je tiens à en parler. C'est simplement que moi je l'ai vu en VO sous-titré anglais, en cassette VHS à l'époque. Et et avant d'avoir vu le film, j'ai eu le OST sans savoir ce que ça venait d'un film en fait. Donc en fait, ce OST là, c'est pour ça que je suis parti d'ailleurs, je vais le chercher. Et j'avais des musiques, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est musique de City Hunter, mais c'est dans la série. Je comprenais pas trop. Et puis après, j'ai vu, tiens, même titre, dans un choix que je pouvais faire là où je les ai pris. Et du coup, j'ai vu le film et j'étais tombé par terre parce que je savais pas qu'il y avait des films moi à l'époque sur les séries. Ah oui, parce que je veux dire, c'était une découverte en fait. Voilà. Et puis surtout, il y a un thème dedans qui s'appelle Nina et magistral au piano et tout. C'est. Voilà. Et enfin, en premier, tu nous as mis à nouveau Venus Wars, mais numéro 1 pour toi. Et les films, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire on découvre qu'il y a des films qui existent, des dessins animés japonais. Moi, en Norvège, je ne connaissais pas. Hein. J'avais pas de vidéoclub qui diffusait quoi que ce soit, enfin de cinéma ou à Paris qui pouvait peut-être diffuser. Enfin bref, c'était compliqué là où j'habitais de savoir qu'il existait des trucs. Et donc, c'est l'Ardèche, quoi. Non, mais voilà, donc on a décrié manga vidéo aussi pour beaucoup de trucs. Mais j'ai découvert plein de trucs que je ne savais pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Manga vidéo, m'a permis de découvrir notamment Gaiver, tu vois. Ouais. Donc voilà. C'était, et pour ça, je les remercie mille fois. Tu vois. C'était le top de Yota sur l'année 89. Et un avis, Simon. Borman. Oui, il fait très beau aujourd'hui. D'accord. Et enfin, on va arriver au dernier top de cette soirée. Miss Météo. City Hunter. Et c'est le mien. Et nous avons Salut la petite sorcière en 7e. Ah, toi aussi. Dragon Ball Z à la poursuite de Garlic en numéro 6. Le retour du roi en 5e. Pat Labor en 4e. Tenku en 3e. Ranma en 2. Et puis, j'ai pas mis City Hunter 3, hein, parce qu'il était cité. Les produits en 89, mais... Non, mais de toute façon, on a compris tout ce qu'on aimait. Ils ont tous compris qu'on aimait City Hunter, quoi. Ouais, c'est compliqué de mettre vraiment des ordres parce que c'est tellement des histoires toutes différentes et au final, on les met, mais dans un ordre et c'est pas forcément l'ordre. Oui, on les aime tous autant, même level, quoi. Et voilà, c'est ça. C'est des amours. On aime des séries pour des raisons différentes et c'est pas pour autant qu'on en aime plus qu'une autre. Que dans les choix, il y avait certaines séries, des films qui étaient notamment Ball Z de la série B, mais aussi Team, du City Hunter 3, mais il y a aussi Pat Labor, non ? Il y avait Pat Labor qui avait aussi 89 en même temps. Excellent, que la série excellent. Moi j'avais adoré ce film. Vénère. Et on va, hop là, bim, ça y est, on arrive enfin au bout de cette émission. Très longue émission. Déjà 3 heures d'émission. Je vais avoir de la coupe à faire. pour les petits moments où nos invités nous ont. Et nous, on a passé de la pub, faut pas couper. Nous ont laissé. Voilà, donc j'espère que vous avez. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous salue. Salut à toi, Franck, qui vient d'arriver.
C'est dommage. Ça sera disponible en replay sur la chaîne YouTube et en audio. Je sais qu'il y a le second qui n'est pas encore mis en audio, mais voilà. Donc merci d'avoir suivi. Vous avez bien réagi au moment du dossier tout coup ça tout. On va se donner rendez-vous le mois prochain pour un quatrième numéro. Pour l'instant, j'ai pas la thématique. J'ai plus envie d'annoncer. J'ai plus envie d'annoncer parce qu'après je sais plus. je veux pas m'avancer trop. Voilà. Donc, alors, prochain rendez-vous demain. Enfin, tout à l'heure plutôt. Il est minuit 15. Déjà demain. Donc, rendez-vous à 11h pour Apérotac. Vous en a parlé Ryodoka avec l'invité. Jean-Mathias Xavier. Voilà. Il sera parmi nous de 11h à 12h. Et non, Sylvain, faut, à un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut faire toute la soirée. Et on fait une émission demain, enfin tout à l'heure. Hein. Donc voilà, apéro tag demain, 11h, 12h. Juste le temps de te réveiller, pouf, t'as une nouvelle émission. Voilà, c'est, c'est ça, c'est dingue. Ça sera en direct. Voilà, puis après, sinon, à nouveau Morning Attack avec Patrick. Et puis voilà, de plus. Voilà, on vous souhaite une très bonne nuit hein, pour ce et surtout. Et puis on se quitte avec un petit duel. Bah, rendez-vous. Non, il y a Sylvain. Enfin, c'est Simon. Oh la vache. J'ai cru que c'était. Parce que c'était caché à moitié, moi. Ouais. Donc voilà. Merci. Je remercie à nouveau donc, Vania et Nathanaël de Monkeys TV et Little Big Monster Edition. On les ravitera à nouveau dans une autre édition. Et puis, bah, on se quitte. Il n'y a pas de musique. Hein. Un visuel. Ciao, ciao. Et bah, salut, bisous! Merci à demain! Salut! À bientôt! À bientôt! Non, pas taillot! À bientôt!